Voilà, les gars, j'essaie de partager au maximum et puis après je vais lancer le truc quoi. Là, j'essaie de partager, d'inviter un certain nombre d'amis. Et après, on va commencer.
Voilà, les gars, partagez. Partagez. Bon, c'est parti. Bonjour, mon frère. Bonjour, Mami Nanga. Ouais, Coloco. Bonjour, Queen. Bonjour, Gisèle. Bonjour, Eric. Barbara. C'est comment, Barbara? Bonjour à tous. J'espère que la semaine, ça a été. Là, on est le dernier jour du week-end. Vendredi, c'est souvent le jour, ça fait chier. Salut, Ikoum. Vendredi, c'est le jour, c'est le choc. Les gens n'aiment pas ce jour-là parce que demain, on commence encore notre misère. Donc du coup ça fait un peu chier. Bon, on n'a pas le choix, hein. C'est la routine dans laquelle on se trouve. C'est la routine. J'espère que le week-end s'est plus ou moins bien passé. On pouvait pas manquer de faire un direct par rapport à l'actualité. L'actualité est brûlante. Donc du coup on avait le droit d'essayer de. Oh, non, non, écoute. Adé. On avait le devoir d'essayer d'analyser ça d'une autre façon. Parce que je pense que l'année 2019 va être une année cruciale pour notre pays, pour notre continent, où les accords se font et se défont, les accords vont être renouvelés, il y en a qui ne vont pas renouveler. On est. Oh, Dak, grand café. C'est comment, mon frère? Ah. Ouais, il faut partager les gars, qu'on atteigne, voilà, on est 8, qu'on atteigne au moins 10. Dak, grand café. Je t'ai vu pousser à la salle de gym. C'est bien. Et oui. Donc, comme je disais, c'est une année archi cruciale pour nous. C'est une année grave, grave, grave cruciale. 2019. Ouais, il y a la forme, mon fond, essaie de s'accrocher. Essayez de partager, les gars. 2019 va être une année décisive. Ouais, ça va être vraiment décisif pour nous. Donc, il va falloir qu'on soit au taquet de l'information, qu'on soit à l'affût et qu'on essaye d'analyser tout ce qui va se passer, d'analyser même ce qui n'est pas analysable. Parce que 2019, ça va être chaud. Ça va grave être chaud pour nous. Ou on prend notre indépendance, ou on retourne en esclavage. La police, non, c'est parce que tu veux rester à Douala, Dak, grand café. Va à l'arrière du pays, au village, mon frère. Tu vas avoir encore, tu auras affaire avec la nature dans son état brut. Tu peux aller faire de la randonnée dans les champs, dans les forêts, il y a tout ça. C'est parce que vous voulez rester à Douala avec la pollution des motos, des taxis, tout ça. Le bruit, la pollution sonore, tous ces trucs-là, mon frère. Rentre au village. Déjà, je ne sais pas où tu vis, mais si tu vis en Europe, tu as déjà fait avec le béton en permanence. Donc, si tu retournes au Cameroun, c'est parce qu'il faut que tu essaies de te ressourcer. Tu rentres au village, je sais pas de quel village tu es, mais je sais qu'au niveau de Douala, quand tu as Douala, quand tu essaies de sortir de Douala, que ce soit à Kribi, non, Souza, Mbanga, Ndjombe, Pendja, Edea, là-bas tu auras vraiment affaire avec la nature dans son état brut, quoi. C'est parce qu'on a envie de rester à Douala, Yaoundé. Il y a la plage, il y a Kribi où tu peux avoir la plage, où tu peux vraiment te ressourcer. Mais si tu restes à Douala, c'est sûr que tu auras affaire avec la pollution. Donc oui, 2019, ça va être chaud. Ça va grave être chaud. Il faut qu'on soit au taquet. Il faut qu'on soit à l'affût. Parce que les choses se dessinent. Les choses se dessinent. La peur a changé de camp. Certaines personnes veulent anticiper. Mais je pense qu'avec la venue des réseaux sociaux, les données vont changer. Les données sont en train de changer.
L'ennemi, la peur a changé de camp. L'ennemi se dévoile. Dans cette bêtise, dans leur... Ils n'ont même plus... Ils ne cachent même plus. Ils ne se cachent même plus. C'est la survie. C'est la survie de leur continent. Aujourd'hui, on voit que l'Europe est dos au mur. L'Europe est dos au mur, la France en particulier. À force d'être dos au mur, ils ont eu la colonne vertébrale qui est devenue en ciment. La France est aujourd'hui en train de vouloir aller anticiper les choses en Côte d'Ivoire. Macron va en Côte d'Ivoire, il nous pond des chimères. Mais il faut être un taré pour croire ça. Il faut être vraiment taré. Il faut être un malade mental pour croire ça. J'ai essayé de lire le journal Le Point sur les réseaux sociaux, mais c'est à dormir debout. Oh, Matignon, Adé, ma bras là. Adé. Mais il faut être un malade mental pour ces histoires-là. J'ai lu Le Point. J'ai lu Le Point ce matin. Mais quand vous voyez. Et ces gens-ci nous ont pris pour des... Je ne sais pas moi, ils croient qu'on est encore au 17e siècle. Ils croient qu'on est encore au 17e siècle où ils peuvent venir mentir. Ils peuvent venir dire n'importe quoi. Et ils pensent que voilà, comme on a fabriqué, on fabrique des gens qui vont venir les acclamer. Parce que généralement, c'est des gens qu'on met dans des salles. Et ils n'ont que le travail d'applaudir. Mais comment dirais-je, les vrais contestataires de cette politique, de ces monnaies-là, on les éloigne. Certains sont dans les... On les garde au chaud. On ne veut pas qu'ils viennent embrouiller l'arrivée du roi Macron. Mais c'est... Ah oui, d'accord, café, l'Europe en général est polluée, mon frère, c'est même pas la peine. L'Europe est polluée. Quand tu vois toutes les maladies, tu crois que c'est quoi ça aussi lié à la pollution. Même cette pollution, on parlera même de ça. Donc quand on voit le roi Macron en Côte d'Ivoire et que les gens ont balayé les rues, on trie un certain nombre de personnes dans les volets et on les fait entrer dans des salles et Macron parle, on applaudit. Mais c'est à dormir debout. À dormir. Et quand ils montrent ces images dans leur chaîne vendue là, tout le monde croit qu'effectivement les solutions qu'ils ont apportées sont les bonnes solutions. Les solutions qu'ils ont apportées sont des... C'est les solutions messianiques. Le délit, Mami Nyanga, c'est qu'ils ne nous donnaient pas les miettes. Ce que vous ignorez, c'est que la sécurité sociale était subventionnée par les pays africains. La sécurité sociale en France était subventionnée par les pays africains. La France fonctionnait avec une aide des pays africains, pas possible. Pas possible. Mais on n'a jamais dit ça au peuple français. Le délit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le vice, les présidents africains ont commencé à vicer, surtout ceux de l'Afrique centrale. Et du coup, ça fait que ça se ressent en France. Comment un mec n'est pas capable de gérer les problèmes sociaux en France? Les gilets jaunes sont là depuis un an, mais il prétend vouloir aider un continent. Un continent, il n'est pas capable de gérer. La France qui fait, je pense, dans les 80 ou 60 millions d'habitants, il n'est pas capable de les gérer. Il n'est pas capable de les emporter des solutions, mais il prétend vouloir emporter les solutions à un continent qui fait près de 1,2 milliard à 300 millions d'habitants. Mais est-ce que vous pensez que ça tient la route? Mon frère, bon, je ne suis pas chrétien, mais je dis même la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même, mais pas plus que toi-même. La France ne peut pas aimer l'Afrique plus qu'elle-même. Elle a déjà ses problèmes ici. Elle a ses problèmes. Il y a la réforme des retraites qui ne passe pas. Il y a la réforme des retraites qui ne passe pas. Ça fait un mois que le trafic ferroviaire est bloqué en France. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'acceptent pas cette réforme des retraites-là. Mais quelqu'un laisse tout ça, il prétend vouloir venir aider l'Afrique. Non, mais il faut être que... Il faut pas faire science pro, je ne sais pas moi, en Guayaquil, en pour comprendre que ça, c'est du vol. Le mec a 80 millions de personnes, d'habitants ici, aidez-les. Il n'est pas capable. Les gilets jaunes sont là, ça fait un an. Et là, maintenant, il a voulu passer en force avec la retraite à point. Les syndicalistes sont sortis parce qu'ils ont dit non, ça ne tient pas la route.
Ils sont tous dehors. Et tout ça pourquoi? Parce que la mangeoire, le robinet est fermé. La mangeoire est fermée, le robinet est fermé. Les pôles bien là-bas, les débits, les bongos, celui de la Guinée, ou bien tous ces papas l'ont fermé. Aujourd'hui, maintenant, il faut mettre les réformes. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est parce que ça, c'est fermé. L'Afrique a dit que c'est fini. L'Afrique a dit c'est fini. Il y a la diversification des partenaires. La France n'a plus le droit comme elle avait 30 ans. C'est fini. Aujourd'hui, il faut qu'elle vive donc de ses propres efforts. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens-là dans la rue. Maintenant, comme elle s'est fait passer pour un des grands pays de l'Europe, elle est obligée d'assumer. Maintenant, faire une rétrospective et venir dire au peuple que, en fait, comme Chirac avait dit, bonjour Laurent, bonjour, comme Chirac avait dit que la grande partie d'argent qui se retrouve dans le porte-monnaie des Français provient de l'exploitation de l'Afrique. C'est ça qu'ils n'ont pas le courage de dire. Hotep Mendoa, c'est ça qu'ils n'ont pas le courage de dire à leurs citoyens. Qu'aujourd'hui, le nègre a pris conscience. Les yeux se sont ouverts. On est obligé de vivre aujourd'hui de nos propres moyens. Parce que c'est les pays qui ont passé le temps à vivre au-dessus de leurs moyens. L'Amérique, la France, tous ces pays-là, tous ces soi-disant pays, grands pays, ils ont passé le temps à vivre au-dessus de leurs moyens. Quand certaines personnes étaient aveugles, quand on n'avait pas compris un certain nombre de choses, quand on croyait à leurs bêtises qu'ils appelaient droits de l'homme et colonie et démocratie. Aujourd'hui, tout le monde va dans les mêmes écoles. Il y a les réseaux sociaux, il y a les livres, les gens aspirent beaucoup plus à la liberté et on a compris dans la supercherie. On a compris la supercherie. Les présidents en Afrique, contrairement à ce que les gens croient, ils n'ont même plus aussi la main libre parce qu'il y a le peuple qui est aux aguets. Ça fait qu'ils commencent à visser. Et vu qu'ils vissent, ça se ressent à métropole. Voilà le problème de la France aujourd'hui. Expliquez aux Français le vrai problème. Dites-leur que vous avez toujours vécu sur le dos d'une population. On a paupérisé une population pour que vous ayez votre train de vie ici-là. iPhone 5, 6, 7, 8, 10. Dormir au chaud. Manger tout bien. C'était la force des pays africains. Sur le biais du franc CFA, sur le biais des accords coloniaux, sur le biais des chartes et de l'impérialisme, c'était tout ça, c'est tout cet ensemble de vices qu'on a décidé de poser sur les pays africains qui faisait que l'Europe, ça la coulait douce. Aujourd'hui, donc, comme on dit souvent, l'horloge tourne. Aujourd'hui, l'horloge est en train de tourner. Le prédateur d'hier se retrouve aujourd'hui en animal. Le voleur d'hier se retrouve aujourd'hui en train de fuir. Les forts d'hier se retrouvent aujourd'hui les faibles. En fait, ils croyaient que l'Afrique était dépendante d'eux. Sur les yeux du monde, la place publique, on voit que ce sont eux qui sont dépendants de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez passé le temps à dire que vous êtes fort, fort, fort. Maintenant, exprimez donc votre force. Il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, la France est en train de voir le choc. Les aides sociaux vont se baisser. Ça va diminuer. Les aides sociaux vont se baisser. Ça va diminuer. Donc, la France, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle sera obligée de faire face à son destin. Ce n'est pas un truc à discuter de midi, 14 ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, elle est la chute de l'Occident. C'est en train d'arriver. Les gens ont théorisé ça au 17e, 18e siècle. Ça, c'est là, la chute de l'Occident. C'est là. Parce que les Karl Marx le disaient. Vous avez passé votre temps à piller les gens. Vous avez passé votre temps à exploiter les gens. Mais faites attention, quand ces gens-là vont prendre conscience, ça sera l'inverse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le pétrole, l'uranium, le bois, tout ça était pris gratos. La France avait l'occasion d'être un grand pays après les indépendances en Afrique. Elle a eu une occasion phénoménale d'être un partenaire économique de 1 milliard
près de 1,3 milliard d'habitants. Elle allait faire du partenariat gagnant-gagnant parce qu'elle avait près de 14 à 15 pays qui parlent sa langue, qui parlent français. La France aurait dû aider ces pays africains à se développer. Ils allaient être un partenaire pour son économie, pour son marché. C'était un grand marché que la France a passé à côté. Elle a cru que non, il faut les paupériser, il faut les esclavagiser, il faut les mettre au plus bas que terre pour pouvoir être au-dessus. Elle n'avait jamais réalisé qu'un jour les fils d'esclaves vont prendre conscience et la donne va changer. Elle n'a pas pensé à ça. Parce que les gens pensent souvent que comme ils réfléchissent un peu, ils peuvent dominer tout le monde. Ils croyaient qu'ils devaient être, je ne sais pas, qu'ils allaient passer le temps à dominer les Africains toute leur existence. Ils n'ont jamais pensé un seul instant que les gens-là vont se réveiller. On leur a dit, les penseurs leur ont dit, ils ont botté en touche. Elle est passée à côté de son émergence. Aujourd'hui, c'est devenu catastrophique le sentiment anti-français en Afrique. Le Mali hier, où la France était le bienvenu, le Niger, même cette Côte d'Ivoire qu'on est en train de vouloir nous manipuler, le Burkina, sans parler du Cameroun, tous ces pays aujourd'hui n'ont même plus envie d'entendre parler de cette France-là. Tous ces pays parce qu'ils se sont sentis trahis, ils se sont fait trahir par une personne à qui ils avaient confiance. Aujourd'hui, Macron est obligé de faire sa pute partout. Aller en Côte d'Ivoire, se mettre devant, raconter tout et n'importe quoi, venir nous parler. Parce que les Africains demandent la chute complètement du franc CFA. Je dis bien l'éradication de cette monnaie dans nos pays. Ils sont restés dans leur bureau climatisé, avec leurs secrétaires et consorts, parce qu'ils ont toujours tendance à croire qu'ils sont plus intelligents que les autres. Nous autres pays, du tiers monde, comme ils le disent, on n'a pas le cerveau pour réfléchir. Depuis 2000 ans, on nous trompe, on ne peut pas prendre conscience. Ils savent qu'ils sont les patrons. Tout ce qu'ils disent, c'est parole d'évangile. Amen, amen, amen. Et ils veulent nous rouler encore. Ils arrivent avec l'écho. Ils arrivent avec l'écho. C'est quoi l'écho? J'ai pris mes petites notes. On va parler nous tous de l'écho là. Aujourd'hui là, on va entrer. J'ai pris mes notes. Voilà ce que le journal Le Parisien dit. Des dépôts des réserves d'échange en France. La BCAO ne devra plus déposer la moitié de ses réserves d'échange auprès de la Banque de France. Ça, c'est le franc CFA. Hein? C'est les conditions du franc CFA. Maintenant, comment on passe à l'écho? Voilà ce que Macron lui dit. La BCAO ne devra plus déposer la moitié de ses réserves d'échange auprès de la Banque de France. Hier, quand on disait ça à la France, elle disait que c'est faux. Quand on disait ça à la France hier, elle disait que c'est faux. Aujourd'hui, elle accepte. C'est le journal Le Point qui le dit. Auprès de la Banque de France, oui, n'aura à l'avenir plus l'obligation particulière concernant le placement de ses réserves d'échange. Elle sera libre de placer ses avoirs dans les actifs de son choix. Donc, elle dit aujourd'hui que la BCAO aura une liberté totale de poser ses acquis dans les endroits où elle veut. C'est le journal Le Point qui le dit. Troisième changement. Ça, c'est le changement de l'écho au franc CFA. Troisième changement. La France va se retirer des instances de gouvernance de l'Union monétaire ouest-africaine. Donc, comme on disait hier que la France était là, elle disait non. Aujourd'hui, elle accepte que oui, elle était là. Donc, elle dit qu'avec la venue de l'écho, elle va se retirer des instances qui vont gouverner cette monnaie-là. C'est ce qu'elle dit. Ouest africain.
Lui-moi. Lui-moi, c'est la Banque de l'Afrique de l'Ouest. Lui-moi, où elle était présente, la France ne nommera plus aucun représentant. Donc, dans ces banques centrales-là, c'est la France qui nommait les représentants, le président de cette banque-là. La France avait deux Français qui étaient au sein de ces banques, au conseil d'administration. Comme on dénonçait ça il y a 1, 2, 3 ans, elle disait non, c'est faux. Aujourd'hui, c'est le journal Le Point qui le confirme. Que oui, effectivement, la France ne mènera plus aucune représentation au conseil d'administration et au comité de politique monétaire de la BCAO. C'est ce qu'ils disent. Hein. Hier, ils disaient que non. Aujourd'hui, ils acceptent que oui, effectivement. On continue. Ni à la commission bancaire de l'UMOA, explique l'Élysée. Ça, c'est l'Élysée qui l'explique. Donc, tout ce que les gens ont passé le temps à dire, ou elle niait complètement qu'elle n'avait pas son mot à dire. Aujourd'hui, vu qu'elle avait changé cette monnaie-là pour faire revenir notre monnaie de singe, elle confirme effectivement qu'il y avait ces pions là-bas. Il y avait ces pions là-bas. Mais elle a nié ça toute la vie, elle disait non. On va continuer. Explique l'Élysée. Ce qui ne change pas, voilà le vrai, voilà où le Shiba passe. Donc, ils ont raconté des conneries. Maintenant, ils veulent encore nous faire avaler une pilule. Ce qui ne changera pas la parité fixe avec l'euro. Donc, si vous voulez bien comprendre, l'écho qui arrive là, un écho sera toujours 650, 655,96 francs CFA. Ce qui ne change pas, ça sera la parité fixe. Tout est dit. Tout est dit. Voilà donc ce que le journal Le Parisien nous dit. La parité fixe avec l'euro. Le franc CFA future. La parité fixe avec l'euro. L'euro du franc CFA futur écho. Donc le franc CFA futur écho est maintenu 1 euro et 1 euro. Et comme 1 euro égale 655,96 francs CFA, il s'agit d'éviter. Voilà donc l'écho sera 1 écho va coûter. Toujours le même prix, 655,96 francs CFA. Ça, c'est ça. Et ils nous disent en bas, il s'agit d'éviter le risque d'inflation. Ah, le risque d'inflation. C'est ce que le président Ouattara explique. Hein? C'est Ouattara qui explique ça. Donc, ça sera pour éviter l'inflation. Là, il commence à parler les termes économiques. Donc, francs CFA. Écho, les conditions sont les mêmes. Il n'y a rien qui change si ce n'est pas le nom. Si ce n'est pas le nom, parce qu'elle explique, ils expliquent ça ici bien. La parité fixe avec l'euro du franc CFA, futur écho est maintenu à 1 euro égale 655,96 francs. Il s'agit d'éviter les risques d'inflation, a expliqué le président Ouattara, alors que cette parité fixe est pourtant un des problèmes majeurs du franc CFA. Cette parité fixe est pourtant un des problèmes majeurs du franc CFA. Parce que le fait de maintenir le franc CFA à l'euro et de la laisser fixe permet tout simplement aux investisseurs européens arrivés dans nos économies poser leur argent sans, il n'y a aucun risque parce que la parité fixe et l'État garantit tout leur investissement. Voilà ce qu'ils nous, ils veulent nous sortir. Bonjour, Lucie Morino. Voilà ce que donc ils nous sortent. On leur a dit une monnaie ne doit pas être fixe. Une monnaie, on veut un régime flottant. Le professeur Agoou l'explique bien et plusieurs économistes l'expliquent qu'une monnaie doit être flottante. Une monnaie, un pays doit avoir une politique monétaire. Elle sait quand elle doit dévaluer, elle sait quand elle doit réévaluer. Mais les autres ne veulent pas ça. Ils veulent tac, ça reste stable. Ça reste complètement stable et en plus de ça, ça permet aux investisseurs extérieurs, quand ils viennent avec leur euro, leur dollar, quand ils convertissent ça chez nous, ça donne une montagne d'argent. Et quand ils investissent, ça permet de faire tout simplement l'évasion fiscale. Parce que comme eux-mêmes le disent, la France garantit le changement du franc CFA à l'euro.
quels qu'en soient les millions de francs CFA que tu auras, tu arrives au trésor public français, on change ça facilement à l'euro. Donc, tous ces investisseurs, les Bolloré, tous ces gros pilleurs-là, quand ils arrivent chez nous, ils prennent facilement leur argent, ça transite facile parce que le trésor public français leur garantit ça. Donc, ça fait qu'ils viennent exploiter chez nous et ils ne sont pas capables de réinvestir chez nous. Ils n'investissent pas chez nous parce que ça devient un jeu. Ils mettent son argent, ce qu'ils donnent, ça remonte. Aucun impôt n'est payé. Avec le mécanisme du franc CFA, aucun impôt n'est payé. Tu pars en Chine, il y a un taux de monnaie qui doit sortir du pays. Il y a un taux de devises qui doivent sortir du pays. Donc, ça fait que tu arrives en Chine avec près de 1 milliard de dollars. Au moment de ressortir, tu ne peux plus sortir avec le même 1 milliard parce que la Chine, le yuan chinois n'est pas convertible à un certain niveau à l'extérieur. Donc, ça fait que obligatoirement, tu seras obligé, vu que tu ne peux pas sortir tout ton argent en Chine, tu seras obligé d'investir en Chine. Une fois que tu investis donc en Chine, tu fais le truc dans lequel tu investis, tu peux maintenant les vendre au marché extérieur. C'est par là que tu vas gagner tes devises. Et maintenant, en investissant en Chine, ça permet de créer des emplois là-bas. Ça permet de créer beaucoup de choses là-bas, contrairement à nos pays, où les gens viennent, ils portent, ça monte, ça. Donc, on pompe chez nous, on ne réinvestit pas. On pompe chez nous, on ne réinvestit pas. Aucun impôt n'est payé avec le mécanisme. Mais est-ce que les Bolloré payent les impôts? C'est l'État du Cameroun qui garantit encore même l'exploitation de l'investissement des Bolloré. Les Bolloré ont acheté nos sociétés, comment ce qu'on appelle ce qu'on appelle ils appellent ça souvent quoi? Les richesses des familles, les biens des familles. Comment est-ce qu'ils ont pris ça? Après la dévaluation du franc CFA en 80. Après la dévaluation du franc CFA en 94, où le FMI est venu imposer ses droits aux pays africains. Jusqu'à aujourd'hui, on vit encore, les séquelles de cette dévaluation-là. Quand le FMI arrive en Afrique en 94, il fait croire au président africain, en fait, il faut privatiser les sociétés d'État, on les vend. Et on les a vendues à qui? Aux gens comme les Bolloré. À combien? 1 euro symbolique. Quand ils veulent acheter une société, ils les achètent à 1 euro symbolique. Et ces mêmes sociétés, c'est l'État qui garantit le financement, la protection de ça. Donc, ils viennent seulement pomper les infrastructures, même que l'État du Cameroun a construit. Ils n'ont rien ajouté. Ils sont seulement venus pomper, 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 piller nos investitures. Les petites routes qu'on avait, ils ont tout cassé. Avec le camion, aller porter les bananes à Ndjombe, porter les bananes à Pendja. Les routes, ils ne construisent pas. C'est l'État qui doit encore garantir tout ça. Ils n'investissent rien du tout. Ils sont seulement là, ils portent. Et il y a le trésor public français qui garantit leur argent qui viennent pomper chez nous. Si c'est 7, 20, 40 milliards, ils portent tout ça. Ils arrivent, ils donnent ce trésor public français. On convertit ça directement en euros ou en francs français. Entre-temps, le pays est là dans la merde. Les infrastructures du pays dans la merde. Rien. Ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas investir. Voilà le rôle du franc CFA. Parce que le mécanisme du franc CFA est fait de telle façon que rien, rien, on ne peut rien tirer de ça. On ne peut rien tirer. Ils sont passés de ça, ils sont entrés dans le libéralisme total, où c'est devenu tout et n'importe quoi. Quand le FMI sortait, quand on ouvrait ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme, quand le FMI faisait ça, c'était pour les pays déjà industrialisés. L'ouverture des frontières, des marchés, c'était pour les pays déjà industrialisés. Maintenant, comme ils ont trouvé que l'Afrique, c'est un marché, elle est dans une position faible, ils ont cassé toutes les frontières en Afrique. Ils ont commencé à tuer nos économies en Afrique. Hein? Tuer nos économies, que ce soit les éleveurs, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, ils ne peuvent pas faire face à une agriculture et un élevage qui est subventionné par des pays européens. Ça fait que le poulet en Afrique, le fermier en Afrique qui n'est pas subventionné, ne peut pas faire face avec un fermier européen qui est subventionné par l'État. Hein? Donc, quand il parvient à nourrir toute l'Europe avec ses poulets, maintenant, les excédents de ces poulets-là, comme ils ne savent pas où mettre ça, on envoie ça en Afrique et on vend ça à prix au franc. Et quand ça arrive chez nous, à prix au franc, ça tue complètement l'éleveur qui est là-bas. Et vu que l'éleveur ne peut plus vendre ses poulets parce que ses poulets sont obligés de coûter un peu plus cher vu que ce n'est pas subventionné, ça cause quoi? Ça cause ce que vous voyez aujourd'hui, l'immigration massive. Parce que les enfants de ces éleveurs-là ne peuvent plus aller à l'école. Les enfants de ces éleveurs-là ne peuvent plus manger comme il faut 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'ils font? Le salut, comme ils ont voulu, c'est l'Europe. Le salut, c'est l'Europe. C'est comme ça qu'il y a cette grande immigration. Parce que quoi? Nos frontières ne sont pas contrôlées.
parce qu'ils ont fait ce qu'ils appellent les APE. On est en train de lutter avec quelqu'un qui est 10 000 fois plus fort que nous, aucune protection. Tout ça, c'est quoi? C'est juste cet Europe-là qui venait donner les leçons, de, je ne sais pas, les leçons. Et maintenant, quand même, il faut investir. C'est toujours les experts, ou c'est les experts du FMI eux-mêmes qui le disent, que dans tout ça même, les investissements qu'on a prévu faire dans le monde entier, qui sont près de 100 et plus de milliards d'investissements dans des pays pauvres. Tous ces investissements-là, on ne les fait pas en Afrique. On les a fait dans les pays de l'Asie, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est. Les pays africains, on les a complètement laissés parce qu'on ne veut même pas qu'ils goûtent un peu au bonheur. On ne veut même pas. Il faut qu'on les laisse dans cette paupérisation-là. Il faut qu'on les laisse dans cet état-là, qu'ils ne découvrent pas le bonheur. Parce que le jour où les Africains découvrent ce que c'est que le bonheur, ils n'en laisseront plus. Et ils vont faire la guerre pour maintenir ce bonheur-là. Donc, ils font tout. Ils font tout. Ce que Macron est venu nous montrer en Côte d'Ivoire, mais c'est de la chimère totale. Tout ça, c'est du faux et archi-faux. Tu n'as pas besoin de faire économie pour comprendre qu'il nous mente. Il faut juste acheter le journal Le Parisien et tu vois que tout ça, c'est du mensonge de A à Z. Le nom du franc CFA va changer, mais le mécanisme ne changera pas. On va continuer avec le journal Le Parisien. C'est Ouattara qui disait, il s'agit d'éviter les risques d'inflation, a expliqué le président Ouattara, alors que cette parité fixe est pourtant un des problèmes majeurs du franc CFA. Un des problèmes majeurs du franc CFA, Arima Alero, et après Paris vient nous sortir qu'elle va garantir notre monnaie. C'est la même France qui vient nous dire qu'elle va garantir notre monnaie, mais c'est la même France qui dit qu'elle va sortir des problèmes du franc CFA. C'est elle qui dit qu'elle ne va plus nommer les présidents, nommer les gens au conseil d'administration. Mais c'est la même qui vient encore derrière vous dire que c'est moi qui vais garantir votre monnaie. Mais il faut être fou pour croire ce qui nous sort. Comment tu n'as aucun intérêt? Comment De Gaulle nous disait que la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts politiques. Donc si Paris vient nous sortir que, à la fin de tout ce qu'elle nous a raconté, nous dit que c'est elle qui viendra garantir notre monnaie, c'est parce que cette même France-là a un intérêt qu'elle est en train de cacher. Elle ne veut pas nous dire. C'est ce que le journal Le Parisien dit. Je ne fais que relayer. Bonjour, Fabrique. Je ne fais que relayer ce que le journal Le Parisien dit. Elle va garantir notre monnaie. Si la BCE a fait face à un manque de disponibilité pour couvrir ses engagements en devises, elle pourra se procurer les euros nécessaires auprès de la France, auprès des services, auprès du même trésor français qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. C'est elle qui va garantir ça, mon frère. Comment quelqu'un vous dit qu'elle va sortir de toutes ces histoires et après elle vient vous sortir que c'est encore elle qui... Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui garantit ça. Notre argent qui est posé au trésor, au compte d'opération là, elle nous fait croire... Elle nous fait croire qu'elle garantit notre argent, alors que c'est notre argent qui garantit notre argent. Alors que c'est notre argent qui garantit les exportations de la France à l'extérieur, c'est nous qui garantissons ça. Mais la France nous dit que c'est elle qui garantit. Comment nous on garantit cet argent-là? Parce que quand le Cameroun vend son cacao, peut-être 100 millions de dollars, on envoie ça, il faut convertir, parce que le franc, il ne fait rien que la France, c'est seulement la France qui convertit cette monnaie de singe-là. C'est seulement la France qui convertit cet argent-là. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Quand les 100 millions de dollars... Bonjour, Evelyne. Bonjour. Quand les 100 millions de dollars entrent dans le trésor public français, qu'est-ce que la France fait? Elle convertit ces 100 millions de dollars en CFA. Et comme elle convertit, elle a son pourcentage d'abord dedans. Pour ceux qui travaillent là, ils ont les pourcentages là. Et maintenant, le franc CFA à l'euro comme beaucoup, au dollar... Donc, ça veut dire que quand ça entre 100 000 dollars ou 200 000 euros, donc elle convertit ça. Il y a un vol dans ça que je ne sais pas. C'est le professeur Agoublem donc il peut expliquer ça. Donc, déjà notre CFA, quand c'est même 1 euro, elle convertit ça en 1 dollar. Déjà, vous comprenez que l'euro est plus haut que le dollar. Donc, si on vend notre cacao à 200 000 euros. La France prend ça sous la forme du dollar. Donc 200 000 euros, quand on convertit ça en 200 000 dollars, ça fait déjà
l'argent que nous on paye. Parce que vu que l'euro est plus haut que le dollar, et comme elle a décidé de convertir notre monnaie en dollars, ça fait que tous les centimes qui sont... Parce qu'un euro doit faire... Je sais quand même que ça fait plus d'un dollar. Donc, tous ceux qui sont en haut là, d'abord, ils prennent ça d'abord. Imagine-toi, près de 1 million de dollars, de 1 million d'euros, s'il faut le convertir en dollars, sur la base de 1 euro est égal à 1 dollar, vous voyez tout ce qui est en haut. Vous voyez d'abord ce qu'elle nous pompe d'abord. Parce que c'est comme ça qu'elle convertit. Elle ne veut pas... Non, c'est le dollar. Comme ils ont dit, le dollar, c'est la monnaie nationale, la monnaie internationale. Donc, quand on vend 200 000 euros, 300 000 euros, elle dit que non. Les 300 000 euros là, ça devient 300 000 dollars. Donc les intérêts, les centimes qui sont en haut là-bas et tout. Elle a pris. Maintenant, ça arrive au trésor français. Elle reprend encore ses propres intérêts encore dans le CFA là qu'on a reçu dans l'euro là. Comme elle convertit en CFA. Elle reprend encore ses intérêts. Et maintenant, elle divise ça. C'est quand on dit que 50% manque. Les pays de l'Afrique, l'Afrique francophone, les pays de l'Afrique centrale déposent 60% de leur avoir extérieur là-bas, 60, donc elle prend 40. Donc dans les 200 000 là, on enlève 60%, on garde au trésor public français. Maintenant, elle prend les autres 40 là. Elle cherche tous les télés du monde. Tous les télés du monde. Elle met derrière elle. C'est la France qui va aider l'Afrique. Nos dirigeants... à Tangana, nos dirigeants ont l'épée de Damoclès sur la tête. C'est pour ça que je dis tous les jours, aimons nos dirigeants. C'est comme ça qu'ils vont nous sortir de ça. Ils ont une épée de Damoclès sur la tête. Tu ne t'obéis pas à ce qu'on te dit, on te tue. Voilà, voilà ça que Queen a dit. 1 euro égale 1,11 dollars. 1 euro, dans les 11 centimes là. Imagine-toi 11 centimes qu'on a enlevé sur 2 millions d'euros. Imagine-toi les 11 centimes là, ce que ça donne. Ce que ça donne. Seulement d'abord les 11 centimes qu'elle prend dans chaque 1 euro, elle saute 11 centimes. Imaginez un peu ce que ça donne. En sachant que 11 centimes là, forme dans les 65 et poussière de francs CFA. Imaginez donc ce qu'elle nous prend dans 11, dans 2 millions d'euros. Voilà. Elle échange ça en euros, en dollars. Maintenant, à Tangana, ils ont une épée de Damoclès, les présidents africains. Tu ne coopères pas, on te tue. Je vais te faire une petite discrétion. On va faire une petite, un parallèle. Je vais vous citer les présidents africains qui ont été assassinés par la France parce qu'ils n'ont jamais voulu marcher dans cette combine-là. On va commencer par Sylvanus Olympio, le président du Togo, Sylvanus Olympio. Le monsieur voulait faire la monnaie le 15 janvier. Il sortait sa monnaie le 15 janvier 1960, si j'ai bonne mémoire. Ma soeur, il était assassiné le 13 par les services secrets français, avec Foka à l'appui. Le 13, il avait proclamé sortir la monnaie du Togo le 15 janvier, deux jours après, avant. On a coupé la tête. À la place, on a mis... Et Yandema, aujourd'hui, c'est le fils qui a hérité. On laisse. On part au Niger avec Djori. C'est le président du Niger, c'était le président du Niger, le socialiste, c'était... Ah putain, le nom va me revenir. Lui aussi au Niger, il a complètement refusé. Il a dit qu'il va mettre sa monnaie. Les mêmes services secrets français l'ont obligé à demander l'asile. On lui a fait fuir son pays. Il a demandé l'asile. On a mis à la place où c'était Ernest Djori. Oui, Ernest Djori. On a fait partie le président. L'ancien président du Niger. Le socialiste, je ne sais pas comment il s'appelait. Son nom va me revenir. Maintenant, on arrive au Tchad avec François Gata Tombalba. Le monsieur s'oppose complètement au franc CFA. Il dit niet, on bombarde son palais comme on a fait avec Gbagbo. Il meurt suite des blessures avec un certain nombre de sa famille et consorts. On tue tout. La France impose un autre président là-bas. On revient en Guinée, avec Sékou Touré.
Non, on va d'abord partir avec au Mali, avec Modibo Keïta, le père de l'indépendance du Mali. C'est celui qui a construit le Mali même. Modibo Keïta s'est opposé complètement à ça. Ils ont tout fait. Le Mali a eu sa propre monnaie. Par les vices tordus, comme ils savent si bien le faire, ils ont ramené le Mali dans le franc CFA. Après avoir ramené le Mali dans le franc CFA et que Modibo Keïta ne voulait pas toujours, on lui a mis en prison et après on lui a empoisonné en prison. Modibo Keïta est mort. On a remplacé avec un autre vampire. Maintenant, on arrive le cas récent en Guinée de Sékou Touré, le grand Ahmed Sékou Touré. Sékou Touré a ramené De Gaulle au Niger, en Guinée. De Gaulle s'est fait humilier en Guinée. Il a dit, tu mens. Il a sorti le franc guinéen. Les services secrets français ont inondé le marché avec les faux billets guinéens. Ça a causé ce qu'on appelle l'inflation. C'est comme ça que la monnaie de la Guinée a chuté. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est plus remise de ça. Tout ce que vous dites là est documenté. Tout ce que vous dites est documenté. C'est pour ça que les présidents africains, les derniers cas qu'on a aujourd'hui, il y a Gbagbo, il y a Kadhafi. On tue Gbagbo parce que Gbagbo veut sortir la monnaie. Quand Gbagbo se rend, parce qu'après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, où ils sont rendus compte que les services, la France se rend compte que le peuple est avec Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à fermer les robinets. Toutes les banques françaises arrêtent de émettre en Côte d'Ivoire. Crédit Lyonnais, toutes les banques françaises qui étaient en Côte d'Ivoire arrêtent de payer, arrêtent de sortir de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait donc? Gbagbo se retrouve dans une situation où il est obligé de battre monnaie parce que ça fait près de 3 mois, les banques sont fermées. Ça veut dire que les fonctionnaires ne sont pas payés. L'armée n'est pas payée, rien, personne n'est payé. Qu'est-ce que Gbagbo veut faire donc à la dernière minute? Gbagbo sort ses coupures, la banque centrale a été déclarée, tout. Gbagbo veut projeter donc sa monnaie parce qu'avec sa monnaie, il va payer ses fonctionnaires et la vie va prendre son cours. Et plein d'autres pays vont suivre. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça qu'on a bombardé Gbagbo à l'immédiat. Et c'est pour ça que Sarkozy vous a sorti une conférence de presse, je ne sais pas où c'était, où il a dit, il ne faut pas laisser les pays africains avoir leur banque centrale. Si les pays africains ont leur banque centrale, le trésor public français est mort et la France va se retrouver au 20e rang des pays dans le monde. 20e rang là-même, il n'a pas dit, au moins 50e rang dans le monde. Kadhafi aujourd'hui, problème de Kadhafi, c'est quoi? Dominique Strauss-Kahn est en train de vouloir sortir les monnaies alternatives au dollar. Parce que le dollar est soutenu par rien du tout. À l'époque, la Banque fédérale américaine avait l'or qui soutenait le dollar. Aujourd'hui, cette banque fédérale n'a plus l'or. Ils ont tout volé leur or là-bas. Et donc, il n'y a plus rien qui soutient le dollar. Et Dominique Strauss-Kahn se rend compte de ça. Maintenant, il faut partir où c'était au FMI, où c'était ils appelaient machin, le comité international, pour dire que comme le dollar est contesté dans le monde, il faut des monnaies qui peuvent, comment dire, qui peuvent rivaliser le dollar. Et dans ces monnaies-là, on trouve le dollar libyen. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre le dollar libyen? Parce que la Libye a une forte quantité d'or. La Libye a des réserves d'or, de l'argent en réserve. Donc, toutes ces réserves-là peuvent maintenir le dollar libyen dans les échanges intercontinentaux et tout. Et cette expérience, elle avait utilisé dans certains pays africains. Et en plus de ça, plein de pays africains approuvent la thèse qu'effectivement, la Libye doit être une monnaie internationale, une monnaie qui peut rivaliser le dollar. Et les Américains, sans le dollar, ils ne sont rien. C'est la même chose que la France, sans le franc CFA, elle n'est rien. Donc les Américains, sans le dollar, ne sont rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire complètement la Libye avant que. Et ils mettent ça. Et pour détruire la Libye, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On tend un piège à Dominique Strauss-Kahn parce que c'est lui qui va aller déclarer ça à la communauté internationale. C'est où Dominique Strauss-Kahn fait un tour à New York, on le tend un piège avec la fille, tac, tac, on dit Dominique Strauss-Kahn l'a violé, pif, on le prend. On a tranquillisé là-bas. Et après, on envoie l'OTAN. L'OTAN que les Camerounais voulaient qu'ils viennent au Cameroun, la communauté internationale que les Camerounais voulaient qu'ils viennent au Cameroun. C'est ça qui est donc pris le travail d'aller bombarder la Libye. Et rendre aujourd'hui l'Afrique à l'âge de la pierre. Parce que la destruction de la Libye était bien programmée. On savait qu'on détruit la Libye. Les armes que la Libye avait vont entrer au Mali. Après le Mali,
Tchad, après le Tchad, Cameroun, alimentation de Boko Haram, tous les armes militaires. Et c'est comme ça qu'on a colonisé toute l'Afrique. Voilà donc la théorie qu'ils avaient programmée. On va revenir d'abord sur le franc CFA. On va rebondir sur ça après. Donc, Sékou Touré, comme je disais, il s'est retrouvé dans une situation où les services secrets français ont inondé le marché guinéen avec la monnaie, les faux billets guinéens. Ça a causé l'inflation. Ça, c'était pour reprendre dans Tangana qui a compris pourquoi les présidents africains ont peur. Parce qu'on t'assassine comme ça, on assassine tous tes enfants, toute ta descendance. C'est pour ça que les présidents africains ont peur. Et maintenant, qu'est-ce qui alimente encore cette peur-là? Parce que dans nos pays, on a une opposition qui est nulle. Il faut le dire. On a des opposants qui ne sont pas là pour le bien-être de la population. On a des opposants qui sont là pour leur ventre. Des opposants qui sont là pour leur intérêt. Parce que l'objectif de l'opposition n'est pas seulement de crier. L'objectif de l'opposition est d'amener le gouvernement à faire les choses bien, à faire des propositions. C'est aussi ça l'opposition. Et ce qui revient à dire que l'opposition n'est pas toujours un ennemi. Mais chez nous, en Afrique, on a cru que l'opposition, c'est un ennemi. Quand tu es opposant, tu es forcément l'ennemi de l'État. Alors que c'est faux et archi faux. Vous voyez très bien en Europe les alliances entre oppositions. En Allemagne, quand tu es deuxième dans une élection présidentielle, tu gouvernes avec la chancelière. En France, on a vu les voix centristes s'allier avec Macron. Pour faire. Donc, vous comprenez que l'opposition n'est pas qu'un ennemi. Mais chez nous, comme on a des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont aucun revenu, ils se braquent directement dans l'opposition parce qu'ils savent que là-bas, ils vont braquer les mairies, ils vont braquer les conseils d'administration et ils vont se faire de l'argent. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucun projet politique. Ils n'ont absolument rien du tout. Mais comme ils savaient manier la langue de Molière, ils sont partis à l'école du colon. On les a appris quelques deux petits mots en français. Ils mettent des costumes, ils viennent nous raconter des conneries. Les gens finissent par les croire. Et quand ils arrivent, la première des choses, c'est de braquer les diplômes. Je suis docteur en ci, je suis docteur en ça. Comme si le diplôme fait l'homme. C'est l'homme qui fait le diplôme. Le diplôme n'a jamais fait l'homme. On voit les hommes, les docteurs en tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas capables de nous pondre quelque chose de positif. Le Cameroun, c'est un pays où le diplôme est versé au Cameroun. Wa. Donc, c'est une culture qui allait à l'école. Mais avec tous les diplômes-là, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'a pas encore dit deux mots. Il vient nous sortir, je suis docteur en ça. Il n'a pas dit deux mots. Ils sont pleins comme ça, là. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils savent qu'en disant que je suis docteur en ça, ils vont fusquer tous ceux qui sont en face d'eux. Et ceux qui sont en face d'eux auront peur de parler parce qu'il va se dire que non, c'est un docteur, non, c'est ainsi. Donc, tout ça, c'est le fait. Tout ça, c'est le fait. Bonjour, Douce. Tout ça, c'est le fait. Les diplômes de ces gens-là ne servent à rien. L'opposition au Cameroun a échoué. Depuis 80, l'opposition au Cameroun a échoué. Et c'est ce qu'il dit tous les jours, on ne peut pas faire la politique comme l'Europe. On ne peut pas faire. Il faut qu'on change notre fusil d'épaule. Il faut qu'on essaie de faire la politique en fonction de notre univers culturel et de notre espace. C'est comme ça qu'on doit faire de la politique. Un homme politique qui veut gérer le Cameroun ou qui veut gérer l'Afrique dans des conditions propices, il faut qu'il essaie d'élever la conscience de son peuple. De telle façon que ce peuple ne peut pas se faire manipuler. En ce moment, il pourra dire qu'effectivement, il a gagné. Il faut qu'il prépare son peuple, qu'il éduque son peuple. Mais quand vous venez trouver les gens qui sont aliénés dans tous les sens, que ce soit au sens de la spiritualité, au sens de l'économie, au sens de l'histoire, au sens même de la politique, ils ne comprennent rien à ce qu'on dit. Les hommes politiques arrivent dans un village où peut-être 70% des gens, c'est des gens qui ne sont pas là à l'école, ils se mettent à employer des termes que ces gens-là ne vont pas comprendre. Pourquoi est-ce que vous n'employez pas les termes terre à terre, expliquer, s'adapter à notre univers comme les mamans bayam sen enfant au marché. Elle achète son plantain à 1000 francs, elle vend à 2000, elle sait qu'elle a dépensé 300 de la route, il lui revient 700. Expliquez les choses à la mère terre à terre. N'employez pas les termes de l'inflation, de la scie, ça, ils vont nous tromper avec ça. Quand un homme commence à employer des mots, c'est parce qu'il n'a rien à dire, il veut nous tromper avec ces bêtises-là, les gros mots, le gros français. Rien de concept, il n'y a rien de positif dans ces machins-là. C'est avec ça qui trompe le peuple. C'est avec ça qui trompe le peuple. Ils ne sont pas capables. Il a dit qu'un homme politique ne va pas éduquer son peuple. Il ne va pas éduquer le Cameroun, le Camerounais. Essayer de lever, c'est aussi ça la politique. Pour un homme qui veut le progrès de son pays, l'émancipation de son pays, l'éclosion, l'explosion de son pays, il ramène
tous ses citoyens, ses concitoyens à son niveau, à son niveau intellectuel. Coûte que vaille, il peut, il les ramène là-bas. Une fois qu'il les ramène là-bas, ces gens-là maintenant ont les yeux clairs. Et il peut diriger le pays tranquillement parce que la population va comprendre un certain nombre de choses. Mais quand on trouve les gens qui arrivent, il n'a pas encore dit A, agrégé en agrégation. Il n'a pas encore dit B, docteur en doctorat. Il n'a pas encore dit C. Tous les mots, c'est ça qui nous... Maintenant, on attend alors ce que tu nous sors. Tu ne nous sors rien. Tu es venu nous montrer tes beaux costumes qu'on t'a donnés en Europe. Il faut le dire, tes beaux costumes que la France ou l'Angleterre t'a donné ou l'Amérique t'a donné, tu viens mettre ça chez nous, dans un pays où les gens déjà ont du mal à manger. Quand ils vont te voir avec leurs costumes, ils vont estimer que oui, effectivement, c'est comme ça, c'est comme si. Et tu vas les baigner facilement. Voilà la situation dans laquelle on est. On a vu dans une chaîne de télévision en Afrique, au Cameroun, où un ancien compagnon de route de un autre, de MS, le nom même c'était qui, ouais. Ndjamène. Le monsieur a dit à Ndjamène que tu as quitté du SDF parce que tu avais une dette de 300 000. Le MSC a proposé de payer tes 300 000 et tu es parti au MSC. Mes frères, quand vous voulez confier les clés, les rênes de votre pays à quelqu'un qui n'est pas capable de payer sa dette de 300 000, mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Il n'est pas capable. Et il arrive aussi là-bas maintenant. On dit qu'il y avait une dette de 50 000 qui sont passées. Il fuit encore, il part parce qu'il n'est pas capable de payer sa dette de 50 000. Et si tu n'es pas capable de payer ta dette de 50 000, ça veut dire que tu n'as pas d'activité. Tu n'as aucune activité qui te ramène ne serait-ce que 50 000 francs par mois. Et comment toi qui n'as pas d'activité qui te ramène 50 000 francs par mois, tu peux comprendre le problème de ceux qui ont une activité? Tu es déconnecté de la réalité. Tu ne peux donc pas diriger les gens qui ont une activité parce qu'ils sont déjà dans, ils sont déjà dans le feu. Ils savent comment ça fonctionne. Toi, tu es encore archi déconnecté. Donc, ce que tu dois faire, monsieur Ndjamène, tu dois aller d'abord te chercher un travail de 50 000 qui te permettront de payer tes dettes. En ce moment, tu pourras connaître c'est quoi la vie, comment on appelle ça, tu pourras savoir c'est quoi la vie active. Et une fois que tu sauras ce que c'est que la vie active, une fois que tu sauras ce que c'est que les difficultés de se lever le matin pour aller travailler, en ce moment, tu pourras parler au nom des travailleurs. Mais quand tu dors chez toi jusqu'à 10h, 11h du matin, tu ne sais pas ce que c'est que le réveil matinal. Ne viens pas parler au nom des gens qui se réveillent le matin. Au nom des gens qui sont les sauveteurs qui se lèvent à 5h du matin pour aller faire le triage en couloulou. Au nom des gens qui travaillent dans les sociétés des bananiers. Au nom des gens qui élèvent leurs poules, qui ont les champs. Au nom de tous ces gens qui se lèvent le matin, là, tu ne peux pas parler à leur nom parce que tu n'as aucune réalité du terrain. Voilà, quand tu commences déjà à payer tes dettes. C'est ton compagnon du SDF qui a dit ça dans une chaîne de télévision. Donc voilà un peu les gens qui prétendent vouloir gouverner le Cameroun. Ils vont vendre notre pays. C'est pour ça qu'on dit que ne confie jamais la clé du poulailler au renard. Ils bouffent tout. Ils bouffent tout. Donc on ne peut pas donner les clés du bateau Cameroun à un homme comme ça. L'autre est de l'autre côté là-bas. Tu étais ministre de... Ou c'était ministre de quoi de la justice. Voilà. Ministre de la justice. Pour faire une réforme du code électoral, c'est le code quoi au Cameroun? Ton cabinet a d'abord gagné le marché sans appel d'offres. En France, c'est une infraction. Donc, pour ça, tu démissionnes. Tu pars en prison. Ah, c'est ce qu'ils appellent... ils appellent ça souvent quoi le... Oh, ils ont un mot là qu'ils appellent, c'est quoi d'intérêt? Conflit d'intérêt. En France, on appelle ça conflit d'intérêt. Parce que tu es ministre de la justice, ton cabinet gagne le marché pour faire le code électoral sans appel d'offres. C'est un délit, c'est un conflit d'intérêts. L'ancien ministre de la justice en France, ici, là, le président du parti Modem, Bayrou a démissionné pour ça. Parce qu'il a eu ces mêmes problèmes là de conflit d'intérêts. Il a démissionné. Et il y a les ministres aujourd'hui dans le gouvernement Macron qui ont démissionné pour ces mêmes choses, conflit d'intérêts. Mais toi, tu es resté là. Ton cabinet a pris ces 15 milliards. 15 milliards de francs CFA dans un pays où les gens vivent avec moins d'un euro. En ce moment, tu n'avais pas de soucis pour le Cameroun ou pour le Camerounais lambda. Tu n'avais pas de soucis pour lui. C'était normal, tu prends tes 15 milliards, tu te la coules douce. Ok, il n'y a pas de problème. Je continue. Vous faites tous vos micmacs. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, tu viens te rendre compte que non, le Camerounais souffre. Alors que mon frère, tu as tes 15 milliards. Je suis sûr que
à 10 pâtés de maison de chez toi, il y avait les gens qui vivaient avec moins d'un euro. Même venir donner un franc à ces gens, tu n'as pas donné. Donc, les gens comme ça qui pensent le vent, qui pensent les carrières politiques, qui ont eu soif du pouvoir, ne leur donnez pas le pouvoir. Parce qu'ils vont nous vendre, genre, gratos. Ils vont nous vendre notre pays gratos. Les gens comme ça n'ont pas le droit de prendre le pouvoir au Cameroun. Ça, on n'a pas besoin du parti faire Sciences Po ou je ne sais pas quelle école, Ngwaïkele, avec tous ces, pour comprendre que c'est des escrocs. Ne donnez pas le pouvoir à des assoiffés de pouvoir. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui au Cameroun n'a pas voulu le pouvoir. Il n'a pas voulu le pouvoir. On a dit qu'il prend. Il voulait même fuir. On a dit que non, tu vas prendre ce pouvoir-là. Il a pris le pouvoir au Cameroun aujourd'hui. Il a pris le pouvoir en 82. Il a maintenu ce pays dans un équilibre. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il a maintenu le pays dans un équilibre total. Mes frères, celui qui veut comprendre que le Cameroun est un paradis, il faut qu'il parte faire les autres pays d'Afrique. Ne regardez pas la télé, ne comprenez pas les médias. Allez faire ces pays-là. Moi, je peux parler parce que les gens qui regardent mon direct savent mon parcours. Ils savent mon parcours. Je n'ai pas besoin de dire mon parcours. Moi, j'ai touché du doigt. J'ai touché du doigt. Il y a plein de gens qui regardent le direct. Dans les 25 personnes, il y a ceux qui regardent le direct. Et ceux qui savent mon parcours. Donc, ils savent que si je parle de l'Algérie, je peux connaître l'Algérie. Ils savent que si je parle du Niger, je peux connaître le Niger. Ils savent que si je parle du Sénégal et du Mali, je connais. Il y en a qui me regardent. Ils savent. Partez dans ces pays-là. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, le Cameroun est bêta. Allez, je n'ai pas besoin de parler de mon parcours. Je vous dis tout simplement, allez. Quand vous êtes là tout le temps, vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu de l'impérialisme. Vous vous informez dans la télé de l'impérialisme. Vous écoutez les informations de l'impérialisme. Alors que ce que vous prétendez vous définit d'eux. Les gens comme les Sékou Touré disaient que quand le blanc parle bien de toi, c'est que tu es un danger pour ton peuple. C'est Sékou Touré qui le disait, grand leader africain. Quand le blanc commencera de parler mal de toi en ce moment, c'est que tu es bien pour ton peuple. Mais cette formule-là, il n'applique pas ça. Hein? Il n'applique pas. Mais il se reconnaît avec Sékou Touré. Il se reconnaît avec Sékou Touré. Tant qu'on ne va pas nous-mêmes aller chercher l'information, tant que nous-mêmes, on ne va pas aller chercher notre propre information. Tant que nous-mêmes, on n'aura pas les capacités à décider, à penser de nous-mêmes. Tant que nous-mêmes, on n'aura pas toutes ces capacités-là, je vous promets qu'on sera toujours des esclaves. Parce que l'homme intellectuel est un homme qui peut penser de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'intellectuel, l'intelligence. Ce n'est pas un homme qui répète comme le perroquet, non. Un homme intellectuel, un homme développé, c'est un homme qui pense de lui-même. Et faisons le maximum d'efforts d'amener nos citoyens à pouvoir penser d'eux-mêmes. En ce moment, on pourra dire effectivement, on a gagné. Ne menons pas les politiques qui ne nous servent à rien. Les jaloux vont sauter et caler en l'air, Queen, c'est la vérité. Un homme, comment on peut faire la politique comme en France? Dites-moi un peu, la France a connu la loyauté, les rois. Les rois ont fait les siècles, les Louis XIV, les Louis XV, les Louis tout ça. Ils ont fait des siècles, donc ils ont expérimenté ce que c'est que la loyauté. Ça ne les a pas arrangés. Ils ont dit que bon, on va partir avec l'empire de Napoléon. Napoléon est venu aussi. Il y a Napoléon si, Napoléon ça, Bonaparte si. Ils ont expérimenté. Ils ont compris que non, ça ne marche pas toujours. Ils ont laissé ça. Ils sont entrés dans la Première République. Ils ont amené. Ils ont dit non, la Première République n'est pas bonne. On part à la Deuxième République. Ils sont partis même à la Deuxième République. Ils sont partis à la Troisième République avec les Léon Blum, qui ont dit à l'Assemblée nationale en France que la France a le devoir d'éduquer les peuples d'Afrique, des sous-hommes. Parce qu'en fait, ils nous considéraient comme des sous-hommes, comme des animaux, que la France a le devoir d'éduquer les animaux d'Afrique. Ça, c'est le président
Léon Blum, à l'Assemblée nationale française, ça a 1700 combien, si j'ai bon, oui, tu cherches ça sur Internet, tu vas voir, c'est la France qui dit ça. Donc, elle considère ces pays-là comme les pays, les animaux, dont la France a le devoir de les éduquer. Ça, c'est la Troisième République avec Chaban, Léon Blum. Hein. Les socialistes qui sont aujourd'hui, qui viennent nous raconter tous les jours des conneries-là, ces socialistes-là, parce que la Troisième République, c'était socialiste, c'est une république maçonnique. Ce sont eux qui, et ce sont eux qui ont instauré la colonisation. C'est le socialisme, les partis socialistes en France. Ce sont eux qui ont... Ce sont eux. Ils sont partis, ils ont vu que non, même la Troisième République n'est pas bon, on continue. Ils sont partis à la Quatrième République. Et quand ils vous parlaient de 1, 2, 3, ça mettait des siècles. Hein. C'est même pas ça vient aujourd'hui, ça part demain. Non, une République, deux, ça mettait des siècles. Ils sont partis, Troisième République. Ils sont revenus, Quatrième République. Ils sont à la Cinquième République. Aujourd'hui, on veut passer à la Sixième République. Frère, ce que vous passez, ça fait 2000 ans qu'ils ont instauré tous ces machins-là. Bon, aujourd'hui, vous arrivez dans un pays comme le Cameroun qui sort des razzias négrières. 8200 ans d'esclavage arabo-musulmans, ils ont pris. Après arabo-musulmans, 17e siècle, Europe, au moins 1200 ans. On sort de là. On ne s'est pas encore remis en place. 350 années de colonisation, c'est où le crime est arrivé. Donc, où on a dit aux Africains que vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des animaux. En longueur de journée, on les faisait répéter ça. Vous êtes des animaux. 350 années de colonisation. En 1960, on a donné nos indépendances. Ils ont instauré un système éducatif pour bien nous rendre encore plus moutons. Le système éducatif. On ne nous enseigne pas nos zéros. On ne nous enseigne pas notre histoire. On ne nous enseigne pas notre géographie. On ne nous enseigne rien de nous, mais on nous enseigne des Napoléon, des De Gaulle, des Bonaparte, comment c'était des grands hommes. Et aujourd'hui, vous venez demander à un pays qui a 59 ans d'existence de réaliser ce que les gens ont réalisé en 2000 ans d'existence en allant braquer les autres à l'extérieur de leurs frontières, parce que c'est l'idéologie européenne, le braquage, en allant braquer ça là, ramener ça chez eux et faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous demandez à ces pays-là qui ont 59 ans, qui ont particulièrement 59 ans, vous leur demandez de réaliser les mêmes choses que les autres ont réalisées en 2000 ans, en volant. S'il n'y a pas un problème dans nos têtes, hein, si après tout ça, là, après toutes ces explications-là, si on ne trouve pas qu'il y a un problème, c'est que si on ne voit pas la supercherie, c'est que le problème là n'est plus les autres, c'est que le problème là c'est nous. Et maintenant, on a les hommes politiques qui ne sont pas capables d'expliquer ça à leurs concitoyens, qui ne sont pas capables de faire travailler la main dans la main avec le gouvernement en place. Ils ne sont pas capables de tout ça. Ils ne sont pas capables de faire comprendre tout ça au peuple. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'accéder au pouvoir. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est remplacer le colon pour pouvoir bénéficier aussi des faveurs du colon. Tapis rouge, première place dans les vols. C'est ça le problème. Moi, ce que je vous dis tout le monde, je parle sur les faits. Je ne suis pas un gars qui invente les machines, je parle sur les faits. C'est lui qui veut comprendre ces problèmes-là. Que ce soit les problèmes d'esclavage. Voilà le livre de un historien camerounais, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe. Voilà ça. Donc tu achètes ça, tu vas bien comprendre. C'est qui l'auteur? C'est Mbok Basson. Bouimbambok. Voilà ça. Voilà ça. Tu vas comprendre ce que c'est. Le péché du pape. Voilà ça. Vous allez comprendre ce qu'on vit. Le péché du pape, c'est quoi? Le pape Nicolas V, ou sa ami 545, ou sa ami 445, quand il décide de mettre les Africains en esclavage, parce qu'il estime que ce n'est pas des hommes. Et c'est ça qui fait quoi? C'est ça qui développe l'Europe. Les près de 400-600 ans d'esclavage que l'Europe nous a mis, c'est ça qui a développé l'Europe. Tu avais des gens qui travaillaient main d'œuvre gratos, on ne les payait presque, vous ne dépensez rien du tout. Je dis bien rien du tout. Hein? Tu as des gens comme ça à la canne, l'industrie de la canne à sucre. On sait très bien au 17e siècle ce que le sucre pouvait faire. Les gens le faisaient gratos. Ils ont pris les gens dans notre continent, ils le faisaient gratos. Gratos. Hein? L'esclavage, ils disent que ce sont eux qui ont arrêté l'esclavage, mais c'est faux. Ce ne sont pas eux qui ont arrêté l'esclavage. C'est les esclaves de Saint-Domingue qui ont dit que c'est fini.
les révolutions dans les champs, c'était tous les jours. Ce sont eux qui ont dit non, c'est fini. Et avec la venue de la révolution industrielle, c'est ça qui a permis à l'esclavage de se calmer un peu. Mais si ce n'était pas ça, les gens allaient continuer. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, regarde comment ils nous considèrent. Jusqu'à aujourd'hui, il faut voir comment eux, ils nous considèrent. Donc, si nous, on est là, on croit que oh, l'Europe, hein, on nous sort les machins, que oh, l'Europe a programmé c'est l'esclavage en 1848, à 1860. C'est faux! C'est faux! C'est parce qu'eux-mêmes ne parvenaient plus à maintenir ces esclaves-là. Et maintenant, même alors, et là, maintenant, pour comprendre encore que c'est des assassins, c'est quand l'esclavage s'arrête, la colonisation s'arrête, qu'ils nous sortent le franc CFA pour indemniser les négriers. Parce que l'activité va mourir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour retourner? Ils nous pondent le franc CFA. C'est, voilà les gens qui prétendent avoir arrêté l'esclavage. Voilà les gens qui se prétendent pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, ils arrivent dans nos pays. Ils arrivent dans nos pays. Ils commencent parce qu'on a des gens, des hommes politiques qui ne sont pas capables d'amener le peuple à un niveau vraiment de compréhension, à éduquer le peuple. C'est pour ça qu'on est toujours dans ces chimères. Si on était dans un pays des hommes dignes, tous ces gars-là qui ont causé le tort à nos ambassades, tous ces gens qui ont fait freiner l'activité au Cameroun depuis les élections électorales jusqu'à aujourd'hui, c'est les gens qu'on devait les pendre d'un pays digne. Même la population allait s'encharner sur eux. Même la propre population. Par exemple, des trucs comme ça ne se passent pas en Chine. Ça ne se passe pas en Russie. Non. Ça ne se passe même aux États-Unis. On a vu il y a un Américain qui était un ancien travailleur de la NASA qui a fui son pays parce qu'il a juste révélé que l'Amérique a espionné tous les chefs d'État du monde. Ou c'est Snowden, ou c'est qui. L'Amérique l'a traité comme traître à la nation. Un ancien espion de la NASA. L'Amérique l'a traité comme traître à la nation parce qu'il a dit que l'Amérique a espionné. Vous parlez de quoi? Il y a les femmes qu'on a condamnées à mort aux États-Unis parce qu'elles ont dénoncé les crimes que l'armée américaine faisait en Irak. Est-ce qu'on discute? En Chine, tu détournes, on te pend. Ce n'est pas à discuter des médias 14. Il n'y a que chez nous que les gens arrivent, ils prétendent vouloir. Il n'y a que chez nous qu'on peut arriver à faire tout ça. Il n'y a que chez nous. Il n'y a que chez nous qu'on peut arriver à commencer à pondre tous ces chimères-là. Tous ces chimères, parce que la population est... Et la population, la colonisation nous a fait trop de mal. La colonisation nous a fait trop de mal. L'esclavage même n'a rien fait, mais la colonisation nous a fait trop de mal. On vit encore les séquelles de ces colonies. Le noir doute. Parce que pendant des décennies, ça a été transmis de mère en fils, de père en fils. Que tu es un sous-homme. On nous a l'aliénation mentale. Est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce que justice nous a été rendue? Les Africains vivent avec cette frustration-là parce qu'on nous a fait le plus de mal possible. Macron arrive en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'était pas à l'époque de la colonisation, qu'il n'était pas à l'époque de l'esclavage, qu'il faut qu'on oublie. Moi, je réponds à Macron qu'il va en Israël, tu dédies aux Juifs que tu n'étais pas là à l'époque de la Shoah, qu'il faut qu'ils oublient. Si tu rentres vivant en Israël, c'est que tu es un président. Va en Israël, tu leur dis ça. Ils ont vécu 4 ans. 4 ans sous le règne de Hitler. 4 ans sous la Shoah. 4 ans, hein. Nous, on a vécu des siècles. Il est arrivé chez nous. Il arrive quand on était venu, il dit que nous, il faut qu'on oublie. Aujourd'hui, Macron arrive en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'était pas pendant la colonisation, qu'il n'est pas un enfant de la colonisation, qu'il n'est pas un enfant de l'esclavage. D'accord? Mais il bénéficie des richesses de ces trucs-là. Parce que s'il est parti à l'école, ça avait l'argent des Africains. S'il s'est fait soigner, ça avait l'argent des Africains. S'il s'échauffe, ça avait l'argent des Africains. Donc, il hérite des faits de la colonisation et de l'esclavage. Mais, il dit à nous d'oublier. Justice nous a été rendue. Tant qu'on ne va pas nous rendre cette justice-là, ça ne va pas s'arrêter. Les Juifs ont été dédommagés pour le mal que les Allemands les ont fait. L'Afrique va, ce crime-là va être reconnu et vous allez, de toute façon, si on vous demande, vous n'avez rien même pour nous payer, pour nous récompenser, vous n'avez rien. Mais le fait, ça va passer dans vos livres d'histoire tant que l'Afrique, tant que ce continent va prendre,
vraiment son émancipation, son envol, vous allez répondre de vos actes. Ce n'est pas aujourd'hui, vous venez nous dire qu'on oublie. On n'oublie pas. On va pardonner, mais on ne va pas oublier. Pour le mal que vous avez fait à des générations et des générations, à nos ancêtres, à nos parents, viol, meurtre, humiliation, tout ce mal-là, vous allez payer ça. Ne croyez pas qu'on va laisser. On va oublier, on va pardonner, mais on ne va pas oublier. On va se battre à Tangana. On ne peut pas laisser ça. On va se battre jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière énergie. Pour que nos enfants découvrent ce que c'est que la liberté. C'est fini. On n'a plus peur d'eux. S'ils veulent, ils viennent nous tuer. Ils vont tuer un cochissé. Il y en aura 100 cochissés. Ils vont tuer un tel. Il y en aura 100 tels. Donc, ils ne vont pas finir. La preuve en est que l'esclavage, c'était pour nous tuer. La colonisation, c'était pour nous finir. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Le silence nourrit le nazisme. Parce que l'Europe même, ce n'est pas la dictature, c'est le nazisme total. Tous les présidents européens, c'est des nazis, surtout de la France. C'est des nazis à 100% parce qu'ils répliquent exactement la politique nazie qui leur a été donnée dans les années 45, quand Hitler a gagné l'Europe. Il les a imposé un truc. Eux, ils ont fait quoi? On pense qu'ils nous ont imposé le même truc. Donc, nous, aujourd'hui, on ne va plus laisser. On va se libéraliser, que ce soit spirituellement, que ce soit économiquement, que ce soit tout ce que vous voulez financer. On va se libérer. On sera des hommes libres. On sera free. Et ça, le 2019, ça sera l'année de la liberté, du freedom. On a le devoir, le droit de aimer notre patriarche qu'on a là-bas, d'aimer des hommes politiques comme les Bandakani qui luttent, qui sont des partisans de la liberté totale d'Afrique. Aimons ces gens-là. Quand ils vont se rendre compte que le peuple est avec eux, ils vont appliquer exactement ce que le peuple veut. Donc, luttons. La spiritualité va partir. Au fur et à mesure, les gens vont se rendre compte qu'en fait, tous ces trucs-là, c'était des chimères. Et ils vont se reconcentrer dans notre tradition qui respectait l'environnement. On était les grands écologistes. On était les droits de l'homme ont été prononcés au XVIIe siècle dans l'empire de Sundiata Keita, avec ce qu'on appelle l'empire du Mandeng, avec le signe du Mandeng. Vous parlez des droits de l'homme aux gens qui ont fait les droits de l'homme? Au XVIIe siècle, dans l'empire du Mali, Sundiata Keita, avec le signe du Mandeng, les droits de l'homme, il disait que chaque homme est libre. Les gens viennent nous parler des droits de l'homme? L'Europe, la Grèce qui a fait de l'Europe, la Grèce qui a colonisé l'Europe, la Grèce, parce que tous les Européens se reconnaissent comme des enfants de la Grèce. Ils prennent tous les exemples en Grèce. Mais les Grecs ont étudié chez nous. C'est pas possible. Les Grecs, c'est chez nous qu'ils ont fait tous les machins. C'est les prêtres africains qui les ont appris tous ces machins-là. Il y a les penseurs grecs qui le disent. Hein? Il y a les penseurs grecs qui le disent. Ils ne cachent plus. Ils le disent. Il ne se cache plus. La Grèce reconnaît. Les Platon, les Hérodote, tous ces gens-là le reconnaissent. Aujourd'hui, les gens viennent nous parler que la Grèce a étudié où? Donc, on a tous ces trucs-là chez nous. Le problème, c'est d'être courageux et de dire stop. C'est de dire stop, mes frères. Et le stop-là, hein, 2019, c'est l'année. Ils ne peuvent plus. Ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi Macron va en Côte d'Ivoire? Il partait d'abord au Mali. Pourquoi il part en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il a peur de poser les pieds au Mali. Il a peur de poser les pieds au Mali. Il a vu ce mouvement anti-français au Mali. Il a peur. Il part en Côte d'Ivoire parce que c'est au terrain conquis. Il faut qu'il montre que oui. Oh, vous avez vu comment Alassane est là. Il suce son petit, son enfant. Alassane, il arrête le bras comme... Il a peur. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, les bases, les pays qui le supportent un peu, c'est la Côte d'Ivoire. Les présidents, hein, pas la population. Quand ils parlent de Côte d'Ivoire, ils parlent de la politique ivoirienne, hein, des hommes politiques. Ils ne parlent pas du peuple ivoirien. Hein, parce que le peuple ivoirien, même, c'est un pays qui ne veut même pas entendre parler par rapport à ce que la France leur a fait. Donc, quand ils parlent de Côte d'Ivoire, ils parlent de... Il faut qu'on fasse attention. Ils parlent de la politique. Donc, aujourd'hui, qu'ils peuvent prendre du réconfort là-bas, non. Ils viennent dans les pays pauvres, non. Les pays des faibles. Pourquoi ils ne peuvent pas partir dans d'autres pays comme la Chine, la Russie? Parler ces machins qu'ils parlaient là. Pourquoi ils viennent quand en Afrique? Parce qu'ils ont estimé que non, l'Afrique est conquise. Ils ont déjà dominé l'Afrique. Donc aujourd'hui, on peut faire de l'Afrique ce qu'on veut. Non, vous avez menti.
vous avez menti. L'Afrique, vous allez confirmer quelque chose. Ce n'est pas ce que vous parlez là. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir. Est-ce que c'est que... Je prends mes petites notes. Je prends mes petites notes. Voilà ce que... voilà ce que le scientifique grec, il s'appelait comment Strasbon. C'est Strasbon qui disait ça. C'est Strasbon à propos des prêtres grecs. À propos des prêtres grecs. Ces prêtres noirs... Non, c'est un scientifique grec qui parle des prêtres noirs. Et il parle de Platon, tous ces gens-là. Il dit... À propos de Strasbon, ces prêtres noirs... si profondément versé dans la connaissance, ces prêtres noirs, si profondément versé dans la connaissance des phénomènes célestes, étaient en même temps les gens mystérieux, très peu communicatifs, et ce n'est qu'à force de temps et d'endroits, ménagement, que Dox et Platon purent obtenu d'être initié par eux et quelques-unes de leurs spéculations théoriques. Donc, à force d'insister que ces prêtres-là ont pu leur communiquer une petite parcelle de leur connaissance, une petite quantité. Ces prêtres-là, c'est un grec qui dit, ils étaient tellement mystérieux, ils avaient une connaissance des choses qu'aujourd'hui, on ne peut même pas expliquer. Donc, pour dire que même la spiritualité, là, on va se retourner. Je vous ai dit que les solutions sont dans le passé lointain africain. Tant qu'on va questionner ce passé-là, mes frères, prenons la peine de questionner la science. Les hommes intellectuels, c'est ceux qui questionnent la science. Tu n'as pas besoin d'avoir Bac plus 10 plus 5 pour... Non, la science, tu la questionnes. Se remettre en permanence en question. Je vais vous dire quelque chose. Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens se décident de nous informer en tel moment. Pourquoi est-ce qu'ils nous donnent cette information alors qu'on ne leur a rien demandé. Tant que vous allez vous poser en permanence ces questions-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que le cerveau que vous avez là, vous n'avez même pas l'idée des compétences de ce cerveau. Vous n'avez même pas l'idée. Mais c'est une machine, c'est un ordinateur, c'est un des ordinateurs les plus puissants. Le cerveau a la capacité, il n'y a pas d'ordinateur plus puissant que notre cerveau. Mais c'est parce qu'on ne le travaille pas, on ne le questionne pas. C'est comme un chauffeur de Ferrari que vous lui donnez une Twingo. C'est ça. Le cerveau, c'est une... Permanemment, posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Pourquoi est-ce qu'il nous informe à ce temps précis? Pourquoi est-ce que... Il nous dit si maintenant. Pourquoi est-ce qu'il nous verse un parapluie d'informations? Pourquoi c'est en ce moment-ci qu'il nous sort ça? Je vous ai déjà dit dans les directs que l'information n'est pas neutre. Il y a un philosophe français, un philosophe et psychologue qui s'appelait Bourdieu. Il a fait un petit livre sur la télévision. Je pense qu'il doit avoir le livre là, ici là. Ouais. Ouais, ça c'est le livre là. Bourdieu. Sur la télévision. Une fois que vous allez lire ça, vous allez comprendre qu'en fait, ils font de la comédie. Vous allez comprendre direct qu'ils font de la comédie. Quand on t'invite à la télé, c'est parce qu'on sait plus ou moins ta façon de penser. On sait tes combats. Et on estime qu'en ce moment, on a besoin de ça. Donc toi-même qui es invité, tu te fais souvent manipuler sans même te rendre compte. Aujourd'hui que les peuples africains, surtout le Cameroun, est dans une situation totale d'indépendance. Une situation totale d'indépendance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher l'étincelle qui va allumer le pays en diabolisant les élites, en faisant des coups les plus bas. Donc, les choses l'ignominie, des choses inapropices, des choses qui ne sont même pas acceptées, qui sont jetées par tout le monde. Il faut maintenant sortir ces informations-là. C'est ça. Vous comprenez pourquoi? À l'époque, on avait montré c'était quel terroriste qui partait tous les jours chanter à l'ambassade du Cameroun. Oh, Paul Biya doit rentrer, oh, Paul Biya. Oui. Tout ça, c'était la période de fabrication, de destruction du Cameroun. Et maintenant, quand vous entrez dans la profondeur des choses, il dit, oh, Paul Biya doit partir. Après, les autres arrivent. Oh, ça fait 37 ans qu'au pouvoir, il a déjà passé 4 ans en Suisse. Pourquoi c'est maintenant qu'on sort ça? Oh, il a dépensé 40 milliards de francs CFA dans les voyages en Suisse. Pourquoi c'est maintenant qu'on sort ça? C'est pas aujourd'hui. Qui fait ça? Pourquoi vous n'avez pas dit ça depuis? C'est parce qu'il fallait détruire ce pays-là.
Et les informations, si allaient forcément révolter la population. Et une fois que la population était révoltée, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait se retourner contre l'élite. Et une fois qu'elle se retourne contre l'élite, l'élite fait quoi? Il fuit. L'impérialisme fait quoi en retour? Elle pose maintenant à la place de cette élite-là quelqu'un qui va travailler pour elle. Pourquoi on fait partie Paul Biya? Parce que Paul Biya a compris le jeu. Il n'accepte plus se faire duper. Il devient récalcitrant. Maintenant, il faut qu'on le fasse partir. Il faut qu'on prépare la population. Donc, vous voyez, la population même qui a soif du changement se fait manipuler. Et oui, ce n'est pas parce que la population demande le changement que le changement sera forcément les vœux de la population. Il y a toujours les petits bandits derrière qui sont là. Ouais, le pouvoir au peuple, tout ça là. Non, ces petits manipulateurs-là. Une fois que vous faites partie de votre truc, bim, on vous fabrique. On voulait nous fabriquer qui? Petit terroriste. On voulait fabriquer. Le Cameroun, c'est un don de Dieu. Je ne dis pas ça pour vexer les autres pays autour, que ce soit le Tchad, que j'aime bien, le Mali, ou Côte d'Ivoire, tous ces pays-là. Mais moi, je dis tout simplement que le Cameroun, c'est un don de Dieu. Tant qu'ils vont renverser le Cameroun, ils vont renverser toute l'Afrique centrale. Tant qu'ils ne vont pas renverser le Cameroun, ils vont rester toujours stagnés là. Ils vont rester stagnés là. On est dans une situation, on est dans un virage du... On est dans un virage de choc des civilisations où le pouvoir est en train de vouloir changer, où le pouvoir va changer de camp. Si on fait attention, on va ramener ça chez nous. Parce qu'effectivement, le pouvoir est destiné à nous. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'aborder des virages machiavéliques, diaboliques. Le capitalisme a pris totalement le contrôle, où les hommes sont déshumanisés. Les gens ne pensent plus en termes collectifs, les gens pensent en termes individuels. Le seul peuple qui peut ramener les gens, qui peut normaliser les gens, c'est l'Afrique. Parce qu'il y a encore cette part d'humanité là en Afrique. Il y a encore cette part d'humanité là chez les Africains. Donc c'est le seul continent, c'est les seuls gens qui seront capables de prendre les rênes de ce monde-ci là et de pouvoir humaniser tous les autres. C'est le combat dans lequel on est. Les pays qui ont fait le plus de mal dans ce monde, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Les pays où le sang s'est versé comme il n'est pas permis, c'est l'Europe, c'est l'Occident. C'est l'Amérique, c'est l'Europe. Ils ont trop fait de mal. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, les guerres des Odyssées, les guerres du christianisme, les guerres de l'islam. C'est les pays qui ont fait trop de mal. Donc aujourd'hui, on a le devoir, nous, Africains, nous, Kémites, si on est vraiment les premiers nés de la créature, si on est les gens à qui le créateur ou la créatrice a dit je ferai de vous mes premiers enfants parce qu'elle a estimé qu'on a le devoir de pouvoir ramener cette humanité-là à bon port. C'est la raison pour laquelle on a eu des prêtres phénoménaux, on a eu des savants qui ont pu poser des civilisations comme la civilisation égyptienne, comme la civilisation nubienne, comme l'Éthiopie et tout ça. On a eu des savants qui ont posé ça. Et aujourd'hui, on est dans cette civilisation-là. Donc aujourd'hui, on a le devoir, nous, Kémites, nous, Africains, nous, Noirs, parce qu'on a encore cette part d'humanité-là, nous, la politique européenne a échoué. Reprenons le flambeau et humanisons ces gens-là, parce que c'est la totale. Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait des petites notes ici. On vous dit que le PIB mondial, d'accord, le PIB mondial était passé de... attendez que j'ai dit ça là. Vous allez comprendre à quel point ces gens sont diaboliques. Hein? Voilà, on dit... Aujourd'hui, le monde est plus riche qu'il ne l'était. En 1950, entre 1950 et 1992, le PIB mondial est passé de 4 000 à 23 000 milliards de dollars. Le PIB mondial est passé de 4 000 à 23 000 milliards de dollars. Les revenus moyens par habitant, pour sa part, a plus que triplé. Mais, c'est... Cette triplation du PIB mondial n'en revient que à une poignée de la population. À une poignée de la population. Le monde produit plus de richesses qu'elle ne produisait il y a peut-être 50 ans. Mais où est-ce que cette richesse est passée? Parce que le capitalisme est là, où les gens, comme je disais tout à l'heure, ne pensent qu'en termes de... En termes individuels, le collectif a disparu. La communauté a disparu. Non, c'est moi. C'est moi qui ai la plus grosse voiture. Je m'en fous si mon voisin a ci ou ça. Non. Voilà ça. Mais ces progrès spectaculaires de
prospérité engendrée par la mondialisation ne profite guère aux déshérités du Sud. Donc, c'est même nous, hein. Donc, ça ne nous profite même pas. Parce que nous sommes les gens du Sud. Donc, à nous, ça ne nous profite même pas. Ça ne nous profite même pas. Et ça, c'est les études des spécialistes du PNUD. Ça, ce sont ceux qui font ces études-là. Et voilà encore ce qu'il dit. Entre 1960 et 1990, les pays les plus pauvres dans lesquels vivent 20% des êtres humains ont vu leur part dans les échanges mondiaux passer de 4% à moins de 1%. Ça, c'est les effets de la mondialisation. Les pays pauvres avaient au moins 4% de comment dirais-je, 4% de leur part de marché. Donc, on avait au moins 4%. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et les ouvertures des frontières à gogo, ces 4% sont passés à 1%. Et tout ça, c'est le qui? C'est le grand, c'est le capitalisme. Le riche qui veut toujours être riche. Et en étant riche, le pauvre ne fait que s'appauvrir. En étant riche, le pauvre ne fait que s'appauvrir. Et tous ces pauvres-là sont où? C'est les pays du Sud. Les pays du Sud, c'est qui? C'est nous. D'accord? C'est nous. Donc, on dit 1%. Voilà. Voilà ce que vous disiez. Les mêmes experts vous disent que les experts internationaux réunis par le PNUD ajoutent qu'entre 1970 et 1994, les flux d'investissement privé destinés aux pays en développement sont passés de 5 à 173 milliards de dollars, mais les trois quarts sont allés à 10 pays à peine situés, la plupart en Asie de l'Est et du Sud, et en Amérique latine. Il en réunit que l'Afrique noire est marginalisée par le libéralisme économique. Ça, c'est les experts qui le disent. Ça, c'est les experts de l'ONU, hein. Donc, vous comprenez que dans tous les domaines, on marginalise toujours l'Afrique. Toujours en train de marginaliser l'Afrique. C'est les gens qu'il ne faut même pas. Il ne faut même pas aider. Maintenant, cette marginalisation allait permettre aux Africains de faire bloc sur eux-mêmes pour pouvoir rebondir, de pouvoir sortir notre génie créatif. Parce qu'un peuple qui est tellement poussé à bout, au bout d'un moment, même par orgueil, est appelé à se réunir entre eux et pouvoir explorer comme la Chine a fait. Mais on se rend compte que malgré toute cette marginalisation, il met encore des stratagèmes pour faire quoi? Pour nous briser encore la côte. Il met des stratagèmes pour nous tuer. Donc, comme disait Cheikh Anta Diop, il mène contre nous un combat. Un combat aussi violent, mais aussi violent qui a fait disparaître des races et des êtres humains et des animaux. C'est le combat dans lequel on nous a mis. L'Europe mène contre nous un combat trop violent. Donc, si nous, Africains, on n'est pas capable de s'unir pour pouvoir sortir notre génie créatif, les frères, si on n'est pas capable de s'unir pour vivre ensemble, je vous promets qu'on va mourir tous ensemble. Ce qui va se passer en Afrique, ça sera comme l'Afrique du Sud, où les Européens sont déjà en train de vouloir fixer les droits là-bas. Ils sont venus, ils ont vu, et ils sont en train de dominer. Donc, si on ne fait pas attention, ça se passe déjà au Sénégal. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous ignorez, c'est que quand on vient vous parler des métros, on vient vous parler des métros, des RER, de toutes ces conneries-là. Mais ça ne fait pas avancer la population. Ça ne fait pas avancer la population. Vous faites les métros, les qui vont rouler dedans. Ça va transporter quoi si les gens ne sont pas déjà capables de créer les entreprises? Pourquoi est-ce que vous ne créez pas les emplois? Et en même temps, le métro, les trains, les métros qu'on fait là, tout le matériel vient où? Ça vient de l'extérieur. Donc, ça permet, les dettes que vous prenez pour construire ces conneries-là, permettent de faire fonctionner les sociétés européennes. D'accord? Parce que ce soit la technologie, que ce soit le fait, non, tout ça, c'est les sociétés européennes qui travaillent. Le matériel n'est pas fait chez vous. Donc, vous voyez que vous prenez les dettes pour faire les routes qui pourront transporter demain. Ah, il va vous expliquer ça. En fait, les Européens se sont rendus compte que l'Afrique, c'est un paradis. C'est un paradis pourquoi?
déjà pour sa météo, pour son sol. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts pour cultiver. Tu n'as pas besoin de partir aussi dans les UV. Les UV, c'est les UV pour bronzer, pour faire. Non, il y a le soleil là-bas, donc tu vis un paradis mais total. Il y a la forêt, il y a les animaux qu'on ne trouve plus, les animaux exotiques. Comme ils ont l'habitude de dire, quand c'est pour nous, c'est exotique. Quand c'est pour eux, ils sont un homme moderne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans ce continent? Parce qu'ils ont tellement appauvri ce continent qu'il n'y a pas assez d'infrastructures pour se déplacer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi bien. Ils appellent les pays africains d'aller s'endetter. Parce que c'est aussi avec ça qu'on nous tient, la dette. On va parler aussi du mécanisme de la dette. Ils envoient les pays africains d'aller s'endetter au FMI. Une fois que les pays africains sont endettés au FMI, pour faire les infrastructures qu'ils sont en train de faire là. Parce qu'ils s'endettent. Ils construisent les maisons. Ils construisent les métros. Ils construisent les bons trains. Pas pour que le Sénégalais qui sort de la Casamance vienne rouler dedans, non. Les maisons qu'ils construisent, ça coûte 150 millions, 200 millions de francs CFA. Dites-moi un Sénégalais qui touche 100 000 à la fin du mois qui peut payer cette maison de 250 millions de francs CFA là. Cherchez par le fichier des médias à 14h, il n'y a pas. Dans les maisons de 250 000 qu'on est en train de construire dans les quartiers chics, ça va appartenir aux expatriés qui viendront acheter ça avec les millions d'euros. Ils appellent ça maison secondaire. Parce qu'en Europe, aujourd'hui, ça coûte trop cher. Les pays comme les parties comme les Ibiza, Saint-Tropez, ça coûte déjà trop cher. Donc, ils ne peuvent plus acheter là-bas. Mais il faut qu'ils s'expatrient en Afrique. On va partir au Sénégal. En Côte d'Ivoire, il y a la plage, il y a les belles petites filles. Et comme c'est encore tous des gros pédophiles, ils vont venir encore avec les homosexualités et tout. Donc, ils viennent là-bas. Les maisons qui coûtent 250 000 là, ils achètent. Ils sont dedans. Les métros, quand on a pris les crédits pour acheter ça là, ils roulent dedans, ils se déplacent facilement avec. Après, ils vont barricader toute leur ville, leur quartier. Ils vont barricader toute leur ville, leur quartier. Ils vont exclure tous les Africains là, là-bas, parce qu'ils vont estimer que non, les Africains là, ils volent trop, comme ils ont l'habitude de le dire, ils volent trop, ils vont nous éviter d'aller dans ces quartiers-là. Ils vont s'approprier une partie de notre territoire. Avec l'argent que nos pays se sont endettés, ils ont construit tout ça là. Maintenant, eux, ils viennent rouler dedans parce que le Sénégalais n'aura pas l'argent pour payer le métro, mes frères. Le Sénégalais n'aura pas l'argent pour payer la maison qui coûte 250 millions. Un Sénégalais qui touche 100 000 à la fin du mois ne sera pas capable. Il va prendre le crédit génération en génération pour venir payer ça, ça ne va pas aller. Donc, ça ne va pas concerner le Sénégalais. Ça va concerner les jeunes retraités français là, les jeunes millionnaires français. Et comme encore en Afrique, il y a la chair fraîche. Quand ils vont venir avec les zéros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire tous nos enfants. Pédophilie, 12 ans, comme Einstein. On connaît Einstein, l'espion du Mossad là, qu'on a arrêté aux États-Unis. Si on a le temps, on va parler un peu de lui, un peu de ça. Ils vont venir chez nous. Comme ils ont tellement mis notre pays dans une pauvreté, avec leur argent, ils vont manipuler les enfants là-bas. Donc, ils auront les passeurs, des rabatteurs qui vont les amener, les petits-enfants de 10 ans. Ils vont satisfaire ils vont assouplir les désirs sexuels. Comme on a arrêté un ministre français au Maroc, dans une partie où vous avez les enfants de 10 ans, il y avait un mort là-bas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est sur Internet, un ministre français. Le ministre, c'était de la culture, c'était de quoi où. Je ne vais pas dire le nom aussi parce que je n'ai pas l'argent pour les avocats. Le Maroc et la Tunisie, c'était les terrains. C'était les terrains. Maintenant, ça sera l'Afrique. On commence à explorer avec l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire. Des gens au Cameroun disent que oui, le Sénégal est bien construit, il y a les routes. Mais est-ce que vous savez le plan qu'on est en train de vous préparer? Non, vous ne savez pas. C'est pour ça que moi, Cochissé, j'ai le devoir d'entrer dans la profondeur de l'analyse pour vous dire que hey, ce n'est pas pour vous qu'on met ça. De deux, les trains qu'on fait là, c'est pour porter encore les matières premières à ramener ça au port de Boaké, à l'aéroport. C'est pour porter les matières premières. Les trains que vous faites là, les routes que vous faites là, ils vous ont endetté pour ça. Les routes, ce sont eux qui vont venir construire. Vous avez pris les crédits. Maintenant, quand tout est fait, ils arrivent tranquillement avec les gros porteurs. Ils pillent nos matières premières, ça passe sur les routes là. Ça ne profite à personne, si ce n'est pas seulement peut-être 1% de notre population et le reste, les expatriés qui viendront chez nous. Ça, c'est pourquoi on est en train de vous construire les gros maisons au Sénégal et tout qui vont coûter les millions de francs CFA. Le Sénégalais ne sera pas capable de payer ça. L'Ivoirien ne sera pas capable de payer ça. D'accord? Ça sera les Européens. Ils appellent ça maison secondaire. Quand vous voyez les riches ici, ils ont les maisons partout. Quand l'été arrive, ils partent. Maintenant, l'Afrique, c'est le nouveau territoire. Vu qu'il y a trop de famines là-bas, on peut faire chanter les gens avec l'argent. C'est comme ça qu'ils vont arriver chez nous. Et qu'ils vont arriver chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont propager
L'homosexualité. Ils vont propager les machines. Lesbianisme, homosexualité, pédophilie. Parce que n'oubliez pas, mes frères, il y a les délits de pédophilie qui sont versés ici, là. Mais quand vous parlez des scandales de pédophilie, qu'est-ce qui se passe en Europe? Mais c'est parce que la presse cache. La presse cache. Il y a les scandales de où c'est Westminster, le scandale de pédophilie à Westminster en Angleterre. Mais c'est la reine qui était obligée d'intervenir parce que tout le gouvernement de Margaret Thatcher était impliqué. Les scandales de pédophilie de Albert Einstein, celui-là, le monsieur qu'on a arrêté récemment là, mais c'était des lobbies et consorts. On va venir chez nous avec. Comme on est en position de faiblesse, vous avez vu récemment au Tchad, on a arrêté un avion avec les enfants à l'intérieur Bobé. Avec les enfants versés à l'intérieur. Tous ces enfants-là, c'est quoi? C'est les enfants qu'on va vendre à des gens qui se font passer couple pour homosexuel. Après, ça va donner quoi? Pédophilie, tous ces consorts. C'est ça, c'était ça le problème. C'est les réseaux pédophiles. Mais les médias, comme je vous dis tous les jours, les riches achètent les médias pour donner l'information aux pauvres. Les médias couvrent ça. Parce que ces médias-là sont financés par qui? Par ces mêmes riches-là. Donc voilà dans le scandale. Voilà dans les préparations de ces gens-là. Côte d'Ivoire, Sénégal. On va nous construire les maisons là-bas, construire les routes, mais ça ne sera pas pour nous. Ça ne sera pas pour nous. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, où les Africains du Sud sont obligés de se retourner contre leurs frères. Contre leurs frères en pensant que c'est leurs frères qui les volent. Bonjour, Iman. En pensant que c'est leurs frères qui les volent le travail. Non. Parce que c'est la frustration de la parité. La justice ne les a pas été rendue. La justice ne les a pas été rendue. Donc, poussons, il vous dit toujours en permanence qu'ils sont dans notre cerveau. En permanence. Envoyons les informations au cerveau. Le cerveau va nous donner les solutions. Envoyons les problèmes au cerveau. Il va nous donner. Analysons, doutons. Doutons, oui. Einstein, c'était un autre. Einstein, c'était un espion du Mossad. Il faisait chanter. Einstein faisait chanter les ministres. Parce que quoi? Le monsieur avait une façon de faire machiavélique. Il prenait tous les ministres là. Il les mettait dans les maisons avec les petits-enfants de 9 ans. Ils étaient tous filmés à leur insu. Tu couchais avec ces enfants-là et tout et tout. Et après, on te faisait chanter avec la vidéo. Quand il fallait voter les lois, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Quand tu ne veux pas, on te montre la vidéo. Parce qu'ils se sont rendus compte, quand on les faisait chanter avec le fait de tromper les femmes, mais ça ne passait plus. Quand un homme trompait sa femme, il s'en foutait un peu. Quand on dit, ouais, c'est un bad boy, tout ça. Ils s'en foutaient un peu. Mais ils ont passé plus loin avec maintenant les pédophilies. Einstein avait une île qu'on appelait l'île de pédophilie. Et il y avait un avion, où il y avait un jet privé qui s'appelait Lolita. Allez voir l'histoire de Lolita sur Internet. C'était un film pédophile, un truc comme ça. Donc voilà les mécanismes que ces gens ont fait. Et c'est pour ça que les jeunes petits politiciens africains qui ne sont pas encore entrés dans ce vice-là, qui n'ont pas compris que ça fonctionne comme ça, là, ils arrivent et se bavanent en Europe, comme il n'est pas permis. On leur donne les femmes, on leur fait croire qu'ils sont si, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'entrer dans un cercle. Ils sont en train d'entrer dans un cercle vicieux. Et c'est comme ça qu'on a ramené beaucoup de nos chefs d'État dans les histoires comme la franc-maçonnerie, où il y avait la torture d'enfants. Où il y avait la torture d'enfants, où il y avait les crimes des enfants. Hein? Parce qu'on voulait endurcir le cœur de ces hommes politiques-là, parce qu'on savait très bien qu'ils vont prendre des décisions qui seront contre-productives. Donc il faut les endurcir le cœur. Et pour les endurcir le cœur, c'était quoi? C'était les faire passer des machines comme ça. Torture des petits-enfants, des petites-filles, viols pour les durcir le cœur. Et une fois qu'ils sont passés par là, allez, ils sortent, ils deviennent des animaux. Ils deviennent des animaux, des gens qui prennent des décisions pas possibles. Regardez un peu Macron, regardez les trucs de retraite qu'il est en train de faire. Ça donne quoi? Le peuple dit qu'il n'en veut pas, mais il insiste. Le peuple dit qu'il n'en veut pas, mais il insiste. Vous comprenez que c'est des gens qui ont déjà durci le cœur à un point où... Mais c'est pour ça que quand je regarde au Cameroun, je regarde les gens qui me parlent, oh... Pédophilie, oh, homosexualité. Oh. Non, c'est prendre le problème en surface. Le problème tenait-le à la racine. Les qui nous ont emporté la pédophilie? Les qui nous ont emporté toutes ces loges-là? Les qui nous ont emporté? Nos chefs d'État sont seulement des victimes de ça. L'Europe, c'est un continent vicieux. Tant que tu ne sais pas comment ça marche en Europe, tu te fais bouffer. Et la majeure partie d'Africains n'ont pas compris ça. C'est pour ça qu'ils tombent dans les mêmes pièges. Ils tombent dans les mêmes pièges, ils refont la même chose. Tant qu'on comprendra c'est quoi l'Europe, quand on aura les capacités de pouvoir penser de nous-mêmes,
qu'on questionnera la science, on pourra les regarder en face, le colon, et on lui dira, va te faire enculer. On lui dira, va te faire enculer. On pourra regarder le colon et on lui dira, va te faire enculer. Parce que on est devenu des hommes. Parce qu'on est devenu des hommes. On est à la veille du 19e siècle où le colon croit que c'était encore l'époque où il pouvait nous dicter ses rêves. Non, 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 l'époque est finie. L'époque est finie. Maintenant, c'est nous qui allons dicter nos règles au colon. Le colon va comprendre que le fils d'esclave n'est plus esclave. Le colon va comprendre, comme on dit en langage du quartier chez moi, que le mot guard absence. Nous, on a compris, on ne connaît pas parler votre français, ce n'est pas un problème. Mais on va s'exprimer avec le français qu'on peut. Et on va amener la population à comprendre le vice. On va amener la population à comprendre le vice, parce que c'est un continent vicieux. Ça, je ne peux pas vous mentir. C'est un continent vicieux. Il faut vivre ici pour comprendre. Il faut vivre ici pour comprendre. Le français va nous faire du mal. Mais les gens sont seulement chez nous, ils continuent toujours à nous dire que non, c'est les chefs d'État. La corruption a été instrumentalisée en Afrique. Ce sont eux qui ont emporté la corruption en Afrique pour casser notre socle culturel, pour casser notre culture. Parce qu'ils savaient qu'une fois que les chefs d'État seront corrompus, on pourra les tenir avec. Ce sont eux qui ont appelé, qui ont amené, qui ont emporté ça. Le problème, c'est maintenant, quand tu veux faire une analyse comme ça, cherche la racine du problème. Ça ne sert à rien de prendre le problème. Parce que ne faites pas du populisme. Ne faites pas du populisme. Le populisme, c'est pour les faibles. Soyons capables de regarder. Moi, je veux voir, je veux un ami qui me regarde en face et me dit, Cochissé, ce que tu as fait là n'est pas bon comme ça, comme ça. Là, c'est un ami. Je veux pas un ami qui me laisse plonger dans ma bêtise. C'est pour ça qu'ici, là, on peut être ami, mais quand quelqu'un prend une autre tournure, je lui dis que, hey, politiquement, on ne s'entend pas. Parce que tes idées là ne m'arrangent pas. Je ne vois pas ça comme ça là. Oui, je lui dis, ça cache. Je lui dis, et c'est ça aussi l'amitié. Donc, si on est capable de dire au frère que non, c'est pas parce qu'on est ami qu'il ne peut pas te critiquer. Non, non. Non, il faut qu'on leur dise que les gars, c'est fini. Les gens sont là, ils ont les problèmes chez eux. Mais ils sont toujours en train de courir qu'ils veulent venir aider l'Afrique. Les gens ont les problèmes chez eux, mais ils courent toujours qu'ils veulent venir. Mais c'est quel genre non, aime ton prochain comme toi, mais pas plus que toi-même. Règle d'abord tes problèmes chez toi. Et après, tu viendras régler les problèmes de l'extérieur. Mais du moment où tu as les problèmes, ta maison ne peut pas être en train de brûler. Tu laisses ta maison et tes enfants qui sont à l'intérieur en train de brûler. Tu passes sauver les enfants du voisin. Non, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Donc, mes frères, aujourd'hui, 2019, ça sera la vraie indépendance. Ça sera la vraie indépendance si le peuple africain se met au niveau des attentes de la mondialisation. Ça sera la vraie indépendance si les Africains prennent vraiment cette conscience-là qu'effectivement, on est en train de jouer un virage crucial pour notre continent. Ça sera la vraie indépendance si on prend la peine d'observer, d'écouter nos chefs d'État, savoir où ils partent, de les emporter ce soutien-là. Ça sera la vraie indépendance si on vient en aide à des gens qui sont là vraiment pour l'éveil, pour le développement et pour la bonne conduite de notre continent. C'est ça sera la vraie indépendance. Ça ne sera pas l'indépendance si on vient tourner encore, comprendre le colon. L'Europe nous a menti. Elle nous a toujours menti et elle continuera à nous mentir. Gardez toujours ça dans la tête. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça, on va dire si, on va dire ça, mais c'est ça qui est la réalité. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous avez vu Macron venir en parler en France, en Côte d'Ivoire. Oui, il caresse les gens au sens du poil, tout ça. Tout ça, c'est pour faire les accords. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a enlevé toutes les barrières douanières. Donc, ça veut dire que l'Union européenne peut arriver en Côte d'Ivoire avec tout ce qu'elle veut. Il n'y a plus aucune barrière douanière. Il n'y a plus la douane à payer. Comment l'industrie ivoirienne peut se développer avec ces conditions? Et la Côte d'Ivoire prend maintenant le rôle du cheval de Troie. Pourquoi? Parce que vu que ces pays de cette partie d'Afrique commercent entre eux, donc ces Européens-là vont entrer en Côte d'Ivoire et ils vont passer dans les autres pays en voiture. Donc la Côte d'Ivoire sera le dépôt et les petits détaillants qui sortent de la Guinée, du Bénin, du Mali, du Sénégal viendront acheter en Côte d'Ivoire et aller revendre chez eux. Donc ça fait que quoi? Ça tue tous les petits artisans. C'est la loi qui a été votée.
Je dis bien tout. Comment tu veux bagarrer avec quelqu'un? Mais c'est pas possible. Comment les artisans vont faire donc? Les artisans vont faire quoi? Quand en Afrique, on est en train de visser, où les prix douaniers sont en train d'augmenter, où le port de Bolloré a été confisqué par le Cameroun, où on est en train de renationaliser, parce que c'est ça la politique d'aujourd'hui. Il faut qu'on reprenne nos bijoux de famille et qu'on les renationalise. Et c'est ce qui se passe. Le port de Douala a été renationalisé. Il y a plein de choses qui ont été renationalisées avec les partenariats diversifiés en Europe, en Asie, en Chine. Tout ça sont en train d'être... Et c'est la politique qu'il faut faire parce qu'il faut que l'État prenne ces sociétés-là. Une fois que l'État a pris ces sociétés-là avec le partenariat de certains pays occidentaux, on aura une politique maintenant pour le bien-être du pays. Ça ne sera plus le privé qui vient, parce que le privé, en vrai, il ne développe pas, surtout quand c'est le privé occidental. Lui, il s'en fout. Tout ce qu'il s'est fait, c'est de pomper l'argent. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que Paul Biya fait? Il a repris, il a compris. Il a repris. Il est en train de faire quoi? Il renationalise. Il y a les produits qui vont être beaucoup plus chers au niveau de la douane. Pourquoi ça va être cher au niveau de la douane? Pour freiner, comment dirais-je, les importations de ces produits-là. Et là, maintenant, comme les importations de ces produits-là sont freinées, ça fait qu'à l'intérieur du pays, on va produire ça. Si on essaie d'augmenter le prix du riz, quand le riz vient à l'extérieur, si le riz devient beaucoup plus cher, qu'est-ce que ça va faire? Ça va retourner les gens vers le manioc. Ça va retourner les gens vers le plantain. Ça fait que la demande du plantain et du manioc seront beaucoup plus demandées et on peut produire une industrie des plantains et des maniocs. Et l'industrie du manioc seulement peut donner le couscous, peut donner beaucoup de choses. Vous voyez, donc l'État est en train de mettre... Il a compris, et tout ça, c'est après combien d'années? Après peut-être 30 ans, ou après 25 ans. Donc voilà pourquoi on a le devoir, on est en position de renationaliser. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, c'est le marché qui dicte les lois. Le marché a fait quoi? Le marché a acheté... Oh, mon gars, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Adrien. Le marché, aujourd'hui, c'est le marché qui gouverne en Europe. Comment le marché gouverne en Europe? On va parler un peu de ça et puis on va rentrer un peu dans la politique en Afrique. Le marché gouverne en Europe, pourquoi? Parce que les financiers font quoi? Ils ont corrompu tous les hommes politiques. Pour être président en France, aux États-Unis, mes frères, il faut au moins 50 millions pour la campagne. Le petit peuple ne peut pas te fournir les 50 millions là. Qu'est-ce que tu te retournes vers où? Tu te retournes vers Wall Street ou la City à Londres pour prendre l'argent chez les qui? Chez ces financiers-là. Maintenant, une fois que tu as pris l'argent des financiers, là, tu deviens président. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant une fois que tu es président? Au retour de l'ascenseur, il faut que tu mettes les lois qui avantagent le marché. C'est la politique dans laquelle l'Europe se trouve, où les présidents n'ont plus aucun pouvoir. C'est la banque qui dirige. C'est pour ça que Hollande est arrivé, il a dit « mon ennemi, c'est la finance ». Mais le lendemain, il est parti pleurer à la City à Londres. Vous dites que non, non, c'était juste les propos de campagne. Mais parce que tout le monde a compris qu'effectivement, l'ennemi, c'est la finance. La finance veut toujours gagner plus. Donc, c'est le marché. On ne peut pas vivre comme ça. Là. Le marché, c'est quoi? C'est le capitalisme. C'est le capital. Parce qu'il veut toujours gagner plus, plus, plus. Il veut toujours gagner plus, plus, plus. Même là, quand tu comprends le mécanisme des retraites qu'on est en train de vouloir faire en France, tout ça, c'est tout quoi? C'est tout le marché. Qui est en train de gérer ces retraites-là? C'est le directeur général de où c'est BlackRock, ou c'est Black quoi là. C'est une trop grosse banque ou une industrie qui s'occupe des retraites. Bref, j'ai écouté ça, mais expliquer ça, c'est un peu compliqué. Hein? Tout ça, c'est quoi? On vit ça maintenant, on privatise comme vous voulez privatiser la sécurité sociale. Vous voyez qu'aujourd'hui, même la sécurité sociale est presque privatisée en France. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de faire recours aux mutuelles. Et les mutuelles, c'est quoi? On te prend peut-être 80 euros chaque fin du mois. Alors qu'avant, c'était pas ça. Donc, vous voyez que le marché, et maintenant quoi? Il veut ramener ce marché-là chez nous. Il veut ramener ça chez nous pour que le marché vienne dicter les lois. Pour que le marché vienne dicter les lois. C'est le marché qui décide de qui sera président, comme on voulait faire. Oui, parce qu'il faut le dire, les frères, le MS était financé par le marché. Le MS, c'était le marché, c'était la politique de Ouattara. C'est le marché, c'était pour libéraliser total de l'économie. Une libéralisation totale, alors que nous, on n'est pas capable de faire face à cette industrie européenne qui arrive. Donc, il faut qu'on ait des États, des présidents forts qui peuvent nous caler, qui peuvent nous protéger.
Et il faut qu'on essaie d'intégrer un certain nombre de valeurs à nous qui feront que nos enfants qu'on enverra à l'école, qu'on enverra à l'école, pourront comprendre le vice de ces gens-là et venir nous protéger. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On envoie les enfants à l'école aujourd'hui, partent et se mettent à penser qu'à eux. Ils pensent à eux et à leur famille. Dans le quartier, le peuple a fait les choses. Non, quand ils pèsent, ils pensent maintenant lui, sa famille. Il envoie les autres dans la mer. Voilà un peu le truc dans lequel on est. Le capitalisme. Le capitalisme et le marché. C'est des choses qui vont de pair. Les choses qui vont de pair. Et on a tellement épousé ça qu'aujourd'hui, mais c'est, ça se voit. Il suffit juste d'observer. Un enfant, il vient en Europe. Il vient en Europe que oh, tout le quartier était, on priait pour lui. Le quartier danse. Oh, on a notre ami en Europe, on a notre frère en Europe. Maintenant, quand il rentre de l'Europe avec un peu d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il se croit chez lui. Des fois, même ses amis du quartier ne le voient même pas. Parce qu'il estime que non, il n'a plus le niveau de marcher avec ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas civilisés. Vous voyez un peu comment le capitalisme nous transforme. Et ça, c'est pour les gens qui n'ont pas une conscience, qui ne sont pas mûrs. Qui ne sont pas mûrs. Ils font ça. Ils font ça. Ils voient qu'ils fusquent encore plus leurs amis. Tu es parti de l'Europe, mon frère. Tu reviens. Passe du bon temps avec tes amis. Même si tu ne manges pas chez eux, mais le fait seulement d'être ensemble, c'est déjà quelque chose. Vous rigolez, tu les expliques. Vous connaissez où est-ce qu'on a commencé à ne plus avoir peur des Européens? C'est après la Deuxième Guerre mondiale, quand les tirailleurs africains sont partis bagarrer avec les Allemands. C'est après cette Deuxième Guerre mondiale qu'ils sont rentrés nous dire, nos parents disent, « Hey, les gens-là ont peur plus que nous-mêmes. Les gens-là meurent. Les gens-là sont faibles. Les gens-là sont prenables. » C'est à partir de là que le sursaut des indépendances ont commencé. Parce que quoi? Les tirailleurs, c'était les éclaireurs. Ils ont vu le fonctionnement de l'Europe, ils ont vu l'Europe, ils sont rentrés transmettre. Mais si nous, aujourd'hui, on vit en Europe, on n'est pas capable de transmettre. Ça sert donc à quoi devenir en Europe? Ça sert donc à quoi devenir en Europe? La transmission, mes frères, si on n'est pas capable de transmettre à nos frères qu'on peut étudier et devenir comme eux et les dépasser même. Mais si on n'a pas ça, c'est... Ce truc-là, vous croyez qu'on va s'en sortir comment? Vous croyez qu'on a pas ça, on va s'en sortir comment? Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de ça la transmission. La transmission, l'éducation, transmission, éducation, transmission. Avec ça, on va gagner notre combat. Avec ça, le combat sera gagné. Mais si on vient faire, oh, je suis arrivé, c'est moi qui ai la plus grosse paire de couilles, c'est moi qui ai la plus grosse paire de baskets, tu arrives, tu passes ton temps, c'est moi à coucher les petits filles à gauche, à droite, tu fais encore plus du mal qu'autre chose. Tu fais plus de mal qu'autre chose. Tu peux même coucher, mais mon frère, quand même. Mais, Dak Café, je vous ai dit ici que le gouvernement ne développe pas un pays. Tant que vous allez comprendre ça, vous allez comprendre. Le gouvernement ne développe pas un pays. C'est le peuple qui développe un pays. C'est le peuple. Je vais te dire pourquoi l'Afrique, le Cameroun n'est pas tombé. Le Cameroun n'est pas tombé parce que ce n'est pas l'État du Cameroun qui a construit le Cameroun. Hein. Le Cameroun n'est pas tombé parce que c'est les Camerounais qui ont construit leur pays. C'est les Camerounais qui ont mis les immeubles là. Donc quand la guerre vient, ils protègent d'abord ses intérêts, sa petite boutique. C'est pour ça qu'il vous dit qu'allez tourner, je ne parle pas. Parce qu'il a ses intérêts là-bas. La Libye est partie en fumée parce que c'est le gouvernement libyen qui avait tout fait. Elle avait tellement facilité la tâche aux Libyens qu'ils ne savaient pas c'est quoi la difficulté. Ils croyaient que si Kadhafi partait, celui qui allait revenir allait donner plus. Ils n'avaient pas cette notion de difficulté-là. C'est pour ça que, bon, c'est vrai que ce n'est pas tous les Libyens qui étaient d'accord. Mais la majeure partie croyait que, une fois que Kadhafi est parti, ils se sont donc rendus compte que, Dami Senasso, donc c'est comme ça là, la liberté qu'on avait là, même tout ça, c'est maintenant qu'ils se rendent compte. Et le Camerounais s'est rendu compte de ça depuis. La Côte d'Ivoire, c'est, tu parles en Côte d'Ivoire, les Libanais, la France, mais c'est la France qui a construit la Côte d'Ivoire. Bonjour, Jeff Ferdinand. C'est la France qui a construit la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la France a dit qu'elle ne bougera pas de là par rapport à ce qu'elle a investi là-bas. Quand elle quittait de la Guinée, elle a tout détruit. Quand la France quittait de la Guinée, elle a tout détruit. C'est la même chose quand les Allemands quittaient du Cameroun. Ils ont cassé tous les ponts, ils ont tout détruit parce qu'ils ne voulaient rien laisser. Et maintenant, les Camerounais ont dit que bon, chacun se débrouille à son petit coin, chacun vague à ses occupations. Il va en couler, lui, tacle, ses dîners là, c'est 3, 4 000, il est tranquille. Tu vois, les petits Bayam Senam, les gens dans les champs et consorts. Donc, quand on est venu leur proposer ce plan de guerre là,
Les gars ont secoué les têtes que vous mentez, on n'est pas parti dedans. Parce que quoi? Ce sont eux qui, les petits acquis qu'ils ont eu là, ce n'est pas avec l'aide de l'État, c'est avec les propres aides qu'ils ont eu ça. Donc ils ne pouvaient pas s'aventurer pour détruire ça. Voilà pourquoi notre pays est resté debout. Si le gouvernement construit un pays, les habitants de ce pays-là ne vont pas prendre conscience que l'affaire là. C'est ça. C'est pour ça que quand tu gagnes l'argent facilement, ça part aussi facilement. Mais quand tu travailles, tu te lèves à 5 heures du matin pour aller faire ton boulot, quand tu as tapé tes 1500 euros ou tes 60 000 francs CFA, tu réfléchis deux fois avant de dépenser. C'est la même chose que quand on te propose la guerre. Tu vois d'abord les avantages que tu as dans la situation dans laquelle tu te trouves. Quand tu réfléchis à ça, tu te rends compte que non, ça n'est pas la peine. Dans les Camerounais, le gouvernement ne développe un pays, mon frère. Que quelqu'un ne vous manque pas, le gouvernement ne développe un pays. Ceux qui développent un pays, c'est les peuples. L'Europe n'a pas été développée par le gouvernement. C'est les propres Européens qui font les sociétés, qui font les si. Et il faut que les gens enlèvent cet esprit de la tête que ce n'est pas parce que j'ai bac plus ceci que je dois forcément trouver le travail à l'État. L'État vous a donné l'école. L'école que l'État vous donne, c'est pour que vous partez là-bas acquérir un certain nombre de savoirs. Et une fois que vous allez acquérir ce savoir-là, vous allez donc mettre tout ça en exergue. Si c'est les mathématiques que tu fais, tu vas trouver un truc dans ton domaine. Si c'est la comptabilité, tu vas ouvrir un bureau de comptable pour conseiller les gens qui ont les petites sociétés, tout ça. C'est ça que l'État vous donne le savoir. Là. Maintenant, certains sont partis à l'école, sortis avec bac plus 250, ils sont venus faire les CV. L'État ne vous donnera rien du tout. C'est pour ça que quand vous partez chercher une filière à l'école, il faut être sûr que cette filière-là va pouvoir vous aider une fois que vous allez finir l'école. Voilà. Il faut que vous soyez... Vous trouvez les gens au Cameroun qui partent faire littérature. Vous trouvez les gens au Cameroun qui partent faire... Je ne sais pas quoi. Est-ce que le Cameroun a besoin de la littérature maintenant? Regardez notre pays, regardez les routes, on a besoin de construire. Au lieu de sortir les ingénieurs, des maçons, au lieu de sortir les, je ne sais pas moi, des architectes, de tout ça, tout qu'on doit faire parce que notre pays est en pleine construction. On ne fait pas ça. On ne fait pas, on veut partir être journaliste. On veut faire on veut faire le boulot du oh, comment on appelle ça? On veut faire les boulots qui ne nous serviront pas chez nous. Hein? Les boulots qui ne nous serviront pas chez nous. Avec on ne développe pas un pays avec le libéralisme toto qu'on nous montre là. Hein? Oh, vraiment. C'est ça le problème. Va à l'école. Choisis une technique qui te permettra de pouvoir vivre chez toi où il y a de la demande. C'est comme ça qu'on peut développer un pays. Au lieu de au Cameroun, on sort des colonisations, on sort de tous ces machins, on a besoin de techniciens. Mais toi, tu dis seulement que non, tu veux faire journaliste. Tu veux faire littérature. Tu vas lire quoi? Qui a écrit même d'abord ce que tu vas lire là? Tu viens écrire, tu vas lire quoi? Qui a écrit? Et même si tu écris, est-ce que les gens à cette époque étaient incapables de lire? Non, ils avaient faim. Ils avaient faim. Ils ne pouvaient pas lire. Au lieu de faire ta menuiserie, tu sois un bon menuisier. Au lieu de faire la maçonnerie architecte pour nous repenser une architecture pour nous, on ne fait pas. On dit que le gouvernement. Il y a toujours dit que Dak Café, il y a toujours dit que je ne suis pas pour. Je ne dis pas que le gouvernement n'a pas failli. Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que ce qui allait arriver devait être plus pire que ce qu'on a aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne dis pas que ce gouvernement n'a pas failli. Non, je dis que ce qui allait arriver devait être plus pire que ce qu'on a là. C'est pour ça que je me bats qu'on ne tombe pas dans le pire. Il y a les exemples, non, mon frère. Ouais, la Libye est là, non? La Libye est là, la Libye nous parle. La Côte d'Ivoire même nous parle. L'Irak nous parle. Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? Ils ont dit qu'ils veulent le chantier. Ça a donné quoi? J'ai dit tout simplement que non. Ce qui allait arriver devait être plus pire. C'est tout ce que j'ai dit. On développe un pays comment? C'est toi, c'est moi qui mettons nos petites entreprises, non? Les PME, comme ils ont l'habitude de dire. Les PME, on recrute un, deux, trois enfants. Ils travaillent pour nous. L'autre vient, il fait ci, l'autre vient ici. On fait peut-être 100 PME. Ça va, si on, dans 100 PME, on recrute peut-être. Trois enfants. Ça va faire peut-être 300 enfants qu'on a sortis du chômage. Maintenant, l'État est là pour donner les subventions. Et si on est dans une ville, trois entrepreneurs comme toi et moi, on a peut-être 300. On fait ça. Ça fait que c'est nous qui allons décider de ce qui, c'est celui qui sera maire dans notre ville parce qu'on aura la force, on aura
la force financière. On pourra parler, on pourra mener la politique qu'on veut chez nous. C'est comme ça que nous-mêmes, on va prendre notre politique et on va mener ça comme on la veut. Parce qu'il y a 30 auto-entrepreneurs dans une ville. On peut décider de qui sera meilleur, on le finance. Et c'est comme ça qu'il met une politique qui nous arrange. C'est comme ça là. Donc la finance, l'économie est importante. C'est pour ça que les Blancs fixent les règles chez nous parce que ce sont eux qui sont les plus grands employeurs. Pardon. C'est les plus grands employeurs. C'est pour ça qu'ils viennent fixer les règles. Vous dites à Paul Biadé, il y a... Vous dites à Paul Biadé, fais partie les Blancs. Si on chasse tous les Blancs, là, la banane, là, tu sais combien de personnes la banane au, emploi au Cameroun? Maintenant, s'il faut chasser tous ces gens-là, qui vont employer ces gens dont la banane employait? Personne. Et une fois qu'il y aura plein de chômage, c'est quoi? C'est les révoltes. C'est l'instabilité du pays. Donc, avant de dire que faites partie tel, il faut déjà préparer le plan B. Le gouvernement accompagne, c'est parce que nous, on croit seulement que tu arrives aujourd'hui, on te donne ça aujourd'hui. Non, il y a une procédure, même si tu es en Europe. Est-ce que tu connais ce qu'on te demande pour un petit entrepreneur en France? Tu connais les papiers qu'on te demande? Mais vous parlez qu'on n'arrange pas. Est-ce que ici même on arrange? Mais les entrepreneurs, les fermiers se suicident tous les jours, les éleveurs se suicident tous les jours en France. Je dis bien tous les jours, c'est même pas moi qui le dis, c'est le journal. Tous les jours, les éleveurs se suicident en France. C'est parce qu'ils estiment aussi qu'on ne les aide pas. Mais si vous êtes toujours en train de dire que le gouvernement, vous n'avez même pas encore posé une pierre, mais vous avez déjà vu les difficultés. Non, posez d'abord. Il y a les subventions au pays. Ceux qui bénéficient de ces subventions-là, c'est les Européens qui bénéficient de ça. Il y a les subventions au pays. Il y a les subventions au pays. Il faut aller, vous allez voir. Est-ce que les gens ne sont pas riches au pays? C'est qu'il y a juste une petite communauté qui a décidé de s'accaparer d'un certain nombre de choses et il manque les gens que non, oh, il faut ci, il faut ça. Mais va et tu vas voir. C'est la même chose qu'on dit qu'à l'ambassade du Cameroun, oh, tu ne pouvais pas faire quelque chose là-bas, c'est compliqué. Je suis parti pour faire mon passeport là-bas, mon voyage. Déjà en 2 heures, mon passeport, j'ai réglé, mais je suis parti. En 2 heures. Donc quand tu écoutes seulement ce que les gens disent, tu es en Europe, comment tu connais que les gens en Afrique, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Va, quand tu veux faire un papier administratif en France, tu prends ta journée, tu ne travailles pas une journée pour ça. Mais pourquoi est-ce que quand on est arrivé chez nous, on veut seulement comme on est arrivé là, on nous sert là? Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ce qui se passe ailleurs est exactement ce qui doit se passer chez nous. L'État, le gouvernement, l'État, quand tu parles, l'administration est toujours compliquée. Même quand tu parles, même, ne serait-ce qu'à la poste, c'est là. Mais tu fais la queue, mon frère. Tu es sur la file d'attente, tu attends ton tour. Et des fois, tu arrives, on te demande les papiers. Hein? Même quand tu parles à la préfecture pour ta carte de séjour, mon frère, tu vois les papiers qu'on te demande. On te demande l'acte de mariage de ton arrière-grand-mère. Tu vois, mais ça te rend fou. Mais tu ne te fâches pas, tu ne sors pas dans les réseaux sociaux pour raconter tout et n'importe quoi. Mais pourquoi c'est quand c'est chez nous où tout le monde va, hein? Non, tu viens, tu t'alignes, tu demandes, on te dit il faut ci, il faut ça, il faut ci. Tu prends, tu construis ton dossier, maintenant tu pars. Les gens sont seulement là, ils viennent. On est dans un pays d'État, hein? on est dans un pays, il y a un État là-bas, il y a les règles qu'il faut respecter. Donc, ne croyez pas que ça va être de l'anarchie où chacun va venir faire tout et n'importe quoi. C'est vous qui dites que les Européens doivent quitter l'Afrique. Mais quand on chasse ces Européens-là, c'est encore vous qui vous plaignez. Parce qu'il y a les sociétés. J'ai vu un documentaire, un Français qui dit, ou c'est un Français, c'est un quoi, qui est parti en Éthiopie. C'est là-bas qu'il a sorti. Mon frère, la France, c'est encore c'est la totale, même encore, même les propres Français disent, c'est la totale encore avec les papiers, c'est la totale même avec les papiers en France. Donc, on ne peut même pas comparer, c'est la totale. Donc, comme je disais, un Français qui arrive, il arrive au Cameroun, il dit qu'il voulait faire les chaussures Sawa, ou c'est quoi. Après, il est parti en Éthiopie, on nous a seulement montré le bon côté, oui, il emploie 300 personnes, 400 personnes. Mais est-ce que vous avez cherché déjà à savoir pourquoi on nous a envoyé les informations là qui est en période post-électorale. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi est-ce qu'on a fait partie celui-là du Cameroun? Vous n'avez pas cherché à savoir, à comprendre ça. Mais vous vous êtes juste enflammé. Oh, pourquoi? C'est ça le délire avec vous. On joue avec vous, on se balade dans votre cerveau.
Moi, j'étais à l'ambassade de j'ai dit encore, je suis allé faire mon passeport à l'ambassade de Paris. Sincèrement, je suis venu peut-être à 10 heures. Je suis parti de là moins de 12 heures. Moi-même, j'étais surpris. Ça a bougé. Il faut dire, quand quelque chose est bien, dites que c'est bien. Quand tu pars au Cameroun, tu vois le changement, que ce soit même au niveau des constructions, que ce soit au niveau des... Il y a le changement, ça progresse. Ça progresse. Vous voulez toujours voir un pays. Les autres pays n'ont pas eu la même politique que le Cameroun. Les autres pays, le Cameroun est développé dans toutes ses 10 provinces. Quand tu vois que ce soit à l'est, quand tu vois que ce soit à l'est, quand tu vois la capitale de la province de l'est qui est Bétoua, franchement, tu n'envies pas celui qui vit à Douala. Quand tu vois que ce soit à Bafoussam, tu vois, tu n'envies pas celui qui vit à Yaoundé. Quand tu pars peut-être au nord, donc il a eu une politique de pouvoir décentraliser, je peux dire, le progrès, les avancées. Par contre, dans les autres pays, tout est basé seulement dans les capitales. Tout est basé. Et on vous montre ces capitales-là. On vous montre ça, vous dit, oh, c'est le paradis. Mais le problème avec le Cameroun, c'est que non, tous ces 10 provinces, il y a plus ou moins les bonnes choses. Et de deux, qu'on va comprendre que les infrastructures, les infrastructures, là, ce n'est pas ça qui est le développement d'un homme. Le développement d'un homme, c'est sa capacité à pouvoir penser de lui-même. Le Cameroun, Paul Biya a quand même fait beaucoup de choses au niveau de l'éducation. Il a fait beaucoup de choses. Le Cameroun, c'est un des pays où il y a, où le taux d'analphabétisation est le plus bas en Afrique. Les Camerounais ont accès à l'école. Ouais, mon frère, comment tu veux comparer ce qui n'est pas comparable? Qui a dit que l'Europe, ce n'est pas mieux que l'Afrique? Dak-dak-café. L'Europe, c'est mieux que l'Afrique, non? L'Europe est mieux que l'Afrique parce que l'Europe aussi passe son temps à voler en Afrique, non? Comme l'Europe passe son temps à voler en Afrique, il faut qu'elle essaie de laisser l'Afrique dans une situation où ça sera le chaos. C'est ça le problème. L'Europe est mieux, je ne dis pas non. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique est comme ça, là? L'Afrique est comme ça parce que l'Europe est mieux. Je vous ai toujours dit qu'il y a, c'est une balance. C'est une balance. Si l'Afrique monte, l'Europe va descendre. Si l'Europe monte, l'Afrique descend. C'est pour ça que les Européens travaillent nuit et jour pour pas que l'Afrique arrive au même niveau que eux. Donc, ils ne peuvent pas faire bac plus 10 pour comprendre ça. Mais tu t'étends super bien parce qu'on peut piller en Afrique. Tu t'étends super bien en Europe parce qu'on peut piller en Afrique. Dak, dak, café. On peut en piller en Afrique pour venir pour que les gens se sentent bien en Europe. C'est tout. Il n'y a pas à discuter, à réfléchir de midi à 14h pour comprendre ça. L'Europe est comme ça, c'est un jeu de balance. Ça monte ici, là, les autres descendent là-bas. Ça descend ici, les autres montent là-bas. Aujourd'hui, en France, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, en France, c'est un peu pareil que ce soit en France, que ce soit en Europe. Les acquis sociaux sont en train d'être diminués. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que l'Afrique aussi a pris conscience. Il faut visser. Il faut visser. Je n'ai jamais dit que l'Afrique. Non, j'ai tout simplement dit que battons-nous pour que notre pays soit aussi. Pour que les gens n'ont plus envie de rentrer. On a tout. Les réseaux sociaux, la technologie. On a tout. Café, je vais te dire, un enfant évolue en fonction de son espace, de son univers culturel. Hein. Il faut lire le livre de... Oh, comment il s'appelle celui-là? L'égalité des races. C'est qui c'est? Antenor Fumin. Oui, je pense Antenor Fumin. Va lire l'égalité des races, tu vas comprendre. Un enfant en Europe fonctionne comme il fonctionne là parce que c'est en fonction de son univers culturel, c'est en fonction de son espace qu'on lui a donné. Donc ça fait que tu as plus ou moins une façon de réfléchir. Un enfant aussi en Afrique réfléchit comme il réfléchit là pas en fonction de ça. Si tu sors donc cet enfant là, c'est la même chose qu'un enfant qui est en Afrique qui a 10 ans. Quand tu l'amènes en Europe, quand il retourne en Afrique 30 ans plus tard, on se rend compte qu'il a changé parce qu'il évolue en fonction de cet univers-là. Donc, ce n'est pas une question de cerveau. On a plus ou moins le même cerveau. Maintenant, ce qui nous caractérise, c'est le milieu. C'est le milieu dans lequel on grandit. Un enfant qui a un coup, un enfant qui a grandi avec les gays. Un enfant qui grandit d'un couple de gays. L'enfant a 99% de chances d'être gay. Il a 99% d'être gay. Donc, c'est comme ça. Donc voilà, moi je suis tout simplement en train de dire qu'aujourd'hui il y a un jeu, il y a une libération qui est en train de se faire. Le continent est en train de prendre, en train de se démarquer. Le continent est en train de prendre
Et ceux qui vont rester là, qui ne vont pas comprendre, ces gens-là vont... Il ne restera plus que les yeux pour pleurer. Il ne restera plus que les yeux pour pleurer. On a le devoir aujourd'hui de bagarrer, de batailler. C'est ça le défi. C'est ça le défi du 21e siècle des Africains, c'est de bagarrer. Mais si on restait là en espérant que oh, c'est tel... Non, ce n'est pas Paul Biassel. Hein. Ce n'est pas Paul Biassel. Ce n'est pas Paul Biassel. Donc, on a le droit d'accompagner nos chefs d'État dans la situation dans laquelle ils se trouvent là. On a le droit. Il faut aussi se dire que, ok, je demande à mon peuple, je demande à mon pays, qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour mon pays? Il faut qu'on se pose des questions là. Parce que l'État du Cameroun vous donne des facilités de pouvoir aller à l'école. Aux États-Unis, les gens prennent les crédits pour aller à l'école parce que c'est tellement cher. C'est tellement cher. En Europe, les gens s'endettent pour aller à l'école. Mais on ne parle pas de ça. Mais il suffit de faire, c'est un peu chez nous, c'est fini. C'est le monde entier qui sera au courant. L'État en Europe, mais en Afrique, il y a les moyens, il y a les possibilités. Vous partez, si tu veux vraiment, vous partez. Mais comme on nous a appris avec les églises dites révélées que quelqu'un viendra nous sauver avec un bâton magique, les gens ont pris, ont interrogé cette idéologie-là, que quelqu'un va venir avec un bâton magique, ça sera le paradis. Les gens sont restés sans rien faire. Les gens sont restés sans rien faire. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun. Il y a tout pour que quelqu'un ne dort pas de faim. Il y a tout pour que quelqu'un mène sa petite entreprise. Il dit bien, il y a tout. Mais on fait tout pour foirer. Parce qu'on a cultivé ça en nous, cette paresse-là. Cette affaire que oh, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. On va encore nous remettre en esclavage, ça sera toujours Dieu. On va encore nous coloniser, ça sera toujours Dieu. Parce que quoi? Cette idéologie qu'on nous a emportée là nous infantilise. Ça nous infantilise et on est toujours en train de vouloir chercher un bouc émissaire. Chercher toujours un coupable. On ne se remet jamais en question. On n'a jamais tort. C'est toujours l'autre. Mais vous croyez qu'on va développer un pays avec le fait qu'il faut chercher un bouc émissaire? Ou c'est toujours l'autre? Ou on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pourquoi? Non! Jamais! Jamais! Cette facilité-là. Toi-même, tu es en Europe. Tu vois comment on travaille ici comme les esclaves. Comme les esclaves où l'idéologie européenne est basée sur le travail. Eux-mêmes, même les églises qui nous ont emportés là. Les philosophes de l'Union ont fait partie de ça depuis. Les philosophes de l'Union ont fait partie de ça depuis. Ils ont dit c'est de la foutaise. Ils travaillent comme des malades. C'est des acharnés, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Un enfant à 18 ans, il va à l'université. Il sait déjà plus ou moins ce qu'il doit faire. Mais chez nous, un enfant à 25 ans, il est tenté de vivre avec ses parents. On paye l'école, il ne part pas. On paye l'école, il ne part pas. Quand il paye, il s'assoit au bas, il est capable de te mettre 4, 5, 6 casiers de Guinness par terre. Et après, cet enfant-là ne réussit pas. C'est Paul Biya toujours. C'est Paul Biya. Et maintenant, il y a certains politiciens qui vont venir faire ce qu'on appelle le populisme, qui vont les fabriquer un diable. Oui, c'est le pays, c'est qui tue les jeunes. Et lui-même, dans sa fainéantise, dans sa bêtise, va se consoler dans ça. Moi, je ne partage pas cet avis-là. Je ne partage pas ça. Je suis pour que les gens se donnent vraiment les moyens, que les gens travaillent. Et je vois ce que l'État du Cameroun est en train d'emporter quand même au peuple. Je vois les avancées. Hein? Tous ces docteurs qui sont aujourd'hui là, ce n'est pas avec l'argent de l'État, ce n'est pas cet État-là qui les a permis d'être là-bas. Les bourses qu'on a payées à gauche, à droite, ils sont arrivés ici. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Cameroun? Tous ces sorciers qui viennent aujourd'hui nous critiquer dans la diaspora, ce n'est pas les enfants qui ont bénéficié de la bourse de l'État. Le projet, c'était quoi? C'était de venir apprendre à l'extérieur et retourner chez nous, non? Maintenant, ils retournent. Ils sont semés ici, ils font circuler le système européen. Ils passent dans les médias comme ils savaient parler un peu le français ou c'est un peu l'allemand ou c'est un peu anglais. Ils nous remballent le tympan avec les mêmes choses. Quand ils quittaient du Cameroun qui bénéficiaient de la bourse de l'État, c'était pour venir rester ici. C'était pour venir apprendre et retourner chez eux. Mais les gens ne sont pas capables de faire ça. Ils ne se remettent jamais en question. Tout pour eux, c'est non. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Paul Biya n'est pas mortel. Il n'est pas immortel, pardon. Il va partir et on verra bien celui qui viendra là-bas s'il pourra faire le tien. Si on n'a pas la chance, celui qui viendra là-bas va détruire encore tous les acquis que le Père a mis par terre. Celui qui viendra là-bas va tout détruire ça. Parce que si aujourd'hui, on n'est pas capable de réfléchir de nous-mêmes, quand l'Europe dit que oh, on suit l'Europe. L'Europe dit si, on suit ça. L'Europe dit ça, on suit ça. Toujours en train de faire les choses comme les moutons. On ne peut pas se dire non, au bout d'un moment, non. Tous les pays du monde sont passés comme nous. Hein? Le Vietnam, la Chine, le Japon, tout ça, mais ils se sont relevés.
Mais nous, c'est nous les propres Africains qui sommes en train d'empoisonner le réveil africain là. C'est nous qui sommes les propres responsables en train de tout faire ça. Oh, c'est Paul Biya qui doit faire ici. L'enfant se lève le matin à 9h, il est au secteur Matango. Il est au secteur Matango, il attend celui qui va venir poser le Matango. Il attend celui qui va venir poser le Matango. À 18h, il faut qu'il commence à s'humilier pour voir où il va manger. À 20h, il va se mettre au bas, dire que Paul Biya, le pays, si tu les jeunes, le pays, parce que vous ne poussez pas la réflexion jusqu'à son terme. Jusqu'à son terme. Petit dans le cerveau, comme ça, toujours petit dans le cerveau. Vous arrivez en Europe, vous n'avez pas les papiers. Vous vous battez comme les diables ici pour être en règle. Vous vous battez comme les diables. Vous n'accusez pas l'État. Vous ne voyez même jamais le maire, ni je sais pas moi, le président de la République. Vous vous battez. On vous demande tous les papiers. Le divorce de ton arrière-arrière-grand-mère qui était morte dans les années, tu fournis ça. On te demande le premier cas d'entrée de ton père, tu donnes. On te demande le nom de ta mère avant qu'elle ne soit en mariage, tu donnes. Tu fermes ta bouche. Mais il suffit de partir au Cameroun, on te demande juste un petit papier, tu te mets sur les réseaux sociaux, le pays, si là tu les jeunes, le pays s'y fait si. Alors que c'est la même chose qu'on te fait à l'extérieur, multiple, 10 fois plus. Mais tu ne vois pas ça. Non, c'est le Cameroun. Restez, construisez à mal parler de votre pays, détruisez votre pays à l'extérieur, mais c'est les mêmes gens de l'extérieur qui vont se moquer de vous et qui vont vous traiter toujours de coloniser des négros des maisons. Mais moi, je suis pas un négro des maisons. C'est que les difficultés qu'il y a au Cameroun, c'est la même difficulté qu'on trouve, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit n'importe où. Je ne dis pas que le Cameroun, c'est un paradis, mais le Cameroun aussi, c'est pas un enfer. Hein? Les gens peignent le Cameroun comme si c'était l'enfer, mais c'est les premiers qui sont tous les vacances au Cameroun. Ils sont tous les vacances au Cameroun, mais c'est l'enfer. On ne sait pas exactement. Quand vous n'allez pas vous affranchir mentalement, vous allez toujours faire du surplace. Dak Dak Café. Bolloré aussi, comme c'est l'enfer chez nous, pourquoi il vient? Tous ces multinationales qui sont chez nous là, pourquoi eux aussi viennent chez nous? Si c'était aussi bien chez eux, pourquoi ils ne restaient pas chez eux? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit de bouger, mais les autres ont le droit de bouger? Le Cameroun, c'est l'enfer, pourquoi ils viennent alors? Le Cameroun, c'est l'enfer, pourquoi ces gens-là viennent chez nous? Aujourd'hui, ils sont versés au Cameroun. Waouh! Pourquoi ils viennent au Cameroun si c'est l'enfer? Eux, ils ont le droit de voyager. Moi, je n'ai pas le droit de voyager. Eux, ils ont le droit de voyager. Moi, je n'ai pas le droit de voyager. Non. Si eux, ils voyagent, nous, on a le droit de voyager. Et je vais te dire un. Je vais te dire un même pourquoi nous, on a voyagé. Hein. Parce qu'on explique que si tous les jours, vous ne comprenez pas. Si tu pouvais savoir que l'immigration, là-même, c'est financé par les multinationales européennes. Tant que vous allez comprendre, oh, vraiment, tant que vous allez comprendre la supercherie de ce monde, vous ne vous ferez plus marcher dessus. Mais quand vous serez toujours là où vous n'avez pas encore compris comment le monde fonctionne, vous n'avez rien compris. C'est pour ça qu'on nous marche toujours dessus. On nous marche toujours dessus. Je vais te dire pourquoi est-ce qu'on voyage. La France, dans les années 80, 70-80, la France avait besoin de la main d'œuvre pour reconstruire la France, même après la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait grave besoin de la main d'œuvre pour reconstruire la France. C'est pour ça qu'on vous a sorti ce qu'on appelle la fête des mères, parce que les enfants étaient trop morts en guerre. Donc, on a tellement tué les enfants en France, ils sont partis à la guerre, ils sont tellement morts qu'on a dit que bon, la fête des mères, comme ça quand tu étais mère, tu avais ta fête, tu étais content. Ils ont commencé à accoucher. Ça, c'est d'abord pourquoi on a créé la fête des mères, parce qu'on voulait que les femmes accouchent. La guerre avait trop ravagé. De deux, on a voyagé parce qu'ils ont voulu qu'on voyage. Et je vais te dire pourquoi est-ce qu'on a voyagé. Ils avaient besoin de la main d'œuvre. Quand Peugeot, Renault, tous ces gens avaient besoin de la main d'œuvre, on est venu en Afrique, on a porté les gens en Afrique de l'Est. On a porté les gens en Afrique du Nord, les Algériens, les Marocains, on les a parqués dans les cités ici à Nanterre. Ils travaillaient, on les avait ghettoisés, ils travaillaient. C'est pour ça qu'on a fait les banlieues pour envoyer, parce que banlieue veut dire, ah, ou c'est en grec, ou c'est banni, ou c'est renégat. Donc, vous bannis, vous entassez là-bas. Donc, on est parti chercher les gens là-bas. Maintenant qu'ils sont rendus compte qu'en fait, les gens là qu'on a pris, quand ils travaillent, vu qu'ils ont leurs enfants au pays, donc, ils envoient même constamment l'argent à leurs enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'argent qui travaille reste en France?
ils ont organisé ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc, toi qui travailles en France, tu pars directement prendre ta femme, tu ramènes ça ici en France. Ça fait que l'argent ne descend plus en Afrique. Toute la famille est sur place. Donc, l'argent que tu travailles ici, là, ça reste directement ici, là. Donc, ils ont fait ça. Tac, 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 tac. C'est comme ça qu'ils nous ont mis dedans. Tout le monde, regroupement familial. Wow, on faisait la propagande de la France. Wow, venez, c'est bon, c'est ci, c'est ça. Les gens sortaient. Les gens sortaient. Les gens sortaient. Et puis, ça, c'était financé par qui? Par les patrons. Parce que le français, au bout d'un moment, quand la demande est plus que l'offre, c'est les salariés qui fixent les règles. Maintenant, quand l'offre est plus que la demande, c'est le patron qui fixe les règles. Donc, les patrons ont compris que, comme il n'y a pas trop de travailleurs et il y a trop de travail, il faut qu'on fasse venir les gens. En ce moment, on pourra les maintenir toujours dans l'esclavage. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette libéralisation-là, cette ouverture de frontières. Les gens, ils ont fait la publicité de l'immigration, comment c'était trop bien, comment c'était bénéfique, comment même le Canada demandait les immigrés, tu vois, la publicité dans les chaînes canadiennes, américaines, parce qu'on vient chez nous prendre les cerveaux. Ils avaient une certaine tranche de trucs qu'ils voulaient. Maintenant, on vient, les premiers immigrés qu'on a pris, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ils ne veulent plus faire les travaux pour lesquels ils étaient destinés. Et quand ils veulent les faire, ils demandent trop d'argent. Qu'est-ce qu'il faut donc pour les combattre? Il faut préparer les autres immigrés. Les premiers immigrés ont combattu les Français qui ne voulaient plus faire les travaux là. Maintenant, même les premiers immigrés aussi se sont rendus compte que non, le travail là, ça, les travaux là ne les arrangeaient plus. On a donc favorisé la deuxième vague d'immigrés pour lutter contre ceux, les premiers immigrés. Après aussi, quand la deuxième vague d'immigration commence à faire la tête, on refabrique la troisième vague. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous vous retrouvez directement nombreux dans le marché de l'emploi. Vous êtes nombreux à demander l'emploi et il y a peu d'emplois. En ce moment, c'est le patron qui est le roi, c'est lui qui fixe les règles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant le 15 du mois, tu ne vois plus, tu n'as plus rien dans ton congélateur. Tu n'as plus rien parce que les salaires sont peu. Travailler plus, mais gagner moins. Donc voilà pourquoi nous, on nous a pris, on nous a fait venir. On ne s'est même pas rendu compte qu'on jouait le jeu des multinationales. Maintenant même, en France encore, ils ont vu que non. Les pays comme la Roumanie, les pays de ce côté-là, on peut payer les gens là-bas beaucoup moins cher qu'en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délocalisé. Donc même vous qui êtes ici là, mais on ne vous gère même plus. On envoie ça maintenant en Roumanie parce que là-bas, le SMIC, c'est peut-être 400 euros, 300 euros. Donc tu vois comment ils sont toujours en train de chercher. Ils ont vu que même l'immigration même commence aussi à être un peu coûteux. Donc, c'est mieux qu'on ramène ça même chez eux là-bas. Donc, on préfère maintenant délocaliser, même on emporte dans les pays comme la Roumanie où le SMIC, c'est 400. En France, le SMIC, c'est dans les 1300. En Roumanie, c'est 400. Donc, tu vois qu'ils gagnent encore peut-être 900 euros. Donc, on commence à délocaliser. C'est où la vague de délocalisation a commencé. Et, comme je disais, c'est le marché qui fixe les règles. Et tout ça, c'est quoi? C'est le marché, c'est l'Union européenne. En sachant qu'ils vont faire l'Union là, ils vont pouvoir, tac, 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 repartir les gens comme ils veulent. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où il y a une certaine paupérisation, même au niveau de la France, où les gens sont obligés de s'élever parce que les riches veulent toujours être riches. Et en étant toujours riches, c'est comme ça qu'ils appauvrissent les plus pauvres. Donc voilà pourquoi nous, on est venus en France. Toi-même, tu es victime d'un système que tu ne comprends même pas. J'espère seulement que tu pourras comprendre ce système-là. Tous ceux qui comprennent ce système-là rentrent chez eux. Parce qu'en fait, nous-mêmes, c'est nous qui nourrissons le système-là qui nous pille chez nous. Parce que vu qu'on travaille ici, on cotise ici, là, c'est les mêmes cotisations-là qu'ils prennent pour aller nous piller chez nous. Donc, une fois qu'on va comprendre ça, c'est pour ça que je veux que le peuple atteigne un niveau de connaissance, un niveau de conscience. Dès qu'ils vont comprendre, on leur dira plus ce qu'il faut faire. Chacun saura ce qu'il faut faire. Donc, quand il fait un direct où je vous dis, oh, il faut lire ça, ça va vous aider, il faut lire ça. Ce n'est pas parce qu'il veut faire ci ou ça, non. C'est parce qu'en lisant ces livres-là, ça va vous débloquer, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Et votre réaction sera différent de celle que vous avez aujourd'hui. Il y a souvent les gens qui disent qu'on a le choix, on n'a pas eu le choix. Non, on ne vous a jamais donné le choix. On nous a jamais donné le choix. On nous a maintenus en esclavage depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui. On ne nous a jamais donné le choix. Parce que l'éducation nationale est faite pour qu'on ait une façon de penser. L'éducation coloniale qu'on a mis chez nous là, elle est construite de telle façon qu'on aura toujours une façon de penser à s'expatrier, à se retourner vers la métropole. C'est pour ça qu'en Afrique, quand tu veux parler à quelqu'un, il te dit tout que l'Europe est. C'est mieux en Europe. Il s'exporte toujours. C'est l'éducation qu'on lui a donnée dès le bas âge. Donc, tu n'as jamais été libre. On n'a jamais été libre. En fin de compte, on est des esclaves. On est juste là pour faire tourner le système. Et une fois que tu comprends le jeu et que tu veux t'exenter du système, on te traite de terroriste. On te traite de complotiste. On te traite de nazi. On te traite de fasciste.
parce que tu as compris le système et tu es en train de vouloir t'affranchir. C'est pour ça que les gens arrivent toujours ici, là, ils continuent à critiquer nos États. Ils continuent à critiquer nos gouvernements. C'est parce qu'eux-mêmes encore, ils sont toujours victimes de ce système-là. Ils sont archi victimes de ce. C'est triste à dire, dark, grand café. Mais c'est ça qui est la réalité. C'est comme ça, parce qu'on est toujours des esclaves. On ne sait pas encore affranchir. Quand on va s'affranchir, on va penser différemment. Et on ne pourra plus dire que c'est que l'Europe qui est ci ou l'Europe qui est ça. Les Chinois sont chez eux, ils font avec. Les Chinois sont chez eux, ils font avec. Mais nous, non. Nous, non. Donc le devoir, c'est de lire, c'est de se cultiver. C'est bien beau de muscler son corps, mais c'est aussi beau de muscler son cerveau. Parce que c'est la tête là qui porte tout le corps. Une fois que la tête là n'a rien, le reste c'est la bouille. Il faut être capable de répondre du tic au tac. Et pour répondre du tic au tac, ça demande juste un peu de culture. Ça ne demande pas, c'est juste un peu de culture. L'Europe nous domine parce qu'on est naïf. On n'est pas bête. On n'est pas bête. On est juste naïf. On est trop gentil. Quand notre naïveté là prendra fin, quand notre gentillesse sera délimitée, en ce moment on se fera respecter. Oui, et c'est ça même un homme. Un homme, c'est celui qui exige, qui demande le respect. Qui ne demande même pas, qui exige. Parce qu'une fois que tu as ta culture, une fois que tu connais qui tu es, tu connais où tu vas, je te garantis que le respect là vient. C'est parce que nous, on est toujours en train de vouloir que les gens nous aiment. Et pour ça, on est capable de vendre terre et mer, de trahir le pays, pour qu'on dise oui, si, oui, ça. C'est ça, on veut toujours, on attend toujours que le colon nous glorifie, que le colon nous grandit. On attend tout du colon. On se voit à travers le colon, à travers le miroir du colon. Mais par contre, le colon, il ne se voit pas à travers notre miroir. Il se voit à travers lui. C'est pour ça qu'on vient vous dire que l'Afrique sous-développée, on accepte. L'Afrique dictateur, on accepte. L'Afrique pays pauvre, on accepte. Parce qu'on est toujours en train de se voir à travers le miroir du colon. Tant qu'on pourra se voir à travers nos propres miroirs et décider de ce qu'on veut, on s'en bat les couilles du colon. Non, hey, Maline, on est au bout même. On est là. On va arriver. Ma soeur. On est sur le droit chemin. C'est vrai qu'il y a toujours quelques petits gens qui sont là pour nous freiner. C'est normal, le monde a été fait ainsi. On ne pense pas tous de la même façon. Mais on va arriver. Donc, on va arriver. Le Cameroun est en train de vouloir libérer l'Afrique. On estime seulement l'Afrique de l'Ouest. Ils ont dit qu'ils vont faire les échos là-bas. Laissons-les faire les échos. Changer le nom du CFA en écho. Laissons-les faire ça. Mais nous, en Afrique centrale, on va veiller à que ça n'arrive pas chez nous. Et vu que ça n'arrivera pas chez nous, on pourra donner aussi plus de l'énergie aux populations frères de l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils parviennent à dégager les présidents là qui ne comprennent pas le sens du vent. Parce qu'il faut qu'on se... Ça, quand on parle tous les jours, c'est ce qu'il dit aux gens toujours. Oui, c'est bien beau de dire prenons conscience. Mais montrons, donnons les armes à la population de pouvoir prendre conscience. Aucun peuple ne peut se développer sans culture. Aucun peuple ne peut prendre conscience sans culture. Jamais de la vie. C'est la culture, c'est la révolution culturelle qui emportera la révolution tout court, qui emportera la révolution économique, la révolution totale. Il faut qu'on passe d'abord par une révolution qui est culturelle. Il faut qu'on sache qui on est. Il faut qu'on redevienne de qui on était. Une fois qu'on redeviendra qui on était et qu'on ne se verra plus à travers le miroir du colon, je vous promets qu'on ne... Mais est-ce que vous voyez le Chinois, il gère les gens là? Est-ce que le Chinois gère? Vous l'appelez Xin Xiong, les choses chinois, il fait seulement. Aujourd'hui, la Chine, c'est la première puissance économique du monde. Est-ce que vous les voyez? Ils attendent quoi derrière la France ou derrière les États-Unis? Ils n'attendent rien. Le président chinois là-bas, ils ont un mandat à vie, 10 ans. Ils ont le communisme là-bas. Ils ont un mandat dans 10 ans. Il fait 10 ans. Il renouvelle encore. Non, on vient nous parler chez nous que...
Mais si tu vas aller vivre au Canada, mon frère, c'est, tu vas aller vivre au Canada, non? Moi, j'ai le projet d'aller de retourner chez moi en Afrique. Vous ne savez pas le rapport de la terre. C'est ça notre problème, c'est qu'on est, on est des fruits hors sol. On est des fruits. Vous ne savez pas ce que c'est que le rapport avec la terre de quelqu'un. Le propre blanc là vous dit qu'il ne rigole pas avec sa terre. Il ne blague. Eux-mêmes, quand ils partent, ils reviennent toujours. Le rapport avec la terre. C'est nous qui avons pris la terre comme si c'est. On fait tout et n'importe. La terre de quelqu'un, la terre au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Vous ne connaissez pas le rapport avec la terre. C'est pour ça que vous arrivez ici, vous partez Canada, partez même à Max. Ah, d'accord. Oui, les gens partent à Max. Partez même à Saturne. Si on savait le rapport avec la terre de quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un dire que je meurs enterré, vous ne connaissez pas le rapport. Tant qu'on intègre toutes ces choses-là sur nous, c'est pour ça qu'il dit qu'on a le droit de rentrer en Afrique, d'aller apprendre à côté des bonbons, des anciens. On a le droit d'apprendre. Les philosophies africaines sont encore là. Elles sont endormies. Elles attendent juste qu'on les questionne. Le rapport avec la terre de quelqu'un. Vous n'avez pas une idée. Le monde ici, là, le monde est visible, il est visible. Mais il y a un autre monde qui est invisible. Tant que vous allez prendre le rapport avec ce monde invisible, vous allez comprendre ce que c'est que le monde même. Vous allez comprendre. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne nous a pas expliquées, qu'on ne nous a pas dit. Qu'on nous a pas. Le monde va se briser la gueule si les Africains ne prennent pas conscience. Si les Africains ne reviennent pas humaniser tout le reste de la population, le monde va se briser parce que les autres sont partis trop loin. Les autres sont partis trop loin. Retransmettons. C'est ton point de vue, mon frère. Tu es libre de voir le Cameroun en diable, en Satan, en tout ce que tu veux. Ça, c'est ton point de vue. Moi, je ne vois pas comme ça. Et avec la force des ancêtres. Je ne parle pas, je n'ai pas envie de parler de ma vie. Mais le moment viendra, vous verrez. Le moment viendra, il y a beaucoup d'Africains qui ont pris conscience. Il y a même les Afros, les esclaves, les enfants d'esclaves qui sont partis avec, qui sont en train de prendre conscience que merde, il faut qu'on retourne chez nous. Il n'y a que nous, Africains, là, qui ne comprenons pas. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas. Mais l'horloge est en train de tourner. Il y a des gens qui sont faits pour suivre. Il y a des gens qui sont faits pour diriger. Ça, c'est comme ça que ça. Il y a les gens qui sont faits pour suivre. La France, pour s'expanser comme elle a fait là, pour aller coloniser, elle n'a pas eu besoin de tout l'accord de tous les Français. Non, il y a eu les De Gaulle et les Foucault qui ont décidé et tous les Français ont suivi. Donc, ça sera exactement la même chose chez nous. Les gens vont venir qui ont le droit, qui ont le devoir, qui ont ces capacités-là d'être des leaders. Et les suiveurs vont suivre. C'est comme ça là. Ah, Dak Café, moi, la façon que tu parles du Cameroun, la façon là, je vois que tu n'aimes pas le Cameroun. Donc ne me dis pas que tu crois. Non, tu n'aimes pas le Cameroun. Parce que je vous ai toujours dit, il faut qu'on compare le Cameroun avec les 14 colonies africaines. C'est comme ça qu'on peut faire une comparaison qui est loyale. On ne peut pas comparer le Cameroun et la France. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire. On ne peut pas comparer le Cameroun avec l'Espagne, ni avec l'Italie, ni avec le Portugal. On ne peut pas. Celui qui fait cette comparaison-là, ou c'est malhonnête, ou c'est un con. Ou c'est malhonnête, ou c'est un con. Celui qui fait le genre de comparaison-là. Compare le Cameroun avec les autres pays des 14 colonies africaines. Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, Tchad et consorts. Voilà, parce qu'on a plus ou moins la même histoire. Là, on va voir celui qui émerge le plus. Celui qui fait plus de progrès. C'est comme ça qu'on va voir. Mais quand tu veux comparer le Cameroun avec l'incomparable, les gens ont passé le temps à voler à gauche, à droite. Tu me dis que le Cameroun va se comparer avec comment? Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc aujourd'hui, et pourquoi on va un peu entrer dans la politique extérieure maintenant? Parce qu'on ne peut pas parler du Cameroun sans. On va entrer dans la politique extérieure et pourquoi on a le devoir aujourd'hui de briser nos chaînes parce qu'on a l'aide de beaucoup de présidents. On a l'aide de beaucoup de présidents. On a l'aide de la Russie, on a l'aide de l'Amérique, de Donald Trump. Je vais vous dire pourquoi. Mes frères, j'explique ça tous les jours. Bon, comme on dit, la répétition, c'est la mère de la science. Je vais continuer à répéter. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Donald Trump est arrivé aux États-Unis avec une politique de l'Amérique d'abord. Il n'est pas arrivé avec une politique de. L'OTAN ou je sais pas quoi. Non, il est arrivé avec une politique de l'Amérique d'abord. Il a dit l'Amérique d'abord. Donc, ce n'est pas un va-t-en-guerre. La preuve,
la guerre de la Syrie a cessé. Il a refusé de déchanger le président Bachar al-Assad parce que les gens croyaient qu'il va arriver, il va continuer la guerre qui lui était imposée par un certain nombre de pays extérieurs. Le mec a dit, niet, il n'est pas là. Il pensait d'abord à son pays. Il s'est lié avec la Russie. Il s'est lié avec la Russie. Pourquoi faire? Pour combattre l'État profond américain. Parce qu'en fait, les États-Unis, il y avait le président et il y avait un autre État profond qui dictait ses règles derrière que les gens n'avaient pas encore compris. Donc Donald Trump, lui, est arrivé. Il a mis tous ces affaires-là, les gens-là, au carrefour. C'est pour ça que vous avez vu Einstein a été démantelé comme ça là. Les lobbies pédophiles, criminels, le consort, tout ça en train de sortir aux États-Unis parce que le président américain ne coopère plus, n'accepte pas, n'a pas accepté ces conneries-là. Il est là pour l'Amérique, c'est un nationaliste. C'est un nationaliste. L'Amérique était complètement coupée avec la Russie. Il est arrivé, il a essayé de travailler avec les Russes. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas un va-t-en-guerre. Il y a un homme vraiment qui veut la paix. C'est pour ça que vous voyez dans le monde aujourd'hui, les conflits ont essayé un peu de se calmer. Les conflits, et tout ça, c'est sur le règne de qui? C'est sur le règne de Donald Trump. Ce n'est pas sur le règne d'Obama ou ce n'est pas sur le règne de... Non, c'est sur le règne de Trump parce qu'il a complètement refusé la guerre. Il a complètement refusé, il s'est dit non, c'est fini. L'Amérique d'abord, parce que les infrastructures en Amérique étaient détruites. Les infrastructures en Amérique étaient détruites. Il y avait tellement de problèmes, un manque de plein de choses aux États-Unis. Donc le monsieur est arrivé, il a refait même l'accord de l'Iran. L'accord qu'on disait qu'Obama avait fait un accord, mais tout ça c'était des foutaises. Tout ça c'était des foutaises. Il y a des scandales aux États-Unis tous les jours que les médias ne nous sortent pas en France. Que les médias ne nous sortent pas en France. Il y a plein de scandales. Il y a les choses qui sont démantelées que les médias mainstream, comme on les appelle là, les médias mensonges, ne nous sortent pas parce qu'ils ont honte. Les médias, les scandales d'Hillary Clinton, les scandales de son mari, même Clinton, de pédophilie, de tous ces machins-là. Il y a plein de choses, mais on ne les sort pas parce qu'il faut toujours qu'on sabote Trump. On sabote le travail que Trump est en train de faire. On sabote complètement le travail que le monsieur est en train de faire. Et il y a aussi maintenant la Russie qui est arrivé et qui a dit non, c'est fini avec tout ce que l'Europe nous a montré. Qui est arrivé et qui nous dit c'est fini avec tout ce que l'Europe nous a montré. Les scandales, la domination de l'Afrique, l'esclavage dans lequel on a mis les Africains. La Russie est là. Et aujourd'hui, ça nous donne le droit, l'autorisation de profiter de cette vague-là et de s'envoler, de profiter de ces vagues-là et de... Voilà, de mener les politiques qu'on a le droit de mener. Parce que quoi qu'on dise, Trump ne peut plus faire la guerre. Là, en ce moment-là, il ne peut pas avoir une guerre au Cameroun financée par ces gens-là. Parce que les élections aux États-Unis vont arriver d'ici l'année prochaine. On a les élections aux États-Unis. Hein? Et en plus de ça, il y a les généraux qui ont perdu les enfants dans les guerres en Afghanistan. Et que ces généraux-là, aujourd'hui, se posent la question de savoir, mais est-ce qu'on avait vraiment le devoir de partir en guerre? Ils se sont rendus compte, même ces généraux-là se sont rendus compte qu'en fait, ils se sont fait berner. Ils se sont fait berner par le marché, par la banque. Donc, Trump s'est entouré de tous ces généraux-là. Et ce sont eux qui sont en train de remontrer, de repenser une nouvelle façon de faire la politique. C'est pour ça que vous voyez Trump est insulté tous les jours dans les médias. Tous les jours. Et lui-même, il insulte les médias, les journalistes. Il les montre à quel point eux, c'est tous des comédiens. Trump est en train de... Trump les montre et Trump a monté ça aux yeux du monde. Trump a monté ça aux yeux du monde. Au lieu de passer votre temps à faire les guerres, à approuver les guerres, déclarer, montrer les problèmes de l'Américain lambda, les difficultés qu'il a. Et c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, l'économie est en train de se robuster aux États-Unis. Le chômage est en train de faire, mais en train de reculer. Même les Afro-Américains, les gens sont en train de gagner les emplois. Si on met les élections aujourd'hui, Trump gagne. Ce n'est pas moi qui dis, c'est tous les mêmes journaux-là qui disent. Parce que Trump fait une politique différente. Ce n'est pas la politique que les Obama sont venus. Mais c'est un monsieur qui a renvoyé l'Afrique à l'âge de la pierre. C'est un monsieur qui a renvoyé l'Afrique à l'âge de la pierre. Et les Africains sont là et disent que oui, c'était ci, c'était ça. Trump est venu avec une autre politique. Et du coup, il faut qu'on profite. Il faut que nous, Africains, profitions de ça. Il faut qu'on profite de ça pour mettre un certain nombre de choses à terre. C'est pour ça que Paul Biya a compris le jeu. Paul Biya a compris le jeu. Les trucs sont en train de... Mais
Il y a des choses qui se passent au Cameroun, c'est parce que certains médias ne veulent pas en parler. Les médias ne veulent pas en parler parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. Ils croyaient que ce sont eux qui allaient prendre le pouvoir, mais en fait, le pouvoir les a échappés. Ils ont honte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Il faut saboter le travail des chefs de l'État. Il faut saboter. Il faut saboter nuit et jour. Ce qui est bon ou ce n'est pas bon. Il faut désinformer. Il faut saboter. Il faut désinformer. C'est de ça dont il est question aujourd'hui en Afrique. C'est de ça dont il est question. Un travail phénoménal que le chef d'État est en train de faire. Qu'est-ce qu'ils font ces médias? Ils le sabotent. Ils le sabotent. Et je vous dis, il n'y aura pas la guerre. En plus de ça, la mort de Kadhafi est partie avec les guerres en Afrique, avec l'impérialisme. Parce qu'aujourd'hui, même l'OTAN est mis en difficulté. L'OTAN même est mis en difficulté. La mort de Kadhafi a montré la supercherie de l'Europe. Les gens comme les Poutine ont dit, ça ne va plus se faire. On ne laissera plus. Les gens comme les Trump, on manipule. Mais vous savez, la politique extérieure américaine n'est pas dirigée par les propres Américains. Hein. Il y a ce qu'on appelle le lobbyisme là-bas aux États-Unis. Il y a des gens qui sont en Amérique, mais qui ne travaillent pas au compte de l'Amérique, qui travaillent au compte des pays extérieurs que je ne peux pas citer ici. Donc, tous ces gens-là avaient envoyé l'Amérique en guerre, envoyé l'Amérique au Moyen-Orient pour détruire le Moyen-Orient, pour qu'un pays, qui est posé quelque part dans cette partie du monde-là, agrandisse ses frontières, pour que ce pays-là parvienne à émerger, tandis que ses voisins sont toujours en guerre. Ce sont tous conflits. Le Congrès américain n'est pas dominé par les Américains. Celui qui passe sur les réseaux sociaux, il essaie de s'informer, il va voir. Le Congrès américain n'est pas. Et la politique américaine est basée au Congrès. Le Congrès n'est pas dominé par les Américains. Il y a un lobby qui tient ce Congrès-là. Donc, du coup, c'est les gens-là qui envoient l'Amérique en guerre. Récemment, vous avez vu, ils ont tout fait pour pousser l'Amérique en guerre avec l'Iran. Au point où ils sont allés bombarder un drone américain, pour faire croire aux gens que. C'est l'Iran qui a bombardé. Ils sont allés faire des trucs. C'est ce qu'on appelle les attaques sous faux drapeau. Les attentats sous faux drapeau. Tout ça, c'est toute la manipulation pour envoyer Trump en guerre avec l'Iran. Mais Trump, malin qu'il est, il ne subit pas. Il ne tombe pas dans le piège. Il ne tombe pas dans le piège parce qu'il y a les gens. Et c'est ça qu'on ne comprend pas chez nous. C'est ça qu'on ne comprend pas qu'il y a un État et il y a l'État profond. Il y a un État. Et il y a l'État profond. L'État profond, c'est quoi? C'est les gens qui tirent les ficelles derrière. C'est les gens qui influencent le président derrière. C'est ça l'État profond. Donc, aujourd'hui, cet État profond, on avait les gens comme les Albert Einstein. Albert Einstein, c'était un monsieur qui avait un réseau de pédophilie et un réseau, il peut dire même un réseau criminel. Donc, lui, passait le temps à faire chanter les hommes politiques avec la corruption, avec des trucs, mais des trucs sataniques. Donc, c'est les gens qu'on filmait en plein pratique sexuelle avec des mineurs, avec des enfants, 10, 15 ans, les crimes des bébés, tout ça. Donc, une fois qu'on a une vidéo de toi comme ça, là, on te fait chanter avec ça. Et c'était les services secrets des autres pays. C'était les services secrets qui passaient le temps à faire ça. Et c'est même lui, ou c'est l'URSS, a employé cette technique-là. On faisait chanter les gens avec ça. Tu es filmé quand tu es en plein. Donc, tous ces machins-là, tous ces trucs-là, ça fait ça qu'on a tenu un certain nombre de dirigeants européens et ils se sont retrouvés dans une situation où ils étaient obligés de faire passer les lois qui n'arrangeaient pas leur pays, qui ne satisfaisaient que le marché, une poignée de personnes. Donc, aujourd'hui, un homme est arrivé, Trump, parce que Trump n'est redevable à personne. Sa campagne, c'est lui-même qui l'a financé. C'est un millionnaire, il a son argent. Sa campagne, c'est lui-même qui l'a financé. Donc, il n'a des comptes à rendre à personne. Et il fait des lois qui arrangent l'Amérique. Il est là pour travailler pour son pays. C'est la même chose que la Russie aussi a fait après la chute de l'URSS dans les années 70. Un espion du KGB est sorti, qui est Poutine. Il a décidé que non, son pays a trop subi l'humiliation. Donc, le moment est arrivé de se relever. Le moment est arrivé de se relever. Et voilà, ces deux hommes-là, aujourd'hui, sont unis. C'est pour ça que l'État profond panique. Vous voyez, tous les jours en Europe, on insulte Poutine que c'est un dictateur. On insulte Trump que c'est un fou. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi on vous insulte. Rappelez-vous toujours de ce que Sékou Touré disait. Si l'Europe te traite de dictateur, c'est que tu es bien pour ton peuple. Mais si l'Europe te traite d'homme moderne, c'est que tu es un diable pour ton peuple.
C'est pour ça que Obama, on disait qu'Obama, oh, Obama, il est moderne, oh, il est ci, oh, il est ça. Parce que Obama, c'était un pion du système. C'était un pion du système. Le problème que l'Afrique connaît aujourd'hui, c'est Obama. Obama. Parce que contrairement à ce que vous croyez, c'est Obama qui a sous-traité la guerre de la Libye à Sarkozy. Avec Hillary Clinton. Les gens qui sont pétris dans des problèmes de pédophilie. C'est Obama qui a sous-traité. Et vous voyez les gens qui vont vous dire aujourd'hui, ouais, c'est des grands analystes politiques qui vous disent que Obama c'était ici. Non. Obama, c'est lui qui a mis l'Afrique aujourd'hui où elle est là. Aujourd'hui, parce qu'il savait très bien qu'en détruisant la Libye, c'était recoloniser l'Afrique. Et tous les fonds libyens ont disparu dans des banques. Tous les fonds libyens ont disparu dans les banques. C'est pour ça qu'il fallait raser tous ceux qui savaient ça. Tous les Libyens qui étaient au courant de ça, il fallait tuer. C'est pour ça qu'on a décidé même Kadhafi de l'éteindre. On ne voulait même plus qu'il soit en vie. Il fallait l'éteindre. Tout ça parce qu'il y avait l'argent derrière. Tous les fonds libyens, des centaines de milliards de dollars. Les fonds libyens, l'or libyen, non. On a tout balayé. À la place de la Libye, on est parti mettre un terroriste. Un ancien de Guantanamo. On a parlé là-bas aujourd'hui, c'est devenu oui, la démocratie. Le Bernard-Henri Lévy est arrivé sur les écrans de télévision BHL. Il dit que c'est la démocratie. Voilà ce qu'on nous a donné. Donc, mais tout ça, c'est, vous savez, il faut toujours un. Ils ont fait ça pourquoi? Il faut toujours un argument pour aller quelque part. Pour attaquer l'Irak, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est Ben Laden, non, les attentats du 11 septembre. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui montrent A plus B que ça. C'est tout ce qu'on nous manque là, que ce n'était pas Ben Laden. Il y a les livres. Quand vous suivez le livre de. Vous lisez le livre de Guillermo. C'est pas Guillermo. Sous nos yeux. Putain, comment il s'appelle le mec là? Sous nos yeux. Mais il explique. C'est un Français qui s'est exilé en Syrie. C'est lui qui écrit le livre là. Sous nos yeux. Et il y a aussi l'autre Guillermo. Guillermo, 50 ans de manipulation. Mais quand vous lisez ce livre là, vous vous rendez compte que merde! C'est pas possible. Vous vous rendez compte que tout est faux. Tout ce que les gens là nous ont fait croire, c'était des fumisteries. C'était des fumisteries. Hein? C'est un criminel. C'est un criminel. Ce monsieur, c'est lui qui a rendu l'Afrique comme elle est là. C'est lui qui a rendu l'Afrique comme elle est là. Hein? C'est lui qui a rendu l'Afrique. La perte de Kadhafi a été un. Ha. Elle était une catastrophe. La perte de Kadhafi a été une catastrophe pour l'Afrique. C'est une catastrophe. Et c'est maintenant comme ça qu'on veut aussi assassiner le dernier colon qui est Biya. Parce qu'on sait qu'une fois que Biya va tomber, ça va être fini. Vous savez, le Cameroun est en Afrique centrale comme la Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que toutes les lois qu'on veut faire passer, il faudra que ça passe par la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le géant de cette partie-là. Donc une fois que la Côte d'Ivoire a accepté, le Sénégal va coopérer parce que le Sénégal n'a pas de débouchés sur la mer. Et le Mali n'a pas de débouchés sur la mer. Le Mali. Il y a plein de pays là-bas qui n'ont pas de débouchés sur la mer. La Côte d'Ivoire, c'est le seul géant économiquement là-bas. Donc, il faut qu'on passe par la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire accepte, tout le reste va accepter. Parce que si tu n'acceptes pas ce que la Côte d'Ivoire dit, la Côte d'Ivoire va te bloquer sur un certain nombre de choses. Donc, du coup, tous ces pays-là sont obligés de se mettre au pas. C'est la même chose qu'au Cameroun. Les pays comme le Centrafrique, les pays comme le Tchad, même le Gabon, la Guinée, tous ces pays-là attendent tout du Cameroun. C'est pour ça qu'il faut détruire le Cameroun pour toucher ces pays. On a détruit le Centrafrique, ça n'a pas épinglé le Cameroun. On a attaqué le Tchad, ça n'a pas épinglé le Cameroun. Ils ont compris que le géant de cette région-là, c'est le Cameroun. On détruit le Cameroun, même le Nigeria tombe. Parce que le Cameroun, c'est un des grands partenaires économiques avec le Nigeria. Avec le Nigeria. Donc, on détruit ça, c'est fini, le Congo est consort. Donc, c'est la même position que la Côte d'Ivoire a en Afrique de l'Ouest, c'est la même position que le Cameroun a en Afrique centrale. Donc, les deux géants, là, vu que les Européens ont compris qu'on ne peut plus coopérer avec Paul Biya sur les faux machins qu'ils nous ont racontés, ils laissent ça pour entrer en Côte d'Ivoire, en sachant que, bon, si on entre en Côte d'Ivoire, on essaie de creuser. Peut-être les problèmes qui pourront quitter de la Côte d'Ivoire pourront déboucher sur le Cameroun, en passant peut-être par le Mali, Nigeria et puis Cameroun. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de travailler la Côte d'Ivoire. Macron ne vient pas au Cameroun, pourquoi? Parce qu'il sait très bien que tous ses frères qui sont arrivés là-bas ont perdu. Tous ses frères qui sont arrivés là-bas ont perdu. Fillon est arrivé au Cameroun, Sarkozy est arrivé au Cameroun, ils ont signé les choses qu'ils ne devaient pas signer.
Sarkozy est arrivé au Cameroun pour signer le partenariat de guerre, le partenariat militaire avec le Cameroun. On lui a posé là-bas, il a signé que la France n'a plus le droit de poser ne serait-ce que 20 soldats au Cameroun. Il a signé les nouveaux accords qui stipulaient que la France a le droit seulement d'envoyer 15 militaires français au Cameroun pour une formation. Et que quand ces militaires arrivent au Cameroun, ils sont obligés de porter les tenues camerounaises. Sarkozy a signé, c'est ce qu'il a signé. Il est rentré en France à l'Assemblée nationale, mais on voulait le tuer. On voulait le tuer. C'est pour ça que Paul Bianoukou peut partir dans vos machines de signer. Il n'est pas, il connaît que chaque chien est fort chez lui. Une fois que je suis chez vous, hein, vous pouvez m'intimider, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais une fois chez moi, vous n'êtes même pas capable. C'est pour ça qu'il est arrivé au Cameroun, en France, avec, à l'époque de Hollande. Un journaliste lui a demandé que oui, ça fait 37 ans que vous êtes au pouvoir, nani, nani. Il a dit oui, qui reste au pouvoir qui veut. Qui ne reste, on ne reste pas au pouvoir qui peut. Mais au Cameroun, ce même journaliste ne pouvait pas poser la question là. Au Cameroun, il ne pouvait pas poser cette question là. Il a posé ça parce qu'il était où? En France. Et à l'extérieur, il est vulnérable. C'est pour ça qu'on vous dit le rapport avec la terre. Le rapport avec la terre. Quand vous allez comprendre le rapport avec la terre, vous n'allez pas blaguer avec votre pays, même si c'est l'enfer. Vous ne blaguerez pas avec. Donc, c'est ça. Les Alassane Kouan, les invite en France, ils courent, disent, allez, signez, signe. Chez toi, même si c'est les bandits qui arrivent chez toi, quand ils te voient d'abord, ils paniquent. Même si c'est l'enfant qu'on voit d'abord à la maison, on panique d'abord parce qu'il est chez lui, le rapport avec sa terre. Donc, pour lui dire, allez-vous exhiber là-bas. C'est chez moi que vous êtes. Oh, Sarkozy est venu, il a signé les cancans. Hollande est venu signer. Fillon est venu signer. C'est après qu'ils ont ouvert les yeux que merde, le type là nous a pris. C'est ça le rapport avec la terre. Le rapport avec la terre. Les gens négligent trop ce rapport-là. Donc Paul Biya atteint chez lui. Il ne court plus. Et eux-mêmes aussi. Macron va venir faire quoi au Cameroun? Il va dire quoi, Paul Biya? Il est venu sur terrain conquis. Aujourd'hui, il a invité 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Où c'est le G, quoi, Sahel. Personne n'a mis les pieds. Lui-même, il a compris qu'effectivement, la France est en train de perdre. Maintenant, il fallait qu'il fasse un grand retour en pompe en Côte d'Ivoire. Montrer que lui, il a toujours la main mise sur l'Afrique. Non, il manque. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le fuma-fuma, le tchapa-tchapa. C'est parce que lui-même, il est en train de sentir que. Il a perdu. Il a perdu. C'est la même chose quand tu te sépares avec ta femme ou ta copine ou ton copain. Le dernier, là, reste toujours pour montrer que non, je suis toujours là, j'ai toujours le contrôle. Il fait n'importe quoi, il te marque dessus, il fait n'importe quoi. Pour te montrer que, mais au fond de lui, connaît qu'il a perdu. Donc, c'est la même chose que la France est en train de faire. Elle sait que non, elle a l'os, c'est fini. Maintenant, le seul petit espace qui lui reste, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que s'il met ses pieds au Mali, mof, ça va être grave. Il sait qu'il s'il met ses pieds au Burkina, ou s'il met ses pieds au... Oui, au Burkina, ça va être grave. Donc, le seul pays où encore les dirigeants ont encore peut-être plus ou moins la même mise sur lui, c'est en Côte d'Ivoire. Où il peut aller là-bas, on balaye la route comme on a fait. Oui, là-bas encore, il peut dire, mais il sort de ce cadre-là, il va confirmer. Il sort de ce cadre-là, il va confirmer. Donc, c'est pour ça qu'il vient montrer aux yeux de l'Europe qu'il a toujours le contrôle, qu'il a toujours ci, qu'il a toujours ça. Ils ont dit qu'ils vont sortir, que les pays de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Humois vont décider où ils vont mettre l'argent. Mais en bas, ils disent que c'est la France qui va garantir que c'est la France qui va garantir cette monnaie-là. Mais si vous partez mettre votre argent, au Tchad, ou quoi que c'est la France qui va garantir l'argent là. C'est elle qui va garantir. Quand elle dit qu'elle va garantir, c'est parce qu'elle sait que l'argent là sera toujours gardé en France. Donc voilà un peu la politique que Macron est venu nous montrer là-bas. C'est qu'il voulait montrer à ses frères européens qu'il a toujours le contrôle de l'Afrique. Mais en fin de compte, il n'y a plus zéro contrôle. Il a perdu la main depuis longtemps, depuis fort longtemps. La main au Cameroun, il a perdu ça en 2007. Quand le billet est entré sur le sol. Quand les partenariats ont été diversifiés. Quand Paul Biya allait voir les Russes pour les formations, pour les achats d'armes. Quand il allait voir les Chinois. Quand il a formé le billet, il les a envoyés dans tous les quatre coins du monde. Que ce soit en Corée du Nord même. En France même, aux États-Unis, en Chine, en Russie, il a envoyé les enfants là-bas, formés là-bas. On a des spécialistes en tout. On a une armée au Cameroun là-bas. Mais quand tu parles des missiles Est, tout ça est posé au pays. Tout ça. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de se mettre en rang. Quand les investisseurs arrivent, ils savent très bien que ce pays-là aspire la confiance. Ce pays-là est un pays où on peut investir. Si tu regardes bien, la France n'est jamais partie faire la guerre elle seule. La France n'a jamais renversé un pays seule.
La France est obligée de l'OTAN, l'Union des pays européens, pour aller dans une guerre. Même comment dirais-je? Même en Libye, elle avait besoin de l'OTAN. Hein? Parce qu'elle sait que si elle part tout seul, elle se ramasse une fessée coloniale. Surtout une guerre que tu ne la fais pas dans ton territoire. Donc il ne faut pas croire, quand ils s'unissent pour faire l'OTAN, c'est pas parce que c'est parce qu'ils savent très bien. L'Amérique a perdu la guerre avec le Vietnam. Hein? L'Amérique avait toutes les armes du Vietnam, mon frère. L'Amérique avait toutes les armes du Vietnam. Avec toutes les armes, ils ont perdu la guerre au Vietnam. Il y a un truc que tu dois comprendre, mon frère. La guerre, là, ce n'est pas venu. Ils sont entrés en Irak. Sortis les a dépassés. Hein? L'Amérique est entrée en Irak avec tous ses avions, les B-52, c'est tout ce que tu veux là. La guerre, ils ne sont pas sortis en Irak. Hein? Donc, ne crois pas que la France ne peut plus se lever à aller attaquer un pays souverain. Elle ne peut plus. Elle est obligée de passer par les Micmacs comme elle a toujours fait. Et les Micmacs, là, c'est grillé. L'armée camerounaise est prête. On a renvoyé Boko Haram au fin fond du trou, dans ses retranchements. On a eu au moins 4 guerres au Cameroun. L'armée a fait face à toute cette guerre-là. J'ai dit au moins 4 guerres. Boko Haram, anti-Seleka, anti-Baraka, la guerre anglophone. L'armée camerounaise a répondu présent. Et cette armée camerounaise, ce n'est pas... C'est Paul Biya qui a mis ça sur place. Une armée qui est bien formée, reconnue par les grands pays, comme reconnue par les pays, parce que pour moi, nous sommes les grands pays, là même tous les pays sont les grands pays. Reconnue par les pays comme la Chine, même la propre Amérique, qui a dit effectivement, il y a une armée en Afrique, au Cameroun. On a financé Boko Haram, on attrape tous les jours les trafics d'ici, on attrape les bases, nos propres frères ont les bases là-bas. Donc, on ne croyait pas que la France faisait peur. Il a dit que c'était au 17e siècle. Aujourd'hui, là, c'est mort. Aujourd'hui, c'est mort. Donc, si toi, Dak Café, tu n'es pas capable de rentrer et galvaniser tes frères, il faut que tu comprennes que la guerre est psychologique. La guerre est d'abord psychologique. Tu peux avoir toutes les armes que tu veux, mais quand psychologiquement, tu as battu mon frère, tu as perdu la guerre. Et ça, c'était le rôle de la colonisation. Parce que vous êtes atteint psychologiquement. J'étais dit que la France aujourd'hui, si elle vient, elle vient non? Si elle veut, elle vient au Cameroun. Est-ce que c'est un machin qu'on peut parler que qu'elle vienne au Cameroun? C'est pas parce qu'aujourd'hui, ils vous gagnent toujours psychologiquement. Ils vous montrent les trucs. Ils se disent que dernière génération, tout ça, ça c'est de la manipulation. Ça c'est de la manipulation. Et vu que toi aujourd'hui, la France c'est le ciel. Je sais pas, donc tu te vois que non. La France, elle peut tout. Elle met ses pieds au Cameroun. Ils sont même au Cameroun. Elle met ses pieds n'importe où. Elle rentre. Elle met ses pieds n'importe où. Elle rentre. Vous croyez que la guerre, là, ça se gagne parce qu'on est trop fort ou pas? Non. Il y a d'abord une étude du terrain. Il connaît le terrain. Les conditions climatiques d'abord. Donc vous parlez seulement que la guerre, vous croyez que la guerre, là, c'est. Tu crois que Napoléon a perdu la guerre en Russie? Pourquoi? Hein? Napoléon a perdu la guerre en Russie. Pourquoi? Les Russes ont dit que laissons-les le temps, l'hiver arrive. À Stalingrad, les soldats français tombaient là-bas comme les petits poux. Tu crois que la guerre, c'est seulement les armes? La guerre, c'est la stratégie, mon frère. Napoléon avait une des armées les plus puissantes en Europe. Il a fait asseoir les Russes. Les Russes ont dit que laissons le temps, l'hiver arrive. Ça va tourner en notre faveur. L'hiver arrivé, Napoléon a vu quelque chose là-bas. Les Français vont arriver, ils sont allés laisser au Cameroun. L'hiver arrive chez nous, la saison, la chaleur arrive. Ils vont confirmer. Quand la pluie va aussi arriver avec les porte-porte, ils vont voir. Ils ne sont pas préparés pour ces trucs-là. Donc ne crois pas que la guerre, c'est les armes. Non, la guerre, c'est d'abord l'étude du terrain. Et la guerre, c'est la stratégie. Si tu crois que c'est comme chez toi, tu peux te cacher chez toi, on te cherche, on ne te voit pas. Tu peux te cacher chez toi, on te cherche, on ne te voit pas. Parce que tu connais bien chez toi. Est-ce que c'est un machin que... La guerre, ce n'est pas... La guerre... Quand le temps arrivait à détruire la Libye, le temps n'avait pas prévu 7 mois. Le temps n'avait pas prévu 7 mois. Ils sont entrés en Libye. Au bout de 2 mois, 3 mois, ils ont envoyé les Tomahawks. Mais les pays se décourageaient déjà. Les pays avaient refusé. On tue Kadhafi parce que c'est un arrangement. Hein? Je vais te dire d'abord quelque chose. On tue Kadhafi parce que c'est un arrangement. Hein? Kadhafi,
faire marcher avec ces gens-là, parce qu'il voit que son peuple est déjà en train de trop mourir. Kadhafi fait un marché avec les Européens où il va s'exiler, où c'était en Afrique du Sud. Où le président de l'Afrique du Sud, tout le monde était déjà d'accord. Donc on décide d'exfiltrer Kadhafi, en passant peut-être par, je pense que c'était par le Tchad ou c'était où. C'est quand Kadhafi sort de sa cachette que le temps le bombarde. Hein. C'est quand Kadhafi sort de sa cachette que le temps le bombarde, parce qu'il partait comme ils étaient convenus. Mais c'est après que les Américains disaient que fait le type là, il dit une chose et il fait une autre. Depuis les Nixon et les Reagan, il n'a jamais respecté sa parole. Donc c'est un type qu'il faut seulement le tuer. Donc c'est quand Kadhafi sort de ses bunkers qu'il décide de, on veut l'exfiltrer, que l'OTAN appelle les rebelles et donne la position de Kadhafi, et que l'OTAN bombarde d'abord le convoi de Kadhafi. Et c'est quand le convoi de Kadhafi est bombardé que sa garde rapprochée est éparpillée. C'est en ce moment donc que les services secrets français, les rebelles viennent. Hein. Donc ne viens pas croire que comme Kadhafi est... Non, non. Kadhafi a été bombardé parce que les Européens n'ont pas respecté leurs paroles. Kadhafi a été tué parce que les Européens n'ont pas respecté leurs paroles. Kadhafi sortait de la Libye pour que son pays retrouve la paix parce qu'il en avait marre de voir les trucs. Donc ne viens pas essayer de parler. Donc, la France ne peut pas partir en guerre seule. La France ne peut pas partir en guerre seule. L'époque de Waterloo est finie. L'époque de Waterloo est finie. C'était la plus grande puissance mondiale. Non, c'est fini. Aujourd'hui, c'est là. Aujourd'hui, si ce n'est plus à l'époque là où tu dépassais quelqu'un. Non, aujourd'hui, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Donc, ne viens pas nous parler. La France ne peut pas venir au Cameroun. Elle sort. Si la France vient seule au Cameroun, si elle vient seule, qu'elle laisse le temps, si elle entre seule au Cameroun, dit qu'elle veut déloger Paul Biya, elle va se ramasser une raclée monumentale. Elle va se ramasser une raclée monumentale. Ce n'est pas les histoires de parler ci ou de parler ça, là, mon frère. Et elle ne connaît pas le Cameroun. Aujourd'hui, la France se retrouve dans une situation parce que l'Afrique lui échappe. Aujourd'hui, la France se retrouve dans la situation. Si tu as suivi le direct au début, tu allais voir ça. La situation dans laquelle la France se retrouve aujourd'hui, c'est parce que l'Afrique est en train de lui échapper. Et vu que l'Afrique est en train de lui échapper, elle sort tous les stratagèmes. L'Afrique est en train d'échapper à la France. La France n'est plus le roi qu'elle croyait. Voilà. Ça, c'est toujours ça. On a fait face. Paul Biya, c'est un... Paul Biya, c'est un politicien que vous n'avez même pas l'idée. Vous n'avez même... Il sera... Si on a des historiens ou si on a des hommes sincères, on va le décrire dans les années peut-être 50, 100 ans après comme un prophète, comme un philosophe, comme un phénomène. Mais c'est un... La France va s'écouler. L'Europe va s'écouler. C'est moi qui te dis. L'Europe va s'écouler. Il suffit juste que Paul Biya nous sorte du franc CFA. Il suffit juste qu'on a notre propre banque centrale comme le Nigeria. Même ce que l'Afrique, Macron est parti signer en Afrique de l'Ouest ne tiendra pas. Même ce que Macron est parti signer en Côte d'Ivoire ne tiendra pas. Il suffit seulement que la France, que Paul Biya nous sorte du franc CFA. C'est tout ce qu'on demande, qu'on sorte du franc CFA. Je te promets que la France s'écoule. Si tous les pays de la BCA, de l'Afrique centrale, là, si tous les 6 pays là sortent du franc CFA, la France s'écroule. La France s'écroule. Ce n'est même pas à discuter de midi à 14h. La France s'écroule. Si tu pouvais comprendre le mécanisme du franc CFA, tu allais comprendre un certain nombre de choses. Si Popol nous sort du franc CFA, la France s'écroule. J'ai dit bien le Tchad. Le Centrafrique, le Gabon, la Guinée, le Congo, le Cameroun. Si tous ces pays-là ont une seule monnaie pour toutes ces zones-là, la France, mais vous allez voir quelque chose. On va, je vous ai dit que hein, ceux qui disaient qu'ils vont partir à gauche, à droite, vous allez rentrer au Cameroun. Les Africains, vous allez rentrer chez vous. Je vous dis, vous allez vous souvenir de moi, vous allez rentrer chez vous. Vous allez voir de vos yeux comme ça. Là.
Attendez qu'on dégage le franc CFA. On ne dira pas. Les acquis, là, vous n'auriez plus rien. Vous allez voir maintenant ce qu'on appelle le racisme. Vous allez voir donc quelque chose ici, là. De toute façon, on va commencer à tuer les Noirs dans ces pays-ci. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Vous allez voir de vos yeux que les 6 pays-là sortent. Si les 6 pays-là sortent, comme le président Déby est déjà là comme ça, là. Obiang est déjà là comme ça, là. Et Paul Biya, comme il est tout dans son coin, il agit, il ne parle pas là. Quand ils vont dégager cette monnaie-là, on va... Ah, vous allez voir quelque chose. Vous allez, ceux qui ont vendu les terrains là pour venir en Europe, vous allez confirmer. Vous allez confirmer. Un pays qui passe son temps à parasiter. L'Amérique même. Si ah, vraiment. Je te dis que, Evelyne, quand De Gaulle a fui la France comme un petit rat, comme il dit là, comme un rat palmiste, quand il a fui, il est allé se réfugier en Angleterre. Il a demandé l'aide à Churchill. C'est Churchill, je ne suis pas anglais, donc la prononciation est un peu compliquée. Il a demandé l'aide à Churchill. Churchill lui a dit que mon frère, tu as un empire derrière toi, tu ne veux pas exploiter comment? Va prendre l'aide en Afrique. Qu'est-ce que De Gaulle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné où? C'est en Afrique qu'il s'est retourné. C'est en Afrique avec la vente des matières premières, avec les hommes. C'est comme ça qu'on a déployé une armée qui est venue relever la France. Est-ce que c'est qu'ils vont venir nous raconter que De Gaulle va parler quoi? De Gaulle va parler. Le réveil de la France sort du Cameroun. Sort du Cameroun. Parce qu'à l'époque, le Sénégal, tout ça, c'était les pays pétainistes. Tout ça, c'était, ils étaient sous le contrôle des Pétain. Mais c'est quand il retourne au Cameroun, c'est pour ça qu'on a baptisé, il y avait une avenue là-bas qu'on appelle ça avenue du général de Gaulle, qu'on a baptisé aujourd'hui avenue Amadou Ahidjo. Mais c'est de là que les gens sont sortis pour partir lutter le nazisme en Europe. C'est de là qu'ils sont sortis, c'est de cette avenue-là, avenue Amadou Ahidjo. Est-ce qu'on vous dit ça? On ne va pas vous dire ça, ce n'est pas marqué dans les livres d'histoire. Donc, c'est de là qu'il est sorti. Avec la vente de quoi? Du gold can, des matières premières, c'est avec ça qu'on a financé toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, ils sont venus renverser le nazisme. Et quand ils ont renversé le nazisme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a retourné ces gens-là. On a retourné on a retourné les mêmes politiques nazies sur ces pays africains. Et c'est comme ça que les parents qui ont bagarré le nazisme sont retournés en Afrique. Et c'est comme ça que les vagues d'indépendance ont commencé. Et vu qu'il y avait plein de Camerounais dans cette guerre-là, c'est pour ça que le Cameroun a toujours été un pays acharné à son indépendance. Parce qu'il y avait plein de Camerounais dans cette guerre d'indépendance de la France. Mais ça, on ne nous dit pas. Quand les parents sont rentrés aujourd'hui, ils ont préparé. Quand vous voyez le parti de Oum Niobel, l'UPC, vous voyez que l'UPC sortait son... L'UPC, c'était quoi? C'est les gens qui ont fait la guerre qui sont revenus. Ils ont formé un noyau, ils ont commencé à sensibiliser les gens. C'est même pas aujourd'hui la diaspora qu'on a aujourd'hui qui disait qu'ils ont vu le métro, c'est le paradis. C'est que la diaspora qui dit qu'elle a vu le métro, c'est le paradis. Comme si le métro... Mais le métro stresse même les gens plus qu'autre. On est devenus les rats qu'on va vivre sur le trou. On est devenus des animaux qu'on vit sur le trou. Le métro stresse. C'est pour ça que la majeure partie des gens préfèrent même les bus. Parce que quand tu es dans le trou, là, ça commence à te stresser. Donc, si les gens viennent nous parler du « j'ai vu le métro » et je trouve que c'est moi, c'est déplorable. C'est déplorable, ça. De dire que le métro, c'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir un autre système de transport en dehors du métro? C'est ça, le truc. Quand on va passer le temps. Et même chez nous, on n'a pas besoin. On peut inventer un nouveau système de transport. Je vous dis que regarde le métro. Quand les gens sont dans le métro, ils ne se parlent pas. Tout le monde est stressé. Tout le monde est... Parce que ce n'est pas adapté. Les gens ne doivent pas vivre sous la terre comme les trous, comme les rats. Ce n'est pas adapté. On peut adapter un nouveau modèle de transport. C'est pour ça que je dis que comparaison n'est pas raison. Tant que vous avez pris la France comme le truc,
c'est pas moi, le géomètre de la civilisation. Donc, pour vous, ça s'arrête à la France. C'est qu'il y a un problème. On peut penser à nouveau, et c'est pour ça que je dis tous les gens, pensez, apprenez à penser de vous-même. Apprenez à penser de vous-même. Le métro, on peut avoir un nouveau système de transport qui ne pourra pas polluer comme le métro, qui pourra mettre les gens joyeux. Voilà, donc on est en train de faire les choses et on veut se comparer à tel. Est-ce que c'est adapté à nous, à notre univers culturel, à notre espace? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que tu as cherché à savoir? C'est la même chose qu'aujourd'hui, on veut construire les maisons avec le ciment. Alors que les parents ne construisaient pas avec le ciment, on avait des trucs qui étaient adaptés à notre sol, à notre terre. Mais on ne veut pas toujours comparaison. C'est pour ça qu'on ne va pas faire, on fait un pas en avant, on fait 100 pas derrière. Parce qu'on est toujours en train de copier. Imiter. Jamais pouvoir penser de soi-même. Toujours vouloir faire ce que les autres ont fait. C'est bien pour l'Europe, mais est-ce que ça sera bien pour nous? Et effectivement, Fallon, on a suffisamment d'espace. Dak, je pense que là, tu commences à suiter le Cameroun des mers, des consommateurs. Je trouve que ça commence à faire un peu trop. La civilisation dans laquelle on est, c'est une civilisation africaine. Donc, si on n'est pas capable de penser un autre développement, si on n'est pas capable de penser un avenir prospère, meilleur pour notre continent, et si on veut toujours passer le temps à copier, franchement, ça ne va rien donner. Aujourd'hui, la civilisation dans laquelle on est, c'est une civilisation africaine. C'est une civilisation africaine. La civilisation... La France, c'est sauf que pour s'accaparer de cette civilisation, il a fallu... Mais il y a les enfants... C'est pour ça qu'il faut encourager nos enfants, Fallon. Il faut encourager nos enfants. Il faut leur donner les moyens de pouvoir aller au bout de leur objectif. Il faut encourager les enfants. Hein? Il faut redonner confiance à ces enfants-là parce qu'on a des génies, mais on n'a juste pas... On n'a même pas l'idée. On a des génies au Cameroun, en Afrique. Mais encourageons-leur, donnons-leur les moyens. Montrons-leur que tout est possible. Arrêtons de les faire croire que c'est l'enfer. Tout ce qu'on nous a dit avant, c'était pour tuer le génie des enfants. Tout ce qu'on faisait là, c'était pour tuer le génie des enfants. Aujourd'hui, il faut qu'on rechange de fusil d'épaule et qu'on pense une autre façon de voir les choses. Qu'on pense différent des autres. Oui, mais parce que là, ça commence à être trop fait. Les gens arrivent en Europe. Les professeurs arrivent en Europe. C'est que les professeurs arrivent en Europe. Ils se disent grands professeurs. Mais quand tu entends leur analyse, quand tu entends les façons de voir la vie, tu te rends compte que vraiment, on ne peut plus compter sur ces gens-là. On ne peut plus compter sur ces gens-là parce qu'ils ont une analyse fausse de l'Afrique. Ils ont un tableau faux de l'Afrique. Ils se font passer pour les grands professeurs d'université. Ils se font passer. Mais quand ils te sortent une analyse de l'Afrique, tu te rends compte qu'ils se trompent amèrement. Ils se trompent, ils se sont toujours trompés. Et c'est des gens comme ça qu'il ne faut plus écouter, qu'il ne faut plus suivre. C'est des gens comme ça qu'il ne faut plus écouter et qu'il ne faut plus suivre. Parce que on a trop fait confiance à des gens qui nous ont déçus. Donc le moment est arrivé de penser de nous-mêmes. Tu es parti à l'école, c'est bien pour toi. Mais quand tu commences à sortir un truc là, un schéma qu'on ne parvient pas à comprendre, on te met de côté. Tous ces gens qui sont ici en Europe, qui travaillent dans des ministères en Europe, des professeurs dans des universités, n'écoutez pas ces gens-là, ils ne peuvent que rouler pour la France. Parce que s'il veut faire le contrat, on va le virer de son travail. Je vous dis, on va le virer de son travail. N'écoutez pas ces gens-là. Il ne faut plus écouter ces gens-là. Tous ces gens, si tu veux faire le contraire, on va te virer. On va te virer. Et vu qu'ils ne savent rien faire d'autre, ils ne seront même pas capables de courir le risque. Ils ne seront même pas capables. Donc, les trucs que ces gens ont pondu, il y a les gens qui ont traité Gbagbo hier des terroristes. Les gens qui ont dit que Gbagbo est à sa place à la haie. C'est les mêmes gens que vous voulez, les mêmes gens que vous voulez faire confiance. On ne peut plus les écouter. On ne peut plus. Ils ont des analyses fausses. Ils sont juste en train de préserver leur intérêt. Ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est tout.
ils font ce qu'on leur dit de faire. Donc, ça ne sert à rien de... Ça ne sert à rien, je dis bien complètement à rien de les écouter. Les gens qui vont arriver en France et qui vont considérer la France comme le paradis et que nous, c'est l'enfer, ok, dites-les, c'est bon, et qui trace son chemin. C'est tout. C'est tout. Au lieu de revenir nous emporter des histoires, monter, descendre, batati, patata, sortir les théories, alors que sur pied, c'est le contraire. Alors que sur pied, c'est le contraire. C'est le contraire. Ils sont là pour amerder les gens. Ils arrivent, c'est les insultes, c'est ci, c'est ça. Ils ne sont pas capables de prendre un raisonnement. C'est des gens comme ça qu'on a. Et ils font trop de bruit. Et ils font trop de bruit. Je dis bien trop de bruit. Donc, on a le devoir, nous, aujourd'hui, d'avoir une autre vision. De tous ces gens qui font le bruit aujourd'hui, qui ont fait le bruit hier, qui continuent à faire le bruit aujourd'hui, c'est des suiveurs. Quand ça va péter, quand ça va avancer, ils seront les premiers. C'est ça, c'est ce qu'on appelait les collabos. Ils seront les premiers à dire, oui, oui, nous, on était là au combat. C'est ça, le collabo. Ils ne sont pas capables de ranger leur pays pour que ceux qui vont les suivre vont bénéficier. Ils fuient pas de s'expatrier ailleurs. Et étant ailleurs, là même, au lieu de faire profil bas, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Maintenant, quand les autres prennent le temps d'arranger, de faire les choses bien, ils profitent encore pour insulter ces gens-là. Mais sauf que quand ça commence à porter les fruits, demain, ils tournent la veste. Il y a plein aujourd'hui qui ont passé le temps à insulter Biya, à insulter l'armée camerounaise. Ils étaient sûrs à 100% que non. Cameroun, là, ça va virer au chaos. Telle personne va prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait fausse route. Ils arrivent doucement. Ils veulent se fondre dans la masse. Ils veulent se racheter. Ils veulent se racheter. C'est les gens qui n'ont pas de personnalité. Les insultes, ils arrivent, ils commencent à insulter. Ils ne peuvent pas te pondre un truc. Ils ne peuvent pas te pondre un truc. Ils viennent insulter. Ces gens-là, il faut les connaître. Ça ne sert à rien de les accorder, ne serait-ce qu'une minute de votre temps. Ça ne sert à rien d'accorder. Je dis bien, ne serait-ce qu'une minute de votre temps. Tu fais ce que tu as fait. Tu fais ce que tu as fait. Ce sont eux qui resteront commentés. C'est le genre d'esclaves là qu'on a en Afrique, esclaves des maisons. Quand c'est le colon qui parle, ferme la bouche. Toi, le frère, tu peux avoir raison à 100%. Il ne parle pas parce que lui, à côté du colon, il se considère toujours comme un sous-homme. C'est un esclave dont le colon a toujours raison. Quand tu veux le convaincre, non. C'est le colon qui a parlé. Les gens comme ça, il faut les connaître. Ne passe même pas une minute, deux minutes avec le genre là. Il va te faire plus de mal qu'autre chose. Tu le laisses tranquille dans sa folie. Demain, ça sera le collabo de service. Demain, quand tu vas faire tes projets qui savent fonctionner et que le pays va trouver une émergence, c'est les mêmes gens qui vont dire non. Nous, ils vont changer de nom. Ils vont dire non, nous on était. C'est les mêmes gens. Donc aujourd'hui, vu qu'on connaît ces genres de personnes-là, tu reprends une, deux, trois fois. Après, il va te sortir un tutoriel et tu le mets de côté. Tu le mets de côté, il reste tranquillement avec sa frustration. Il reste tranquillement avec sa frustration. Aujourd'hui, où sont les marches de la basse de tous les samedis? Où sont les marches de la basse? Parce que ça, c'était quoi? C'était de la frustration. Il n'y avait aucune culture, il n'y avait aucune révolution. Il y avait des leaders qui voulaient se faire de l'argent et qui voulaient profiter des filles qui étaient naïves. Ils ont embrigadé une partie de la population dans les bêtises. Ceux qui voulaient vraiment le changement, là. Ils les ont embrigadés. Aujourd'hui, c'est où? Ils sont en train de se dévorer. Parce que quoi, il y a 1 000 euros qui sont passés, il y a 2 000 euros qui sont passés, il y a 10 000 euros qui sont passés. Ils ont Solam. Ils ont pris ça. Et ils sont en train de critiquer les autres que vous faites de la corruption, alors qu'ils font exactement ce qu'ils sont en train de reprocher aux autres. La marche, c'est où? Vous commencez une révolution avec le bruit. Non, ça n'est pas le bruit, mon frère. C'est doucement, tu poses. C'est pour ça qu'on vous dit, même le professeur Ago le dit, un changement prend du temps. Il est minutieusement, on pose les pas du changement, on pose les bases du changement. Un changement ne vient pas où, non. Celui qui va te montrer ça, il te ment. Un changement, ça vient progressivement. Le changement vient progressivement. Et c'est ce qui se passe chez nous. Les faibles qui n'ont jamais rien fait de leur vie, ce sont ceux qui croient que tout est facile. Quand tu construis même ta petite maison de 500 000, ils sont toujours en train de simplifier. Parce qu'ils ne savent pas la notion de construire. Ils ne savent pas que pour mettre ne serait-ce que cette maison de 500 000 par terre, tu as d'abord passé le temps à le réfléchir et cette réflexion t'a pris du temps. Tu t'es privé d'un certain nombre de choses parce que tu voulais faire ça. Mais vu qu'eux n'ont pas cette notion-là, eux, c'est des...
C'est des parasites. Ils n'ont jamais fait d'effort. Ils ne veulent pas faire d'effort. Ils attendent le Messie. Le changement va venir. Donc, ce sont ceux qui sont prêts à tout détruire. Les gens qui appellent les guerres dans des pays, ce ne sont pas ceux qui font la guerre. Ce ne sont pas les frères qui iront en guerre. Ce ne sont pas ceux qui le font cette guerre-là. Ce ne sont pas ceux qui financent cette guerre-là. Mais ils appellent la guerre parce qu'ils ne savent pas les conséquences de la guerre. Il y a les gens, les militaires américains qui sont partis en Irak, ils sont revenus, ils sont rentrés, mais ils sont rentrés, c'est des tarés, ils ont tué toute leur famille. Parce qu'ils ont toute la notion du champ de bataille. Ils croient tous qu'ils sont en guerre. Ils ont toujours cette notion-là parce que la guerre-là a laissé les séquelles. La guerre, mais tu vas voir des petits-enfants-là de 20 ans, 25 ans-là, 30 ans-là, qui ne veulent oui, ce sont ceux qui parlent guerre, guerre, guerre. Parce que pour eux, non, c'est un mot qui est facile. Mais est-ce que vous savez l'après-guerre? Est-ce que vous savez l'après-guerre? Non, c'est les gens comme ça là. Ils n'ont jamais rien fait de l'évier. Il y avait Musin voyant qui disait qu'ils n'ont jamais payé champagne. Ils n'ont jamais payé whisky. Mais partout, partout, c'est eux qui gâtent le nom des gens. Quand tu mets, ils boivent. Mais ils n'ont jamais payé. C'est la même chose. Ils n'ont jamais rien construit. Ils n'ont jamais rien fait. 50 ans, ils sont là aigris. Aigris. Ils sont passés à côté de leur vie. Ils sont pleins en Occident. Ils ont cru que l'Europe allait être la solution à leurs problèmes. Ils sont arrivés en Europe, ils ont commencé à mettre les jeans slim et les chaussures pointinini. 60 ans, ils sont toujours là dans les jeans slim, chaussures pointinini. Il est en colocation ou il est dans un studio. Femme, il n'a pas. Enfant, il n'a pas. C'est parce qu'il a toujours vécu dans un rêve. Il voulait se marier avec Beyoncé. Il voulait se marier avec Jennifer Lopez. Il n'a pas compris que les conditions dans lesquelles il se trouvait ne le permettaient pas d'avoir accès à ces femmes-là. C'est les mêmes choses que les femmes-là qui veulent se marier avec les P. Didi, les 50 Cent, mais ils vivent en cité. Ils n'ont pas compris que les conditions dans lesquelles ils sont ne les permettent pas de se marier avec ces gens-là. C'est comme ça qu'ils ont pas, ils sont passés à côté de leur vie. À 50 ans, ils sont jaloux de leurs copines qui ont accepté de se marier avec le petit maçon du coin, qui ont formé quelque chose, une famille, des enfants. Ils ont leur petite maison, ils sont heureux, ils sont jaloux de ces gens-là. Ah non, ah, c'est sa fille ici. Ah non, son enfant est ça. Ah, aigri. Ils en veulent au monde entier, ils en veulent à la terre entière. C'est ce qu'on a à la diaspora. C'est ce qu'on a à la diaspora et je les appelle les frustrés. C'est les frustrés de la diaspora. Ce sont eux qui ont décidé de brûler le Cameroun parce qu'ils n'ont pas pu réaliser leur rêve. Ils ont vécu dans un film d'Hollywood, Love Story. Love Story, le genre de, tu veux draguer la femme, tu laisses tomber quelque chose, elle se baisse, vous baissez ensemble, la tête se compte, vous souriez, vous partez. Non, non, ce n'est pas ça, mon frère. Ce que vous voyez là, c'est dans la télé. Mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est autre chose. Donc, ils n'ont pas su faire la part des choses entre Hollywood et la réalité. Ils n'ont pas su faire la part des choses. Et ils sont là, ils viennent nous insulter en permanence, nuit et jour. Je parle de ce que je connais. Je ne suis pas dans un dilemme ou dans... Je parle de ce que je connais. Oui, je peux employer les mots qui ne sont pas propices. Le français, ce n'est pas ma langue. Je n'ai pas bac plus... Je ne suis pas parti à l'école. Je ne suis pas parti. Même sixième, je n'ai pas fait. Je me suis arrêté beaucoup moins. J'ai décidé au bout d'un moment que bon... Les gens-là nous ont trop menti. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attraper le mensonge de ces gens-là? Les gens les plus intelligents m'ont dit, petit, mets-toi là, fais ça, fais ci, mets-toi à la lecture. Je me suis mis et j'ai vu la vérité. Je n'ai pas eu besoin de partir m'asseoir à l'université pour connaître ce que je connais. J'ai eu besoin de m'abonner dans une bibliothèque, arrêter d'acheter les All-Star, les Jordan, arrêter de me tatouer. J'ai dit, je vais acheter les livres. J'ai commencé à acheter aujourd'hui. J'étais dans tout ce qui était dit. C'est ce que les gens ont théorisé. On peut développer notre pays. Nous, on est la génération sacrifiée. Acceptons ça. Travaillons pour que les gens viennent bouffer. On vient bouffer les allocations familiales en France. C'est les gens qui sont morts pour ça. Hein? Les révolutions françaises, les manifestations, c'est les gens qui ont donné de leur vie pour que les générations qui suivent, qui sont là aujourd'hui, profitent. Donc nous aussi, on a le devoir de s'éduquer, de travailler pour que ceux qui vont venir vont profiter de ça. Et ils pourront dire, effectivement, nos ancêtres ont travaillé. C'est tout. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie. Si on ne le fait pas, c'est qu'on est des égoïstes. On n'a pas envie de... On n'a pas envie... On n'a pas la culture de l'effort. On n'a pas la culture de l'effort. On demande tout, mais on ne donne rien.
On demande tout, mais on ne donne rien. L'État doit tout faire. L'État doit tout nous donner. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on a donné? La carte d'identité, tu as? Non. Carte électorale, tu as? Non. Tu as voté? Non. Mais quel est ton rôle dans les citoyens, mon frère? Allez défendre vos votes. Tu défends le vote que tu as voté, quoi? Tu as voté quoi? Tu pas défendre ton. Allez défendre vos votes. Ils sortent donc les moutons, les moutons. Tu as voté quoi pour défendre ça? Rien. Vous voyez que les gens, certains viennent en Europe, ils rentrent en Afrique, ils voient comment les amis qu'ils ont laissés là, il a sa petite femme, il a acheté son petit terrain, même si c'est dans quel fin fond du quartier, mais au moins il a sa petite femme, ses enfants. Il a son petit, c'est un commerçant où il sort, il entre le soir. Il est là, tranquille. Il éduque ses enfants normalement. Lui, en Europe, il n'a rien de tout ça. Lui, en Europe, il n'a rien de tout ça. C'est comme ça que son ami, en lui recevant chez lui, lui a mis un coup de poing. Son ami même ne sait pas qu'inconsciemment, mais il lui a mis une punch. Il lui a mis une punchline. Le gars rentre comme ça, il dit « Merde !» Il voit ça, sa tête commence à tarotter. Ils arrivent, ils veulent détruire le pays pour que les gens perdent les acquis là. Mais par contre, il y a les gens de la diaspora bien éduqués, hein, et ce sont ceux-là qui, c'est la majorité silencieux, ils ne font pas de bruit. Parce que le samedi, ils sont chez eux avec les enfants, ils les amènent au parc, avec le mari, ils racontent sa semaine. Ceux-là, on ne les voit pas. Mais on voit seulement les terroristes là sortir tous les jours à la basse, parce que mari, il n'y a pas. Mari, il n'y a pas. Enfant, il n'y a pas. Oui, Fallon, ensemble, on y parviendra, ça c'est clair. Ça c'est clair, il n'y a même pas à discuter. On dit qu'une seule main ne peut pas faire un paquet. C'est nous tous. C'est les deux mains. C'est pour ça qu'on a le droit d'accompagner nos dirigeants. Tous ces gens de la diaspora qui manifestent là, c'est les gens qui sont seuls. La solitude. C'est à cause de la solitude que vous les voyez sortir. Si quelqu'un a son travail, on connaît bien le travail en Europe. En Europe, le boulot te bouscule. Le boulot te bouscule. Ça fait que le week-end, tu as une seule envie, c'est de te reposer. Si tu as ta copine, tu as ta femme, tu as envie de passer le temps avec elle. Donc, tous ceux qui partent manifester là, c'est les gens qui sont passés à côté de leur vie. Ils sont passés à côté de leur vie. Quoique le changement va venir, claquement des doigts, ça va venir. C'est chacun même qui commence par son propre changement, par une autre façon différente de voir la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire change pour que tu changes. Non, 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 ce n'est pas quelqu'un. C'est toi-même. Donc, quand les gens ne sont pas capables de comprendre ça, que mon propre changement dépendra de moi-même, il ne pourra absolument rien comprendre. C'est des manipulés et des manipulables. Les gens sont là, le seul programme politique, c'est Paul Biamosgo. Le seul programme politique, c'est Paul Biamosgo. Mais on a vu au Centrafrique, on a changé les régimes là-bas, ça a emporté quoi? En Côte d'Ivoire, ça a changé, ça a emporté quoi? Au Tchad, au Sénégal, ça a changé, ça a emporté quoi? Vous comprenez que ce n'est pas le régime qui est le problème. Ce n'est pas le régime. Au contraire, quand l'Europe veut déjà changer un régime, c'est parce que le régime a compris un certain nombre de choses. Il faut le dégager pour remettre les naïfs à la place. Et les naïfs qui viendront faire encore des contrats qui ramèneront le pays 100, 200 ans en arrière. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu commences à être malin, on te prend. Hein? Quand le régime commence à comprendre, pif, il faut qu'on le dégage. Il faut qu'on le dégage. On a passé le temps à diaboliser l'ancien président du Zimbabwe. Il est parti, l'économie de ce pays-là s'est écoulée. On a mis un comédien là-bas, ça s'est écoulé. Mugabe avait récupéré toutes les terres que les colons avaient pour le Zimbabwe. Mugabe a tout récupéré. Il a partagé ça à ses compatriotes. Il les a donné, c'est ce qui leur revenait. Quand les Européens ont, quand on a renvoyé le quand on a repris, ils ont donné le pouvoir. Quand ils ont repris le pouvoir, ils ont donné à leurs valets, ils ont récupéré toutes les terres. Ils ont récupéré toutes les terres. Vous parlez encore du Zimbabwe, c'est devenu le Dak ou c'est le Dak, donc l'antiquité, le Zimbabwe. On a diabolisé Mugabe parce qu'il était là pour le Zimbabwe, il travaillait pour son peuple. Il travaillait pour son peuple. C'est comme ça que ça marche avec ces gens-là. Aujourd'hui que Paul Biya a compris la supercherie, il veut au moins rétablir les choses. Il faut qu'on le fasse partir. On lui donne les guerres. Quand il était déjà dans la dynamique de reconstruction, de mettre le pays dans l'émergence dont il a dit, il faut qu'on lui donne les guerres qui lui permettront de ne plus avancer.
l'argent qu'on dépense pour ça. Vous savez combien une seule journée coûte à l'État du Cameroun pour la protection de notre pays? Une seule journée, vous savez combien ça coûte? Vous savez les millions qu'on dépense pour la sécurité du pays? Mais les gens qui sont archi déconnectés, les produits hors sol, ils viennent te parler de ce qu'ils ne savent rien. Ils ne savent pas. Ils viennent, ils te parlent. C'est des trucs dans lesquels on est. Et on a plein de comédiens comme ça, la diaspora. Plein de comédiens. Je les appelle des comédiens. Ils savent rien. Rien. Mais ils parlent, ils crient plus que le président de la République. Dit que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas fort qu'on n'a pas les choses à dire. Hein. Ils crient, tu n'as pas parlé. Et c'est comme ça qu'ils sont venus avec un système terroriste. Ils veulent terroriser les gens. Si nous-mêmes, on n'avait pas les pieds solides, qu'on est là dur, comme le casseau. On est là dur, tu nous parles, on te regarde. C'est qu'eux-mêmes, ils nous ont déjà terrorisés. Ils t'appellent, ils te menacent. Ils te menacent. Oh si, oh ça. J'ai dit, je suis debout comme un roc. Je suis là. Vous n'allez pas me faire pan. Ils te menacent. Tous des terroristes, ils ne sont pas capables de te dire les choses en face. Passe dans les réseaux sociaux, ils te font peur. C'est comme ça qu'ils possèdent. Fait peur. Mais c'est fini ça. C'est fini ça. La peur a changé de camp. Les méthodes de vos maîtres là, vous avez menti. Les méthodes que vos maîtres employaient, c'est fini. L'Africain est debout comme I, comme debout. Il est debout comme I. On va défendre nos propres pays. On n'a plus besoin. L'OTAN, restez chez vous. L'OTAN, communauté internationale, restez chez vous. Personne ne vient. Voilà la France qui est là aujourd'hui. Depuis des siècles, avec les gilets jaunes. Personne ne parle. Voilà les gens. Le transport ferroviaire français est en grève depuis un mois pour la réforme des retraites. Personne n'est entré. On a dit que c'est un pays souverain. Ils ont le droit de gérer les problèmes. Ça arrive dans les autres pays. Ils viennent nous dire qu'ils sont les pays civilisés, les pays droits de l'homme, que tel doit partir. Macron a demandé, on a demandé à Macron de partir. Ils sont dans une merde totale. On a demandé à qui de partir? C'est un pays souverain, gérer vos problèmes. Mais pourquoi c'est quand les autres, vous vous demandez de partir? Hein? Gilets jaunes, un an. C'est la même. Effectivement, Adrien, Yaya Diame, on a tout fait. On a tout fait avec la complicité de Macky Sall. Aujourd'hui, les mêmes Gambiens sont en train de confirmer, comme tu dis, ils voient quelque chose. Ils voient quelque chose. Tant que les Africains ne vont pas... De toute façon, les Camerounais, je pense que dans leur majorité, ils ont compris. Dans leur majorité, ils ont compris. C'est mal la petite guerre qui s'est passée au nord avec Boko Haram et celle du nord-ouest. Les gens là sont en train de comprendre que la petite liberté qu'ils avaient, que la liberté qu'ils avaient là, ils n'ont même plus ça. On traite Paul Biya des dictateurs. Mais le Cameroun, c'est un des pays en Afrique où il y a au moins... où les chaînes de télévision pondent nuit et jour. Où les journalistes même ont perdu, ils ne savent même pas c'est quoi la déontologie. Où il y a les fake news, où on insulte ce monsieur matin, midi, soir. Au Cameroun, on ne ferme pas. Les grands démocrates comme les Ouattara demandent de fermer Afrique Média. On ne dit que c'est là. Les gens interviennent, ils insultent Paul Biya en live. On prend toujours. Non, c'est un dictateur. En France, allez demander à Dieudonné. Il va vous dire. C'est quoi la démocratie? Il dit bien Dieu donné. Il a voulu un peu s'égarer. On lui a banni les médias. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Il y a les gens comme les Thierry Messant qui ont demandé l'asile en Syrie. Thierry Messant. Il y a les gens comme les... Il y a un autre qui a demandé l'asile en Turquie. Il y a un autre dissident français qui a entendu vouloir demander l'asile en Suisse. La France est pays des droits de l'homme. Où les Snowden, on ne les a pas donné l'asile en France, ils sont partis en Russie. Où c'est Edward Snowden, oui. Il a fui les États-Unis parce qu'il a estimé que sa vie était en danger. Il est venu en France, on ne l'a pas donné. C'est en Russie qu'il a eu l'asile. Où on a pris le monsieur de Wikileaks, Julian Assange. Il a fait près de, je ne sais pas combien d'années, dans une ambassade en Grande-Bretagne. Après, ils ont violé toutes les conventions, toutes les lois. Ces Américains, on a repris ce monsieur, on l'a renvoyé en prison aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a juste dénoncé les magouilles. Voilà. Le nègre des maisons est le champion du monde pour venir nous raconter qu'on est des dictateurs. Le nègre des maisons est le champion pour nous dire que
Il y a la dictature au Cameroun. Nègre des maisons. Quand tu veux toucher le maître comme ça, ouf, ouf, il peut mourir. Il peut mourir à la place du nègre, du maître. Il peut mourir. Ils sont pleins dans la diaspora. Tu tends un petit micro. C'est la dictature. Mais on est en France, d'un pays où on demande de sortir de l'euro. Il y a les Français qui ne sont plus là. Ils veulent seulement un débat même au niveau de l'euro. Mais une fois que tu es contre l'euro, tu ne passes même pas à la télé. Quand tu es contre l'euro, tu ne passes même pas à la télé. On n'était même pas. On n'était même pas à la télé. Tu ne passes pas. Quand tu as une idéologie différente de celle celle de l'idéologie dominante, tu ne passes pas. On ne t'envoie pas. Parce qu'on sait que tu peux faire réfléchir les gens. On maintient le peuple dans une de ces dominations catastrophiques. Tout est conditionné. Tout est conditionné. Il y a un déséquilibre. Il y a un fossé entre le haut et le bas. Non, ils n'ont pas les capacités de critiquer ça. Ça, c'est la mémoire du colonisé. Ça, c'est le colonisé, ça. Le maître a dit. La colonie, c'est entrer au plus profond de lui-même. Les États-Unis, c'était pareil. Aujourd'hui, on voit même le vrai Trump qui insulte les médias. Il a décrédibilisé les médias aux États-Unis et tout le monde voit. Tout le monde voit. Il a mis les médias à leur niveau où ils étaient les fake news. Que des fake news, que du mensonge. Les vrais scandales, ils ne montrent pas la désinformation du peuple. La désinformation du peuple, la paupérisation d'une partie du peuple. Et maintenant qu'il faut parler de l'Afrique, on va chercher les universitaires. Les gens qui sont payés par l'État français qui paupérise le peuple africain, les gens qui sont payés par ces États-là, c'est les mêmes gens qui viennent critiquer les gouvernements qu'on a. Parce que c'est tous des universitaires. Si tu tentes de sortir des rails, on te vide de ton université. Que quelqu'un ne sait comme ça que ça marche. Et comme c'est les gens qui ne sont pas capables de faire autre chose que ce qu'on les a pondu à l'école, ils sont obligés de s'aligner. Tu n'es pas capable, on te vide de ton université. Tous c'est les enseignants, non? Qu'est-ce qu'on fait? Les Ngandans, ce n'était pas les enseignants aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment il s'appelle celui-ci qui est en France, la mère? C'est Franken Nyamsi, ou c'est qui là? Tous c'est les universités, c'est les professeurs d'université. Ils sont là qu'on envoie pour insulter nos présidents. Parce que eux, ils dépendent de l'État français. Ils sont là. Tu ne veux pas, on t'enlève ton diplôme d'étudier. C'est comme ça que ça marche ici, ne discute pas. On va les mettre devant, ils vont venir avec le français, comme ils savent si bien le parler là. Ils parlent la langue de Moulay plus que leur propre langue. Ils vont nous pondre des chimères. Désinformer le peuple. Désinformer. Parce qu'il faut qu'ils travaillent. Ils ne pensent que collectif. Ils ne pensent plus collectif. Ils pensent seulement individuel. Et ils sont ceux qui vont venir nous pondre des chimères. Ils vont donner. On sait depuis la nuit des temps que notre malheur vient de l'Europe. Mais les gens vont toujours chercher les raisons. Les raisons à pouvoir défendre cette Europe-là. Aimé Césaire disait dans son... Quand vous prenez son petit livre, le discours de la... Le discours, c'est le discours de la servitude. C'est le discours. Aimé Césaire disait, la France est ingouvernable. Voilà ça. Aimé Césaire, discours sur la colonisation. Voilà ça. Est-ce que c'est machin qui... Voilà ça. Hein? C'est Aimé Césaire qui le disait. L'Europe est indéfendable. L'Europe est indéfendable. C'est lui qui le dit dans son discours. Prenez la peine de lire, mon frère. Prenez la peine de lire pour essayer de... Je sais pas. L'Europe est indéfendable. Les gens sont là, ils viennent nous parler. Qui peut défendre l'Europe? Même le meilleur avocat du monde ne sera pas capable de défendre l'Europe devant un citoyen. Il ne sera pas capable de défendre l'Europe. Mais nous, mémoire du colonisé, comme j'ai l'habitude d'appeler, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Les gens sont ces mal-là. Oui, le Cameroun ne va pas. Oui, le Cameroun ne va pas bien, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça s'améliore? Qu'est-ce que tu fais pour que ça s'améliore? On veut nous pondre les présidents qui vont arriver, vont faire 5 ans partis. Un président d'Afrique ne peut pas faire 5 ans partis. L'Afrique a besoin des hommes qui vont venir mettre même 30 ans, 40 ans là-bas, avec une idéologie. C'est comme ça qu'il pourra comprendre la fonction présidentielle. Paul Biya a commencé à comprendre la fonction présidentielle peut-être 10 ans après. L'Europe a juste envie de mettre les pions qui ne comprennent rien à la politique. Les gens qu'on peut manipuler comme on veut. C'est pour ça qu'on veut mettre les gens. On fait 5 ans, vous dites des partis. Ils appellent ça démocratie. C'est ça le problème. Tant qu'on n'a pas les gens qui vont penser un nouveau système de gouvernance,
Tant qu'on aura seulement des comédiens, des sans-caleçons, je ne sais même pas comment les qualifier, on ne pourra pas s'en sortir. On a besoin des gens de 50 ans au pouvoir. Il met 50 ans là-bas. Il va comprendre comment ça fonctionne. Et en ce moment, on va avancer. Les gens sont là, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Les gens sont venus nous pondre les trucs. Tu dois faire 4 ans parti. Tu dois faire 5 ans. Avec 5 ans, tu peux faire quelle réforme? Tu peux faire quelle réforme? On te met. Quand tu commences à faire les choses bien, après, comme ce sont eux qui financent, comme ce sont eux qui financent les politiques là, ils viennent, ils te dégagent. La réforme qu'on a faite qui est contre l'avantage, on casse ça et on refait à nouveau. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout ce que Gbagbo avait mis, qu'est-ce qu'on a fait? L'autre est venu balayer tout ça. L'autre est venu balayer tout ça. On est là, on vient parler que oh, c'est... Il a dit un président en Afrique doit mettre au moins 50 ans au pouvoir. Il a dit 50 ans. Vous le laissez là-bas pendant 50 ans, il va comprendre c'est quoi. Et il va comprendre la fonction présidentielle. Pas les bêtises qu'on nous prend. On nous dit Macron, jeune président. Ce n'est pas Macron qui a amené les gilets jaunes en France. Ce n'est pas Macron qui a amené les gilets. Les gilets jaunes là sont venus en quelle période? Ce n'est pas Macron. On vous dit qu'on veut le jeune, on veut le changement. On vous dit qu'on change pour changer. On vous dit qu'on change un président pour changer. Vous avez dit que vous... Le voilà, non? 38 ans. Le voilà, 38 ans. Il est jeune. Et ça a donné quoi? Le coût de vie des Français a chuté. Le coût de vie a chuté avec les réformes qui ne tiennent pas la route. Il enlève l'ISF, la fortune sur les riches. Il part, prend, les riches ne peuvent plus payer les impôts. Maintenant, c'est les étudiants qui payent. Les aides des étudiants qu'on faisait, c'était 10 euros, c'était 20 euros qu'on faisait pour les payer les maisons et tout. Il a tout enlevé. Il dit tout. Il a balayé. Tout, il a balayé. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Les gens sont seulement, ils viennent, ils pondent les histoires. On a les gens au pays, les soi-disant hommes politiques, ils n'ont jamais pris la peine même de se dire, c'est pas moi de comprendre comment ça fonctionne, est-ce que de lire. Non, parce qu'il a fait une université, il est sorti de là. Il a un ami ou un oncle qui était député. Il a commencé à porter au sac de son oncle, il est entré dans la politique. Et il vient nous pondre tout et n'importe quoi. Voilà ce qu'on a en Afrique. Voilà ce qu'on a en Afrique. Il met les costumes, il vient raconter des bêtises. Il dit qu'un président en Afrique doit mettre 50 ans. Les machines de 10 ans, là, 5 ans, c'est du n'importe quoi. Mais c'est du grand enfumage, non? C'est du grand enfumage. Quand on a les institutions fortes, comme le Cameroun, on prend comme toi en prison. C'est les mêmes sorciers qui viennent encore nous sortir que non, il faut le laisser. Mais c'est les institutions fortes qui ont permis à ce monsieur de faire 9 mois en prison avec sa bande. 9 mois, c'est les mêmes institutions fortes. Donc, ils font tout et le contraire. Et ces mêmes vampires, aujourd'hui, ils sont sortis des prisons. Chacun commence, c'est devenu. C'est devenu n'importe quoi. Hein? Ils ont fait, c'est devenu du grand n'importe quoi. Il dit bien n'importe quoi. Tu veux faire ci? On dit non. Tu veux faire ça? Ils sont seulement en train d'embrouiller. Le père a dit que Paul Biadé, est-ce que Paul Biadé gère même? Il connaît. Ils ont passé le temps à nous étudier. Nous, on a fini par les comprendre. Est-ce qu'il les gère? Ils peuvent pondre les chimères qui pondent là. Est-ce qu'il veut t'arrêter? Il t'est pris. Est-ce qu'il veut t'arrêter? Il t'est pris. Il t'arrête. Ils sont là. Ce sont eux qui encaissent l'argent de des mêmes chefs d'État pour le financement de leur campagne. Maintenant, ils viennent nous sortir ceci ou cela. Ce sont eux qui sont les champions pour pondre. Oh, il faut le financement. Oh, il faut si. Et on les finance. Les Ségolène Royal, financés par Kadhafi. Sarkozy, financé par Kadhafi. Aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui disent que non, c'est les dictateurs. Quand il a donné l'argent, ce n'était pas les dictateurs. Maintenant qu'il ne donne plus, c'est... Tant que le colonisé ne va pas comprendre ça. Tant que les gens ne comprendront pas ça. On va faire tout du sur place. On va tourner sur place. Un pas en avant, 10 en arrière. Un devant, 10 derrière. Moment arrivé de dire niet, il n'y a plus à ne tergiverser plus avec vous. Eux-mêmes, la politique, ils ne savent pas, ce n'est pas des démocrates. L'Europe n'a jamais connu la démocratie, c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de faire les guerres. Depuis Athènes, Rome, jusqu'à aujourd'hui, ils ne font que les guerres. Je dis bien depuis Athènes, passant par Rome, jusqu'à aujourd'hui, ce continent ne connaît que les guerres. Ils ne savent que les guerres. Et ils viennent nous parler à nous de démocratie.
Il vient nous parler à nous de démocratie. Un démocrate pas en guerre. Quel démocrate peut partir en guerre? Un démocrate ne part pas en guerre. Il nous parle des pays des droits de l'homme qui sont les droits de l'homme. Mais sont ceux qui ont régné l'humanité des gens près de 600 ans d'esclavage. Ils ont renié complètement l'humanité des gens. Ils viennent nous parler des droits de l'homme. Ils emploient le nazisme en permanence sur les pays africains. Ils viennent nous parler des droits de l'homme. Et les individus sont là, les colonisés sont là. Oui, c'est le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme. Les gens qu'on a déjà, ils ne savent pas lobotomiser. Ils s'écoulent la tête. Oui, c'est le droit de l'homme. Quel droit de l'homme? Nous, on n'est pas les hommes. S'il faut parler des droits de l'homme, nous, on n'est pas les hommes. La France passe le temps, l'Europe passe le temps à tuer, à piller les Africains, les maladies, sida, Ebola, syphilis. Tout ça, c'est les maladies fabriquées par l'Europe. Tout ça, c'est les maladies fabriquées par l'Europe. Ebola, c'était les maladies fabriquées pour faire chanter les présidents africains pour accéder aux mines là-bas. Toutes ces maladies, c'est fabriqué par l'Europe. Ils sont là, ils viennent chanter droits de l'homme. Il vient nous raconter des histoires. Vraiment, on est là, on croit. On est là, on croit. C'est ça le problème. Nous, on est là, on croit. Il nous pondent les choses, on croit. Il nous pondent les choses, on croit. Parce qu'on n'a pas les capacités de pouvoir penser de nous-mêmes. Aucune capacité. L'Afrique, l'Europe vient, pays sous-endetté. On est là. Quelle dette même? La dette même que vous parlez là, quelle dette même? Quelle dette? Quelle dette? On a déjà payé la dette fatiguée. Mais ils sont en train de nous prendre le mécanisme de la dette. Parce qu'ils savaient que c'est ça qu'ils vont soumettre nos présidents. Tous les jours, pays endetté, on a payé les dettes depuis des siècles. Mais c'est toujours les mêmes choses qui arrivent. C'est toujours les mêmes choses qui arrivent. Parce que quoi? L'État envoie les gens à l'école. Au lieu de sortir de l'école, revenir défendre vos propres intérêts, non, ils sont restés en Europe parce qu'il y a le luxe. Le luxe. Ils diabolisent, ils travaillent contre les peuples. Ils travaillent contre les peuples. Les Africains, les gens sont là. Oh, c'est les Sidian Diaye. Travailler pour Macron. Oh, c'est bien. Les Africains sont là, ils sautent. Ramayat, travailler pour le. Oh, les Africains sont là, ils sautent. Vous avez vu une noire Afrique. Obama était noir. C'est pas lui qui a torturé l'Afrique. C'est pas lui qui a torturé l'Afrique. Vous avez vu quel noir travaille dans un gouvernement en Europe qui peut travailler pour l'Afrique. Hein? Et tout ça, tant qu'on n'a pas atteint la grandeur d'esprit là, tant qu'on n'a pas atteint cette clairvoyance là, on va tous se faire. On va tous se faire rouler. On va tous se... Quelqu'un me dit que je suis fanatique. Il n'y a aucun fanatisme là. C'est la réalité. C'est la réalité. Tu es fanatique, bien même que tu fais la prison après ta peine. Il faut bien que tu sortes. Non? Mais bon, dans notre pays, c'est. Est-ce que. Quel fanatique? Je défends mon beefsteak. Je défends mon beefsteak. Que tu défends ton pays, ça devient le fanatisme. Tu défends ton pays, c'est ça le problème avec l'Afrique. C'est ça. Et on demande tout. Ils sont là, ils ne veulent pas changer. Mais le problème de l'Afrique est mental. C'est ça le problème de l'Africain. C'est mental. Tant qu'il va se défaire de ses chaînes mentales-là, tant qu'il va se considérer comme un homme et ne plus attendre que ce soit l'Occident qui le dise si oui ou non, il est un homme, en ce moment, il pourra vraiment penser. Mais tant que mentalement, il est encore enchaîné. Comme disait Malcolm X, les Africains sont sortis des champs de canne, mais les champs de canne sont entrés dans nos têtes. Les champs de canne sont entrés dans nos têtes. On est toujours là, toujours des damnés de la terre. Toujours les damnés de la terre. C'est nous qui sommes là, on passe le temps à défendre l'indéfendable. L'indéfendable, on passe le temps à défendre. On passe le temps à défendre l'indéfendable. Les gens ont fait ce que les autres n'ont jamais fait. Tu n'as jamais vu un Américain à l'extérieur de son pays insulter l'Amérique. Quand il tente, il est considéré comme traître à la nation, on le tue. Donc, il n'a jamais trahi son pays. On a vu une star chinoise, quand les manifestations ont commencé en Chine, elle a pris le côté de son pays. Elle a crié. Elle est star chinoise à Hollywood. Elle s'en foutait de sa carrière. Elle a pris le côté de son pays. Tu n'as jamais vu un Européen partir à l'extérieur de son pays, insulter son pays. Même si son pays est tout. Ils savent très bien le mal que ces pays nous ont fait. Mais ils veulent toujours romantiser le mal là pour nous dire oui, la colonisation était une bonne chose. C'est ce qu'ils nous disent. Hein? Fillon est venu. La colonisation était une bonne chose. L'Africain dit oui, c'était une bonne chose. L'esclavage, on a vu une ministre française.
venir dire que non, l'esclavage, c'était seulement venir chercher les forts pour les faire ou je ne sais pas quoi. C'est ça, les Africains, ils cherchent toujours à défendre. Le colon dit que c'était une bonne chose. Oui, c'était une bonne chose. Voilà ça. Défendre l'indéfendable. Défendre l'indéfendable. Donc, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter aussi des gens aussi nuls comme ça là? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons mériter ça? Quand tu défends ton pays, on cherche un autre. Non, tu es fanatique. C'est comme ça que eux, quand tu défends ta terre en Afrique, on dit que c'est un terroriste. Mais par contre, eux, quand ils défendaient leur terre contre le nazisme, c'était les résistants. Hein? C'était les résistants. Mais quand un pays commence, un président commence à protéger, c'est non, c'est un dictateur. Voilà, comme ils cherchent toujours les mots. C'est la même chose qu'ils arrivent chez nous, ils sont les expatriés. Quand nous, on vient, ils sont les émigrés. Donc, ils sont toujours en train de chercher les mots pour nous disqualifier. Mais nous, on est là, on ne comprend pas ça. On est tombé dans l'idéologie du colon et on veut se battre comme avec les armées du colon. On n'est pas capable de s'approprier nos propres armes pour se battre. On n'est pas capable de s'asseoir, lire un chèque en tant que nation d'agriculture pour comprendre ce qu'on était. On ne veut pas s'approprier notre histoire alors que les solutions sont dans le passé lointain africain. On ne veut rien faire, on veut le changement. Quelqu'un est venu avec un mouvement pour le changement, c'est de quoi oh? Mouvement. On a compris un petit mot passé dans que changement, les moutons sont tombés derrière parce qu'on a parlé de changement. Mais mon frère, c'est quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire pour changer ta vie. Tu connais bien ce qu'il faut que tu fasses pour changer ta vie, mais tu ne fais pas. Mais tu ne fais pas. Voilà le Cameroun, c'est encore le vert, c'est la forêt. Personne n'accepte de cultiver parce que vous estimez que non, c'est sale. Le Cameroun est en pleine construction. Personne ne veut faire la maçonnerie là-bas. Non, c'est souillant. Mais ils arrivent ici, ils partent être les Thomas en Kono. Ils partent être les gardiens. Ils partent faire les travaux les plus répugnants. Les trucs les plus merdiques. C'est ce qu'ils partent faire. Mais étant chez eux, personne ne veut faire. Rentrez donc, dites à votre peuple que non, on s'est trompé. C'était comme ça. Comme vous n'avez pas. Je ne sais pas. Hein, vous n'avez pas ça. Non. Vous êtes ça en ben. Et bon. Vous n'avez pas les femmes en Europe. Quand vous rentrez au pays, vous vous procurez des petites femmes que vous ne pouvez pas vous procurer en Europe. Vous nous dites, oui, Mbeng est bon. C'est eux. Ils achèvent les tuer en Mbeng. Ils achèvent les tuer en Mbeng. Quand ils arrivent dans le pays, ils sont contents. Ils se procurent des petites filles là-bas. Ils passent toutes les vacances au pays. Ils sont là. Ils sont là. Maintenant, non. Voilà la diaspora. Il faut qu'on reforme une diaspora instructive. Une diaspora positive. Il faut qu'on se donne les moyens pour pouvoir aider notre peuple à sortir de cette impasse-là. Que la diaspora silencieuse-là se manifeste. Elle encourage les gens qui ont les discours positifs. Elle encourage les gens qui veulent aider. Que cette diaspora se manifeste. C'est tous ensemble qu'on va pouvoir lever notre pays. C'est tous ensemble. C'est de pouvoir lire la corruption en Europe versée. Waouh, la corruption ici là versée. C'est parce que là, on voulait. Ça va bientôt se couper. Quand l'Europe a voulu sanctionner l'Iran, l'Iran a dit aux Européens que si vous tentez de sanctionner, je vais donner le nom de tous les politiciens européens qui ont été corrompus pour signer l'accord avec Obama. La fausse accord que Trump est en train de détruire. Les Iraniens ont dit que si vous appliquez la sanction de l'Europe, je vais donner les noms de tous les dirigeants européens qui ont pris l'argent pour ça. C'est comme ça que l'Iran les a manipulés. C'est des corrompus. Quand tu achètes Qatar People, un livre d'un journaliste, des journalistes français, c'est tous des corrompus. Je dis bien des corrompus. Mais ils arrivent chez nous, ils nous font croire qu'ils sont les... Ils sont je ne sais pas quoi. J'ai le livre ici, là. Le livre, là, où... Qatar People, merde. Vous allez voir.